Thank you.
Regardez-moi ce plateau, regardez-moi ce plateau. Les refs, bon, j'ai pas beaucoup de retard, je suis à 5 minutes de retard. J'espère que vous allez tout bien. Est-ce que dans le chat, tout le monde va bien? Je vous ai gardé à la main, vous êtes sur ma main là. Donc ça veut dire que quand vous écrivez dans le chat, je vous vois. Est-ce que tout le monde va bien dans le chat? Je vais avoir un maximum de flammes pour cette soirée. Alors les gars, bon, c'est la première fois que je commente une émission. Bon, ça va être chill, détente et tout. J'ai jamais fait, donc si je fais des petites erreurs, tu connais, il y a une première fois à tout, c'est comme le sexe. Alors du coup, les gars, j'espère que vous allez bien kiffer, vous allez passer un bon moment ce soir, tournoi Clash Royale. Je tiens à remercier Clash Royale qui nous permet d'organiser cet événement avec un plateau aussi impressionnant. Vous allez voir tous les invités. Aujourd'hui, on va tous s'affronter sur Clash Royale. En mode de jeu, c'est le tirage triple. Donc normalement, vous avez vu tout le monde s'entraîner. Ils se sont tous entraînés cette semaine. Je vais vous présenter tous les participants qui vont arriver ce soir. Je vous ferai des gagner des petits cadeaux au fur et à mesure du live. Je vais vous expliquer un peu le déroulement du tournoi avant, histoire que tout le monde se mette dans le bain. Là, j'ai une caméra qui me suit, mec, c'est incroyable. La prod est incroyable. Oh là là, le nombre de flammes dans le chat. En tout cas, les gars, j'espère que vous allez passer un bon live. Je compte sur vous pour mettre directement le pouce bleu, le s'abonner, mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Ça me fait plaisir d'organiser un petit truc comme ça. Ça change de d'habitude. Je sors de ma zone de confort. Donc, j'espère que vous allez passer un moment avec moi, avec tous les invités. Ça va être bon délire. Le but, c'est un tournoi fun. Ce soir, en jeu, il y a 20 000 euros. Plus particulièrement 27 000 euros parce que tout le monde repartira au moins avec de l'argent. Mais ça va se battre pour la première place. La première place, celui qui remporte la première place remportera. Déjà, avant de parler d'argent, parlons de la matière. On a un magnifique trophée envoyé officiellement par Clash Royale qui est juste ici. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est une petite édition. Est-ce que vous validez le trophée? Normalement, tu peux le mettre sur la tête. Petite couronne. En vrai de vrai, elle est stylée. Je la touche pas parce que ça porte malheur. Il y en a un qui, dans les coulisses tout à l'heure, avant d'arriver, il l'a mis. Je ne sais pas s'il va gagner. Il s'appelle Valouze. De toute façon, je vais vous montrer tous les invités. Petite couronne. En vrai, je la trouve stylée. Je regarde un peu le chat là. Oh là là, trop bien. Bah, c'est carré, ça vous fait plaisir. Donc, le premier remportera cette couronne et 10 000 euros. Le deuxième remportera 5 000 euros. Et du 5 au 8e, 1 500. Et du coup, entre le 3e et 4e, c'est 3 000 euros. Donc, tout le monde repart avec un butin. Mais plus tu arrives loin dans la game, plus tu arrives loin dans le tournoi, plus tu gagnes de l'argent. Donc, tout le monde va s'affronter. En termes de règles, il va y avoir 28 matchs. Bon, c'est beaucoup. Soyez bien, prenez un petit truc à manger, installez-vous bien parce qu'il y aura pas mal de matchs. Tout le monde va s'affronter. Donc, si vous voulez voir des duels, il y aura tout le monde qui s'affrontera en 1v1. Le but, c'est de remporter le plus de victoires. Donc, le but, c'est pas avoir de défaite. Si il y a une égalité, ça se jouera sur le nombre de couronnes. Donc, il est peut-être plus avantageux d'aller chercher quelques tours en plus pour pouvoir avoir plus de couronnes en cas d'égalité. Bref, je pense que les règles sont carrées. Et si on a le temps, fin du tournoi solo, on pourra faire des petites games de duo. Mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Je vous avoue, 28 matchs, ça va être sport. Ça va être sportif. Dans le chat, dites-moi si vous avez tout compris. Et à votre avis, qui remportera ce tournoi? Mettez pas moi, je sais que c'est moi qui va normalement gagner, mais je pense pas. Choqué de l'investissement dans la soirée, ça va être masqué. Mais gros, là c'est gros Clash Royale, ils ont régalé gros. On leur a dit on veut faire un tournoi, ils sont venus, ils ont fait ouais c'est bon, on vous aide. Gros, ils ont fait une dinguerie. Il y a le lien pour télécharger Clash Royale dans la description. Je pense que tout le monde connaît le jeu. En ce moment, tout le monde y joue, donc ça fait plaisir. Voilà. À votre avis, qui va gagner ce soir? Je regarde le chat. J'aime bien avoir le chat. Connais-moi quand je live, j'ai tout le temps mon chat. Trop bien, parfait, oui on a compris, parfait. Bon, bah je pense que sans plus tarder, on va commencer à recevoir les invités. Comme ça c'est bonne ambiance, j'arrête d'être toute seule, tu connais. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là.
Je vous remercie du fond du cœur pour ceux qui m'encouragent continuellement à faire des projets comme ça. J'espère que ça va vous plaire. J'attends vos retours sur Twitter, Insta, tout le tralala. Je pense qu'on va commencer à accueillir le premier invité. Je ne sais pas qui va rentrer dans cette salle, mais est-ce que la régie... Déjà, je tiens à remercier la régie. Applaudissements dans le chat pour la régie, pour ce live incroyable. J'ai des caméras qui volent et tout. Le premier arrive. Non. Ah, ok. Oh là là, oh le crack, oh le crack de notre génération, est-ce que t'es chaud? Ça va quoi, mon gars? Ça va, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, c'est vrai, on est là. Hein. Est-ce que t'es chaud pour ce soir? Ouais. Tu le sens comment? Ouais, franchement, moi. Bon, je le sens bien. Non, en vrai de vrai, je pense que je vais pas être le favori, mais je vais essayer d'être démerdé. Voilà. Tu joues beaucoup en ce moment ou pas? Ouais, ça va, je joue plus au... J'ai joué avec lui tout à l'heure, je l'ai éclaté. Ouais, voilà. En fait, j'ai appris le triple... C'est quoi, c'est le triple tirage? Ouais, triple tirage. En fait, je pouvais pas... J'ai pas de clan, du coup, je pouvais pas m'entraîner. Ah. Et je l'ai appris que tout à l'heure et je me suis entraîné contre toi. Parce que ouais, triple tirage, les gars, c'est pour pas qu'il y ait des mecs trop chauds ouais. qui ont leur deck. Ça laisse une part de chance. Voilà. Du coup, c'est... T'as trois cartes, tu dois en choisir une aléatoire et tu dois faire 10 choix pour avoir ton deck. C'est ça. Bon, bah, Valouze. Avec bonne chance, mon ref. Ouais, bah ouais, c'est pas pour dire, mais Valouze, avant d'arriver, il a mis la couronne sur sa tête. Hein. Ouais, on verra s'il sera dernier. Non, t'inquiète, je serai pas dernier. Je le dis, okay. Je serai pas dernier. Ouais, okay, pas dernier. Parfait. Ouais. Bah, vas-y, je te laisse t'asseoir. Okay, les gars, je vous montre, on a un petit lieu canapé. Bon, Valouze, il est tout seul pour le moment, mais il va y avoir tous les invités qui pourront regarder les games et réagir. Est-ce que la régie, on peut mettre le focus de Valouze? Ah, voilà, Valouze, t'es à l'écran là. Donc, du coup, ici, il y aura tous les invités qui pourront commenter les games. Et on va accueillir sans plus tarder le deuxième invité. Je sais pas c'est qui à l'oreille qui arrive. Mais il arrive. Et il y en a un qui a tryhardé toute la nuit d'hier pour être là ce soir. Qui a tryhardé même plus que toute la nuit. Il a tryhard depuis deux semaines. Ça va ou quoi, Gotha? Oh là là. Mec, t'es prêt à prendre ta raclée ce soir? Regarde, j'ai pris porte-bonheur. C'est, les gars, il a mis les TN que je lui ai acheté. Mec, ah, ça, c'est porte-bonheur. Tu sens comment j'espère. Le tournoi là? Bah, je pense que je suis celui qui a le plus tryhard après. Ouais, mais après, on a trop de retard aussi à rattraper. Ouais, c'est vrai, c'est avec chaud. PA, on commence depuis 2-3 semaines. Et... Et tu penses c'est qui ce soir qui... Ça va être Michou. Et justement, c'est j'ai proposé Michou une alliance. Bon. Chaque personne qui viendra ici, il faudra que tu lui proposes. On en parlait déjà en backstage, mais Michou, donc c'était un peu chaud. Tu ouais. De faire une alliance contre lui, tu vois. Moi, je suis chaud. Dès qu'on entend des cartes. Ouais, t'es chaud. Dès qu'on a on dit les cartes. Non, mais. Oh là là, Michou qui va sûrement mettre son électro. Ok, vas-y. Non, mais les gars, pour Michou. Il est trop fort, Michou. Il est trop fort. Moi, j'ai joué 10 games avec lui, il m'a fumé les 10. Ouais. Non, les 8. Alors, moi, je te fume, mais c'est chaud quand même. Non, non, il y a quand même. Non, mais... Il y a 2-1 sur les BO. Ouais, mais je suis devant pour l'instant. Donc. C'est vrai que Gotaga, je vois que t'es quand même titulaire dans le chat. Il y en a beaucoup. Bah, il y en a beaucoup qui disent c'est soit ah non, Michou, soit Gotaga. J'ai pas envie de vous décevoir, les gars, désolé. Non. Non, il commence à se dédouaner. Non, 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 j'ai tryhard, mais faites attention à Billy. Billy, ça fait 5 ans qu'il joue. Billy, il arrive après, les gars. Billy, ça fait. Moi, je lui ai même envoyé un DM. Ça fait 5 ans qu'il joue. Ça fait 5 ans qu'il joue. Ah, mais je savais pas. Il m'envoie des DM et tout. Et je lui ai dit, putain, Billy, je suis désolé, je pensais que t'étais vraiment éclaté à moi tous aussi, les jeux. Tu sais, je pensais qu'il était éclaté. Non, là, il est signe 2. Genre, pour moi, c'est Michou, ensuite lui, et après, un peu nous tous. Ok. Non, là, il est chaud, Billy. Ça pour. Non, non, vraiment. Non, non, vraiment. De toute façon, Gotha, il vient pour gagner. Tu viens mais par contre, je viens pour gagner. Voilà. Je suis pas le meilleur, mais je suis un winner. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Vas-y, bah, je te laisse rejoindre Val. Oh là 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 là, les gars. Bon, ça va se taper. Ça va se taper entre Gotha, Billy, Michou, d'après les statistiques dans le chat. Billy, bah en parlant du loup, le loup. Ah bah là t'es très bon là. Ce soir tout le monde croit en toi là. Non, moi les refs ça fait que 2 semaines que je joue au jeu, hein, faut pas espérer. Mais Mito gros, il connaît tous les. Il a 6000 trophées. Il connaît tous les trucs par cœur. Bah j'ai fait une imitation. Ouais, tu connais tout par cœur, quoi, ça se voit, il travaille. Frère, Gotaga avant de rentrer, il m'a dit je me suis fait coacher par Wa le ouf et par un top 3 monde. Mais c'est un menteur. J'ai l'impression que ce soir ils sont tous fait coacher. Moi je suis le seul qui me. Tu t'es pas fait coacher, moi aussi. On est sur la même longueur d'onde. On va puer la merde, mais. Et dans les vestiaires, je t'ai affronté ce matin. Ouais. Je t'ai gagné. Ouais, mais j'étais en train de m'habiller. Ouais, parce que t'es en train de remettre ton caleçon et tout. Je remettais mon caleçon. Voilà. Et ça s'est joué à une seconde et tu le sais très bien. C'est vrai que ça s'est joué à une seconde. Mais on va prendre notre revanche là. Ouais, au calme, au calme. Et il y a la team Billy dans le chat. Est-ce que Billy, tu penses ce soir tu peux y arriver? Moi je pense que je peux créer la surprise. Mais c'est pas face à Michou. Non, mais les gars, faut qu'on. Michou, j'ai peur de lui. Alliance contre Michou. Oui, quand c'est au tour de Michou de jouer, on est sur le côté, on dit toutes ses cartes. Vas-y, attention, il a ça. Vas-y, on lui dit que ça soit en écran. Bah vas-y, il dit, c'est incroyable, bonne chance. Bah merci, bon ref, je me pose sur le techo. Je vais te fumer. Mon petit cul. Ah, quoi? Désolé, c'était pas prévu dans le script ça. Ok les refs, on a déjà 3 participants, plus moi ça fait 4. Bon, moi si vous voulez, je me suis pas trop entraîné. Bon, si, avec mes potes. Et le Mich. Let's go! Ça va et toi? Mec, je suis là pour rouler sur la concurrence. Il l'a dit en français. Je suis le boss. Il a dit le vrai français de Molière. Elle est là. Mec, elle est là la cour. Non mais je te dis la vérité, c'est la première fois que je fais un événement et je suis favori.
Ah ouais? Bah ouais. Alors, c'est un peu ton jeu de prédiction. T'as commencé YouTube sur Clash Royale. Bah c'est vrai que avant Fortnite, il y avait Clash Royale pour moi. Donc mais j'ai la pression du coup. J'ai la pression. Tu sens comment? Du coup, je tu sais que Gota a bien tryhard. Toi, tu t'améliores, faut faire attention. Je peux me faire surprendre. Ouais. Tu restes pas solide. Billy, tes Billy, je sais pas, mais apparemment, il est bon. Tu te méfies du Loki d'or. C'est ça, exactement. De Loki d'or. J'ai hâte de. Ouais, c'est Loki d'or. Du Loki d'or. Mec, j'ai hâte de voir. Mec, j'ai hâte de voir les premiers ouais, matchs que j'ai trouvé. Moi, je veux terminer avec ça sur la tête. Oh là là. Mais après, je la mets dans mon décor. Tu la mets dans ton décor. Ouais, j'ai déjà prévu. Là, j'ai prévu la place dans mon décor, c'est carré. Oh là 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 là. Mec, le chat, il est en feu. Mais après, on m'a dit qu'on jouait sur tablette, donc moi, je suis un habitué téléphone. Oui, bon, commence pas. C'est encore mieux la tablette. Ça cherche déjà des excuses au cas où ils perdent. Bon, là, tu prends tes couilles à deux mains, tu dois assumer. T'as dit, je roule sur tout le monde. Le live. Mec, c'est incroyable. Ouais, c'est trop stylé. Les gars, c'est le mec. J'ai regardé ton live, le rendu, il est incroyable. Le décor est stylé. Ouais, oh là là, ça fait plaisir. Mec, tu sais que c'est la première fois que je fais une émission comme ça. Tête d'homme, j'ai un petit c'est peu de stress. Vrai, là. C'est vrai que toi, normalement, c'est dans ton studio calme. Ouais, ouais, là, c'est mec, la première fois. Franchement, GG. Bah, mon ref, bonne chance. C'est parti, je veux m'asseoir. Ouais, vas-y, assieds-toi avec tout le monde. Allez, c'est parti. Ok, les gars, ils sont très très chauds. Ils sont très très chauds. Il nous reste, je crois, il nous reste 3 participants. Avant qu'on commence le premier match dans le chat, vous êtes team qui pour qui remporte ce tournoi? Merci pour les donates, hein, je peux pas remercier tout le monde. Merci à tous ceux qui sont présents sur le live, ça fait plaisir. Ceux qui s'abonnent, qui mettent la cloche, le pouce bleu, on est carrément ensemble. Et ça sera mon partenaire pour Paris-Roubaix d'ici un mois qui va me rejoindre. Il est là, le partenaire. Ça va, ça quoi? Bah tranquille, tranquille. Hein. Bon là, ce soir, c'est pas Paris-Roubaix. C'est autre chose. C'est autre pas chose. Du vélo, c'est pas du sport. Je suis l'outsider. Je suis l'outsider. Je viens hier, ça s'est pas bien passé contre toi. On a joué dans mon studio hier, les gars, avec PA. Tu le sens comment là? Moi, j'ai commencé il y a 10 jours. J'ai commencé il y a 10 jours, mais je vais jouer agressif. Il y a un petit Billy qui a parlé. Billy, ça a parlé sur Twitter. J'ai une strat. J'ai une strat. C'est possible que je finisse dernier, mais je vais pouvoir peut-être changer des donc trucs. Objectif quand même, aller chercher la première place. Toujours. 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 Choque-nous. Mais peut-être pas la première. Quand même. Peut-être pas la première. Pas abuser quand même. Pas la première. Okay, okay. Des petits twins. Bah mec, bonne chance. Bah merci frérot. On se voit sur en finale. En finale. On se voit en finale. Et ensuite, il y a l'avant-dernier. Nikoff, je crois que Nikoff va nous rejoindre parce que Kamel a pas pu être là et le grand Nikoff m'a envoyé un message, il m'a dit gros je suis trop chaud de participer. Du coup il est là et de dernière minute il est là. Est-ce que ça va ou quoi? Ça va mon ref. Aujourd'hui on n'est pas sur Fortnite. Ouais ça va être chaud. Aujourd'hui ça c'est pas chaud. Ton jeu de prédilection. On va pas faire BF, y a pas de là, BF, c'est là c'est que des tours. BF y a que la boule de feu dans le jeu. Est-ce que tu penses que aujourd'hui tu peux sortir? Non mais écoute, commence pas perdant gros. Écoute, j'ai découvert le mode hier. Donc celui qui perd contre moi. Tu t'es fait coacher ou pas? Déjà. T'es dans la partie coach? Ok, il est dans la team de mec qui s'est fait coacher. Écoute, y'a un mec qui m'a dit ouais je suis champion de France machin, il est venu sur Discord direct. Et est-ce que ça t'a bien chauffé quand même? Il m'a expliqué 2-3 trucs genre le pêcheur, le machin, mais. Tu sais que moi je sens que Nikoff parle pas trop. Moi je suis là pour créer la surprise. T'es là pour créer la surprise. Donc on veut voir la surprise. On va voir la surprise. Bon bah je compte sur toi. Vas-y mon ref. Fais-nous rêver. J'espère qu'il va se passer des trucs incroyables ce soir, qu'il va y avoir des surprises et que ça soit pas Michou qui va gagner et qui va rouler sur tout le monde. Hein Michou? A gagné. Et le dernier, le grand Romain, t'es là ou pas? Oh il est là, ah ouais il est carrément venu avec sa pompe. Ah il est arrivé en tant que winner lui. Ça va ou quoi? Ouais. Ça va tranquille? Est-ce que mais gros t'es sorti de ta chambre ou quoi? Je suis en détente, 6 heures de route aujourd'hui. Gros il est venu en détente. T'as pris tes aises là. Ouais j'en profite. Tu le sens comment là ce soir? Je vais tout donner. Tu nous fracasses. J'ai un passif donc T'as un passif? Je connais quand même. T'as eu un petit problème avec Clash Royale aujourd'hui, t'es pas avec nous. C'est pas beau ça. Mec, c'est incroyable. C'est pas beau ça. Les gars, c'est quand même le mec qui s'est fait battre 5 ans, il est de retour. Je suis trop content. Voilà, Clash Royale, il est avec nous ce soir. Voilà. Et il s'est fait pardonner. Voilà. Donc, en plus, on joue le premier match, c'est ça? Et je pense qu'on va direct commencer un 1v1, toi et moi. Et j'ai une question, pourquoi tu t'es dit je veux te battre toi en premier? Pourquoi genre? Toi, tu vas me battre en premier? Non, toi. Pourquoi tu t'es dit je veux le bouser en premier? La régie m'a dit on envoie bouser dernier. Ah oui, dernier, ok, c'est la régie qui a décidé. Ouais, c'est la régie tu qui a t'es décidé. Pas dit ouais, je vais prendre le bouser comme non, ça. Non, je me suis c'est pas dit win. Ça. Non, je m'aurais pas dit ça. Okay. En vrai, moi, je sais pas, je suis pas trop confiant, je stresse un peu. On a fait quelques petits matchs. On a fait 4 petits matchs. Bon, en vrai, sur l'ensemble des matchs, tu m'as quand même un peu roulé dessus. Mais c'est un BO1. J'ai moyen de créer la surprise. C'est un BO1, les gars. Chacun joue un match contre chacun. Le but, avoir les meilleurs scores. Je dirais à la moitié du live. Un peu les positionnements, histoire que tout le monde sache où on se situe. Ouais. Et c'est qu'une game, c'est qu'un deck chacun. C'est ça qui est beau. Et va falloir assumer. C'est-à-dire que là, dans mon deck électro-géant, toi, cochon, t'es j'ai mort. J'ai perdu. T'es mort. Alors l'électro-géant est autorisé, donc les racistes, les cartes racistes sont autorisées. Oui. Bah, pas les racistes, mais les cartes. Les cartes sont autorisées et le chevalier, le méga chevalier, tout est autorisé, sauf les héros. On peut pas jouer les héros en 1v1, on les joue pas. Je crois que toutes les cartes sont au niveau max. Ou 11. Niveau 11, c'est comme niveau 11 comme en tirage normal. Ouais.
Sur ce, est-ce que le chat, vous êtes chaud pour la première game? Je veux voir un maximum de flammes pour cette première game. Moi, non, Team Inox dans le chat. Les gars, vous allez avoir tous les potos qui commentent à la télé, donc ils parlent, je vais vous les laisser parler avec eux. Je vais switcher sur eux, on va se préparer avec Bouzy et on va lancer le premier match. Bonne chance Bouzy. Oh, je stresse ça, merde. C'est parti, premier match, premier combat. Let's go. Ouais, on a pas de retour. Par contre, Inox, on a pas de retour. On a pas de retour dans la télé, on vous voit pas. Ouais. Comme ça on balance tes cartes direct. Hein ? Comme ça on balance tes cartes direct. On n'a pas le droit. Ouais, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Oh, mec, on a dit, mais c'est quoi le niveau là, Bouzy, contre Inox ? Non, il est pas venu encore, t'inquiète. C'est pour quand même. Il m'a quand même bien roulé dessus. Moi, je pense qu'Inox a un avantage. Inox devant là dans. Non, mais commencez pas à dire Inox. Mais les gars, c'est impossible. Il sait à quoi il joue. Je sais qu'Inox, il voulait que son premier combat soit contre Bouzy pour être. Non, c'est pas vrai. La tête doit être organisée. Soit on est là, c'est ce que je veux. Non, mais vous faites tout ce que vous voulez. Moi, la régie, elle m'a dit je compte toi, mais tu voulais pas en premier match. J'écoute pas, j'ai l'oreillette. Ok. Alors, est-ce que vous avez le retour, les gars ? Pas encore, ça arrive. Ils vont avoir le retour. Concentre-toi sur que vous ayez le retour. En vrai, moi, ce que je sais sur Inox, c'est qu'il panique très vite. Ouais. Sachez-le, il panique très très vite. En fait, Inox, pour le battre, faut juste attaquer. Il faut mettre des petites. Et il attaquera pas. Si tu l'attaques, il attaquera pas. Ah, il fait que défendre. Non, mais défendre. Moi, tu parles de toi. Que tu faisais que défendre. Non, il attaque. Non, moi, je fais que défendre, mais après, j'attaque au moment. Contre-attaque. Ouais, t'as un truc chaud, quoi. Mais en fait, c'est vrai que moi, je joue tout sur la défense. Ça, j'ai horreur de ça, la défense sur ce jeu. J'ai horreur de ça. Moi, j'attends que t'attaques. Tu fais comment quand tu mets ton gros golem et que le mec te met un bus de l'autre côté? Bah, je perds ma tour et j'envoie tout. Il gère les trois couronnes. Un kamikaze. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Non, mais quand tu sais jouer golem, t'es obligé de faire ça. Imagine, je mets mon golem, tu mets tes barbares d'élite. Sauf si j'ai une armée de squelettes, je suis obligé de te laisser ma tour et de tout donner de mon côté. Sinon, c'est foutu. Mais en plus. C'est bon, on vous voit. Oh, je stresse. On vous voit, les amis. C'est bon, on a le retour. Oh là là. Ouais. Aïe, 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 aïe. T'es prêt, Bouzy ? Eh, Bouzy, fume-le. Allez, Bouzy, hein. J'aimerais bien. Tu sais qu'il y a que de la team Bouzy. 3-0 là. Sors-le. Fume-le. Oh, j'ai vu que ça commence sur un 3-0. Par contre, les gants se lèvent. Juste rejoindre. Regarde le clan. Eh, c'est trop d'art. Dans le clan. Et je t'ai fait une invite. Ok, t'es prêt ? Quand tu veux. Putain, j'ai la pression. Allez, c'est ouf. En vrai, ce jeu, il met de l'adrénaline de fou. Ah ouais, t'es ouf. Et de toute façon, les gars, moi, je vous dis, si je gagne ce tournoi, je deviens joueur pro. Oh, attention, attends, du coup, Bouzy, c'est à gauche, Inox, c'est à droite. Bouzy, c'est à gauche. Ok, Inox, il a pris sa spéciale. Ah, mais attends, il a pris sa spéciale. Inox, il va vite. Non. Attends, ça doit être Billy Valouz. Ah oui. Ah ouais, j'avoue, les comptes, c'est Billy et Valouz. Ah ouais. Ah, mais du coup, Inox est à droite ? Ouais. Ah, bah il a son pêcheur. Ouais. Oh et. Parle pas trop fort, parle pas trop. On va éviter de. Oh, le bâtard Inox ! Pourquoi tu souris, Inox ? Inox, il est saucé. Inox, t'as quoi comme carte là ? Non, mais regarde ça ! Non, mais par contre. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Quoi ? Mais t'as le pêcheur électro-géant ! Mais j'ai pas l'électro-géant ! Mais regarde, j'ai pas pris l'électro-géant ! Mais je le vois au-dessus ! Parce qu'il voit les cartes avant qu'il les sélectionne. Ah, ok, d'accord. J'ai pas pris. Il sait que ça lui a proposé. Il a regardé. Commencez pas à porter la poisse. Ça va, il l'a pas pris. Hein. Ah, il a pas pris. Pas sûr. PA, merci, je l'ai pas pris. Non, mais je préfère le deck PA, il a vu la télé. En vrai, le deck de Bouzy est pas mal. Moi, je le préfère, le deck de Bouzy. Quoi ? Ah, ça rassure quand même le deck d'Inox. Allez, les gars, bonne chance. Premier match. Bonne chance, les amis. Bonne chance. Ça part direct. Oh là 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 là. Du coup, juste Billy, c'est Valou. Billy, c'est. Billy, c'est le Bouzeux, ouais. Les géants, c'est Inox. Valou, c'est Inox et Billy, c'est Bouzeux, ouais. Voilà. Attends, mais Bouzeux, c'est bien. Oh, les géants, très mal défendus. Ah, si ça passe. Eh, c'est bien défendu en vrai. Hein. Ah non, j'avoue. En vrai, la gargouille a fait un peu ça va. Sur le ballon en vrai. Hein. Ouais. Vraiment. En vrai, Bouzy était gagnant du coup sur ce trade. Ouais. Premier fight, Bouzy gagnant, c'est clair. Inox a très mal joué son géant élixir. En termes d'élixir, Inox ça va. A très mal joué son coup. Je sais pas ce qu'il va pouvoir faire, Inox là. En fait, Inox, je pense que Inox il a juste 1000 géants. Là, Inox il est à poil pour moi maintenant. Inox il a juste 1000 géants, il a dit on va voir. En vrai, il aurait dû le poser fond de map. Je sais pas. Non, en vrai, c'est pas. En fait, il a voulu mettre son ballon. Donc, du coup, en fait, il s'est dit il y a 5 d'élixir, il va pas le défendre avec 5. Ouais, mais va aller mieux défendre le ballon. Il a pas pu défendre le ballon. D'abord, le bien le défendre. Celle-là, on la connaît. Aïe. C'est bien défendu en vrai. C'est bien géré par Inox. Très bien géré. Le barbare d'élite qui. Ok. Ah, ça fait le taf. Oh, il mettra pas de coups. Hein. Ouais, ça va, c'est.
Oh, ça, c'est pour l'instant, ça tâte le terrain juste. En les vrai, joueurs parlent plus. La pierre tombale, c'est très très fort comme carte en vrai. Moi, j'aime pas trop parce que c'est un tempo en fait. Et du coup, si je sors un PK ou quoi, tu peux tempo pour mettre des troupes et derrière le PK. Tu vois ce que je veux dire? Mais par exemple, ça t'aide un peu quoi. Mais ça tempo juste pour que la tour elle se prenne aucun dégât, ça fait le taf. Ouais, moi, mais. Moi, je trouve ça trop fort. Hein. Moi, je préfère la cage gobelin. Oh là là, le pécheur. Oh, la spéciale, la spéciale. La spéciale. Il l'a attrapé. Et en plus, il part vers les gars, la droite. Personne ne gère le pêcheur mieux qu'Inox. En vrai, il aurait pas dû la poser pour la princesse. Oh, la sorcière qui va fumer le pêcheur. La boule de feu. Les boules de feu pas mal jouées. Il va faire mal. Mais le prince libre. Oh, il est défendu, mais il va taper quand même. Bouzy attaque. Oh là 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 50 secondes. Maintenant il va falloir assumer la défense. Oh là là, le rush électro-géant. Faut que le sorcier prenne. Qui va pas faut qu'il prenne la pierre tombale, la méga garouille, faut qu'il passe le tapis. La méga garouille qui va être fumée par la princesse. Ah la boule de feu. Oh l'électro-géant qui est très bien défendu. Ouh là là là. Oh là là, c'est compliqué. 30 secondes, Inox. Il n'arrive pas à passer. Les gars, je suis trop content qu'Inox perde. Inox qui a le visage baissé. Eh Bouzy, il est serein hein. Pas un sourire. Eh Bouzy, il a super bien défendu. Honnêtement, très bonne défense. L'électro-géant, attention. 18 secondes. C'est le rush final. C'est géré direct, ça va pas assez vite. Ah là, ça va être compliqué hein. Je sais pas comment il peut gagner. C'est fini les gars. Le pêcheur, c'était bien joué en vrai sur ce. Putain, il a bien joué hein. 5 secondes. C'est finito. La victoire. Oh là 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 là. Bien. Alors qu'il jouait contre un cancer. De merde. Oh. Je t'ai dit. Oh les feux d'artifice. Oh là là. Oh le but. Je veux ça moi. Tant de faites gaffe, ça va cramer le plafond. Ok ok. Bon les gars. Il y aura je suis pardonné, j'avais un trop cher. Bon en vrai j'avais le raciste et j'ai pas gagné avec. Franchement là je suis vraiment nul. Là franchement 1-0 pour Bouzy qui a réussi à me faire une tour. Donc là t'as gagné un match. Moi j'en ai perdu un. On a gagné un. J'ai le seum. J'ai fait une erreur, je tremble. Maintenant faut que je me rattrape. C'est pas encore fini, c'est le premier match. J'avais un bon deck. Hein. Non, franchement, Bouzy a bien joué. Un max de GG à Bouzy dans le chat. T'as bien défendu. Merci, mec. Franchement, bien joué. GG. Et c'est quoi le prochain match? J'ai oublié. Et Inox, t'as eu adrénaline ou pas là? Hein? T'as eu adrénaline? J'ai eu l'adrénaline. Je sais que tout le monde me regardait me faire laver, j'avais trop le seum. C'est une pression. Ouais, c'est une pression. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour le prochain match? Premier match terminé, Bouzy Inox. C'est Bouzy le grand vainqueur. Non, c'est nous deux du coup. PA. Mais non. Tu peux venir. Vas-y. Contre. Je pense le titulaire. Michou. On va voir sa première game. C'est qui Michou. Oh là là. Bonne chance, Pierre. Que les deux participants s'installent. Oh, j'ai l'impression. Bon courage. Putain, bon courage. Bonne chance. Chier. T'as perdu le reste. PA, tu te souhaites bonne chance. Mec, je te souhaite le meilleur. Moi, je te dis, je fais des trucs surprenants. Allez, d'abord, je prends le ballon. Mais en vrai, j'ai très peur. Je l'ai mis et son ballon, je l'avais pas mis. J'avais que la garouille, ouais. J'avais que la garouille. Je te laisse m'inviter. Putain, chier. Elle a fait de quand même. 1800 dès le début de game. J'ai hâte de voir comment Michou joue. Oh, j'ai hâte de voir Michou comment il va jouer là. Oh là. PA, on est derrière toi, frérot. Merci à tous les gens live, les gars, merci beaucoup. A votre avis, qui ressort gagnant de ce combat, les gars? C'est une bête de deck. J'ai un bête de deck. Mais j'ai envie de voir quand même si PA il gagne contre Michou, ça retourne le tour. PA il a des bonnes cartes, il sait jouer ses cartes. Si PA te bat, ça retourne un peu tout ce que tout le monde dit. Si PA gagne ce match-là, c'est le moment d'écrire l'histoire. PA, écris l'espoir! Pour moi, c'est un bon, ça commence Michou, avec des choix, là. Ça change tout le tournoi. Merci beaucoup. Moi, je pense pas que c'est impossible. Jouer avec le blast de Billy en plus. Bouzy, il a bien battu Inox. C'est que le blast de Billy et Valou, je crois. Ouais. On est un peu les stars, en fait. C'est un finaliste. Je crois que c'est nous le meilleur. Ah, PA a choisi les... Ça hésite, du côté de Michou. Oh. Attends, c'est vraiment fort, Michou. Oh, le pêcheur. Non. C'est le jeu, le pêcheur. Parce que... Attends, mais Michou, il avait pas pu prendre... Il pouvait prendre les deux barbares, là. Il a pris le bûcheron. Oh non, il a pas... Non, mais il aime bien les sorcières. Ah, mais bûcheron, c'est très très fort aussi. Ouais, ouais. Vous avez pas joué avec ça. C'est vrai que sortir moi, je le squelette. C'est le sort que je prends. Mais ça se voit qu'il sait bien faire son deck. Le mec qu'on défend, il met sa mousquetée. Mais moi, c'est sorcière. Ça que je connais pas. Foudre. Ah ouais, ah ouais, mais c'est naze, t'inquiète, t'as pas vu. Le deck de Michou est réfléchi. Michou ne prend pas forcément. En fait, il ne prend pas sa valeur. J'aurais peut-être pris. L'Arkix. Ah ouais, le deck de Michou. Est-ce que le chat, vous prendrez l'Arkix? Non, l'Arkix, c'était. Non, c'est un deck bien construit, tu vois. T'avais des bons choix. Bien équilibré. Mec, j'ai l'impression que je crois que j'ai pas peine éventuellement. Je crois que les qualités, est-ce que c'est agréable à regarder le chat? J'ai hésité, on va jouer comme ça. Le père, il a pas de temps.
Ok, c'est parti. Allez, Pierre, on est tous derrière toi. En vrai, Michou, il a une vraie vraie compo là pour le coup. Michou, il a un bon deck, je pense. Géant, mais il a de tout. Il a tout. Ça va donc. Tranquille, tranquille, on commence tranquille. Et vous, les gars, vous posez votre carte avant d'avoir. Oh là là, déjà PA qui prend l'avantage. Alors que PA qui. Du coup, le fantôme, c'est Michou. Push, il, a, ouais. Il a pas grand chose pour push. Ah, y a, ils sont tous les deux bloqués à 10. Mais de tir, c'est. Oh la bûche. Il a que ça pour push. Ah, je pense que c'est. Ah, mais ça, c'est fort, ça, en vrai. Hein. C'est fort de fou. C'est très. Et cette carte, ouais, ils font mal. Mais pas un deuxième, tranquille. Attention, le suspense est à son comble. Comment il va défendre l'armée de garde à gauche? Non, en vrai, les squelettes, t'as les stacks à gauche en fait. Ah, sur ces glaces, fait le taf en vrai. Hein. Est-ce que la sorcière, elle est niquée en vert? Même le cimetière. Ouh, oh, le cimetière. Ça joue agressif, mon frère. Agressif de fou là. Attends, PA, il est agressif, hein. Le cimetière, c'est pas mal en vrai, je pense. Non, bleu, non, il y a poison, le poison. Ah, et il y a un bûcheron aussi qui fait le taf. Ah, j'avais pas vu le poison. Mais quand même, il prend. Ouais, quand même, il va prendre. Je pense que Michou a beaucoup de pression. Ouais. Je pense que PA qui est largement devant pour l'instant. Et en plus, il a 10 d'élixir. Ça frappe là. Michou est fort à partir du x2, c'est au x2. Tu vois que le mec a plus d'XP. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Eldorado. Non, en vrai, les deux se tâtent, c'est équivalent là. Un petit coup, un petit coup. Pour l'instant, oh, oh là là. La Valkyrie qui met le coup. Ah, mais c'est là où le géant. C'est là où les choses commencent. Ouais, c'est là où les choses commencent. Qui va. Est-ce que PA va réussir à défendre le géant? Ou est-ce que Michou va rentrer dans. Fait un push de fond de map là. Michou, il fait le push. Je pense qu'il va claquer la sorcière derrière le géant. Ouais, mais tu vois, il va bien l'escorter là. Ouais, je pense qu'il va bien l'escorter. Ouh, non, il a pas joué. Mais ça, plus sorcière, c'est. Ça, c'est trop fort. Mais ça, les gardes sont surcheatés. PA qui défend bien, je pense. Le sorcier qui va mettre. Ouais, PA, il a bien défendu. Et en plus, il peut arriver là de l'autre côté. Là, mon frère, ça va contre-attaquer avec du sale. En merci à ceux qui mettent des pouces bleus, les DG. PA, il a bien joué en vrai. Oh mec, c'est chaud. PA défend pas mal. Par contre, là, il va pas pouvoir défendre le fantôme. Oh, j'ai pas vu. Ouais, tu l'as pas vu le fantôme. Et le fantôme, il fait mal, hein, le fantôme. Ah, il met 200. Ah, il met des sales coups. Ouais, il met pas de. Oh, le bûcheron. Oh, le bûcheron qui part. On commence à. Oh là là. Ok, là, je pense que. Oh là 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 là. Ça se passe plus bien. Allez, réfléchis. Regardez l'élixir là, il est bien devant la Michou. Michou est plus en élixir. Ah, ça commence à se creuser là. L'écart se creuse. En fait, il a mis beaucoup pour défendre le géant. Ouais, bah pour défendre le géant, il a niqué 7 élixirs. Et là, il sorcier géant, regardez, ça va faire mal. Là, son cimetière est pas mal en vrai. Ouais. La poison bûche pour défendre. C'est vrai que son cimetière il gratte quand même. Hein. Mais en vrai, Michou il utilise mal son poison, je trouve. Ouais, en fait, il met trop sur la droite. Ouais, c'est ça. Non, en fait, il met sur la droite, il met la sorcière à gauche. Ah, c'est pour. Ok. Par contre, là, ça peut faire très mal. Oh là, le combo. Comment PA va défendre ça? Non, c'est hyper. Le tonneau est hyper bien utilisé là, le fut à barbare. Ouais, mais le géant qui va taper peut-être. Ouais, mais. Il va mettre le coup, c'est rien en soi. Ah, mais regardez, Michou il envoie son truc invisible de l'autre côté à chaque fois. Parce que faut pas oublier que Mich, c'est quoi c'est. Ah ouais. Ouais, il y a une carte. Michi il a une carte qu'il a pas mis. Et ouais. Du coup là ce qu'il a fait c'est qu'il a gratté. Ah ok. Il va la jouer, Michou n'a pas mis une carte. Donc là il va gratter encore. Aïe aïe aïe, le double élixir pour Michou ça va faire très très mal. Ouais. Ouais, j'avoue. Michou qui a balancé le géant, est-ce que le géant va passer? Ouh. Le géant. Le géant qui gratte. Attention. Ça met combien de dégâts? Le géant a fait son taf sale là. PA je pense que. Géant sous-côté. Un autre géant. Mais tu sais que le géant je pense faut le prendre. Domingo, tu panies là! Tu panies! Le géant est bien! Attention, le coup du géant! Le coup du géant! Aïe 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 aïe! Et là, Michou pourrait le terminer, mais. Ah! Il a terminé au coup! Let's go! PA tombe trop bien. Il a fait la tenté. C'était plus dur que ce que je pensais. J'ai mal joué, j'aurais dû prendre un gros truc là. Non, okay. Franchement, tu t'es très bien défendu. Non, mais franchement, bien joué, PA. T'as géré. J'ai pas pu tomber le monstre. Bien joué, hein, Michou. C'était solide. Ah, je crois que c'était solide. Mais il m'a fait stresser au début. Au début, je voyais qu'il grattait plus de points de vie que moi. Il t'a donné un petit coup de chaud. C'est chaud. Il t'a donné un petit coup de chaud et j'ai déjà les prochains. Sachant que Domingo, il se faisait passer pour un des moins bons. En vrai, je pense qu'il peut nous faire un truc. Ouais, ça met la pression. Oh là là. Bah, merci pour les GG dans le chat. Tout le monde te félicite, Michou. C'est qui les prochains à l'oreillette? Ah, si, on va. Mon petit Val, tu vas venir à ma compagnie. Oh là là. Et tu vas jouer contre celui qu'on renomme et qu'on appelle le French Monster. On va le voir ce soir. Oh là 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 là. On va le voir ce soir. Let's go. En vrai, ça met une pression. Premier combat. C'est chaud. Contre le Val. Est-ce que t'es prêt, Gotha? Non. Comment? Non, parce que lui en plus c'est celui qui cache le plus son jeu de parmi nous, je pense. C'est vrai que Valous cache son jeu.
Mais il, bah, il avait un très je vais rien dire. Il avait un très Valou, je concentre toi. Oh la pression. Je connais ton niveau. Gotham, mais connais en fait, le tien. Oh, mais la pression. Déjà quand j'étais là-bas, j'avais la pression, là je l'ai encore plus. Hey, j'ai en fait, la pression aussi en vrai. Ouais, ouais. T'as trop peur. Oh putain. Ok, il stresse. Là, Valou, il est un peu stressé. Et Valou, il stresse. Même Gotham, ça a le cœur qui bat là. Mais alors, Valou, j'ai joué avec lui tout à l'heure. J'ai joué contre lui. Et à chaque game, il devenait de plus en plus fort. Parce qu'en fait, Valouz avant, il était trop fort. T'es il y avait beaucoup de cartes qui ouais, je t'ai invité, pas. Je crois, non. Et là, maintenant, parce que là, il commence à les connaître. Mais toi, tu et là, là, en fait, et pas je l'ai un peu entraîné. Ah. Pas il est un peu train. Il m'a posé des questions. Je lui disais, ouais, là, faut prendre ça, etc. Et en vrai, je voyais allez, Gotha. Dernière game, il y a une vraie pression. Il y a tout le chat, ils sont à fond dedans. Oh, ça choisit les decks. Oh, le deck de Valou. Ma moitié trop. Premier match de Gotha, il a envie de se mettre bien. Ça, j'aime bien. Le chat qui gagne ce combat. Franchement, Gotha qui prend le risque. Gotha qui prend le risque. Le Valou, j'ai une préférence pour ce deck. Ouh, Valou, c'est un deck pas mal. Valou, très bon deck. Attention, Gotha, qu'est-ce qu'il va choisir? S'il prendrait qu'on en fait. Oh là là. Mais on oh, c'est met la pression Gotha. Ouais. Ouais, non, mais là, Gotha, il a le meilleur deck du jeu. Ah, non, ouais. Les gars, calmez-vous. En vrai, il fait ouais. Très mal. Hein. Ouais. Là, il a regarde. Ouais, c'est ça qu'il y a moyen de gérer quand même. Ah. Là, c'est ça, il grise. C'est vrai que ça risque d'être compliqué. Il a pas très chaté sur le choix des cartes. Là, ça a pris le MK, non? Les barbares d'élite, il a gagné. Je suis pas chanceux sur un truc. Le tech du mec golem. T'as pas pris le MK là? Non, mais j'ai la pression golem à gauche. J'ai pris un truc que j'ai pas joué depuis 5 ans. Et là, il prend ouais, mais c'est risqué. Si ça passe pas, t'es mort. Il a gagné. Ah oui. Gotha qui prend le risque. Oh la Gotha là. Allez Valouz. Gotha il a un deck ouais, pareil. Il y a quand même des gens pour toi Valouz dans le chat qui t'encouragent. On compte sur toi. Gotha c'est pareil. Aïe 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 le chat est beau. Le chat est en feu. C'est parti. Elle, elle est trop chiante à défendre. Elle me rend fou. Hein. Elle me rend fou, elle est trop chiante à défendre. Fois, elle, jamais. Elle reste sur la map pendant 15 minutes. Mais ouais. C'est vrai. T'es marre. Elle va gratter la tombe. Elle est trop bien en fait. T'es marre, elle gratte la tombe même. Oh. Je crois qu'on est à tes armée de squelette. Tu as tour du roi. Attends, il a joué bizarre. Ah, non, mais je pense qu'il avait plus de cartes. Un petit peu surdéfendu, je pense, du côté de Valouz. Oh la voleuse qui est mise de l'autre côté. Oh là 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 là. Oui, mais la voleuse qui tape. Elle tape. La sorcière, elle va gérer Dragon d'Enfer. Ça commence mal. Ça fait très mal. Les barbares d'élite fond de map qui vont être du coup plus faciles à défendre. Sorcière qui va très bien défendre les barbares. Oh, les deux de Valouz déjà non, de Gotha, de Gotha. C'est l'inverse, non? C'est Gotha en bas. C'est Gotha qui est dans la merde. Ah, c'est Gotha en bas. C'est Gotha qui est dans la merde. Là, la team Croton n'est pas mal. Mais pourquoi Valouz est en bas du coup? Gotha a eu un mauvais point de départ, je pense. Et Valouz, il a. Mais non, mais les noms ils sont inversés. Les noms ils sont inversés. Oh, mais Billy, c'est Gotha. Gotha, il a un. Mais oui, du coup, c'est inverser les cams. La régie, il faudrait inverser les cams, ouais. Si on peut, après. Pourquoi Valouz, il est où? Ah oui, Valouz, il est en bas. Mais non. Valouz et Valouz quoi dans le jeu. C'est le deck de. Non, Valouz est en haut. Non, le deck de. Valouz est en haut, les gars. C'est juste qu'il a camé en bas. Donc, logiquement, Gotha est fait. Mais j'ai pas compris les noms Valouz. Oh là là. Mettre 1 et 2. Oh, le golem qui est lancé pour Gotha. Ah, mais du coup, c'est Gotha qui est dans la merde alors. Oui, c'est Gotha. C'est Gotha qui est dans la merde. Oh là-bas. Oh, la voleuse qui gratte. Ah, ok, la tour à droite est prise. La tour est prise pour Valouz. Et la machine volante. Il faut une solution pour Gotha là. Le golem. Mais Gotha, il envoie le bus. Le golem est très fort en fin de game, donc je pense que ça peut quand même le faire. Oh, le méga chevalier qui va pas suffire à défendre le golem. Ça tient pas bien. Oh, le méga chevalier. Poison méga chevalier. Je suis pas sûr que ça défend un golem, les gars. Le méga chevalier dans une seconde. Mais je pense qu'il avait pas d'autre choix. Ah là, c'est compliqué. J'avoue que le combo là, il peut pas pouvoir le tenir, Valouz. Si le dragon il passe sur la tour, c'est terminé. Oh bordel. La voleuse qui carry dragon. Il a pris une tour donc il a plus qu'à défendre. Moi je pense qu'il a mais là, okay, en vrai, 50 secondes, les mille ça va être dur. Ça va être dur. Ils sont égalité tour de gauche et Valouz a une tour d'avant. Push Gotha. Les gars, c'est Valouz qui domine cette game, mais Gotha peut encore chercher la victoire. Il lui reste 40 secondes. Ok, les barbares d'élite. Les barbares. Les barbares d'élite qui vont être tankés par. Il a un dernier push. Les barbares d'élite sont très bien défendus. Il passe un dernier push et il y a la cabane à. Ok, dernier push. Le golem bon. Sauf que là, ça va être compliqué. Si le golem passe, c'est gagné. Là, il y a un poisson qui défend le golem. Le poisson qui fait très mal. Ok, le golem va direct. Aïe, aïe, aïe. Le méga, 15 secondes. Attends, les golemites, elles grattent. La boule de feu. Oh, la boule de feu. Compliqué, je pense qu'on est sur une victoire. Ouais, 10 secondes, Valouz. Ah, je suis dégoûté. Oh, Gotha est dégoûté, les gars. Il est dégoûté. Il a trahi le Valouz. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Je sais qu'il était pas oui, mais bon. Je pense que la régie. C'est terrible. Je pense que la régie. La régie a c'était l'inverse. La régie, en fait, c'était qu'on trompait de cam. Ouais, ouais. On veut les flammes pour Valouz. Les flammes pour Valouz. Voilà. Le victorieux de cette game. Tu
faudra que j'inverse. Ah, mais peut-être parce que je l'ai invité, c'est moi qui l'ai invité, c'est pas pour ça. Ah, c'est ça qui a dû. Ouais, faut que ça soit là. C'est la tablette de là-bas qui doit inviter. Ok, les gars, c'est la tablette de là-bas qui doit marcher. Putain, bien joué. C'est pas grave, c'est le premier match. Dommage, dommage. Bien joué. Eh, t'es revenu, personne ne croyait en toi. Maman, t'as début. Ça remet un peu l'égalité dans ton droit. Mon but, c'était de son exploser un gros. Et t'as réussi. Mais attends, donc maintenant j'ai zéro pression. Oui, bon, allez. Attention à moi maintenant. Attention, attention à Valouz. Les gars, désolé pour les petits bugs qu'il y a eu. Il y a un problème. En fait, il faut que ça soit cet iPad qui invite. Donc, c'est pour ça que les cams étaient inversées. Ça se reproduira plus. Même moi, j'ai pas compris au début de game. Même la régie, ça arrive, les trucs comme ça. GG à Valouz. Merci dans le chat à tous ceux qui mettent GG Valouz. Et je crois qu'on est bientôt 200 000 sur le live. Donc, merci à tous ceux qui sont là. Ça fait plaisir. Ça me touche du fond du cœur. Et j'espère que vous allez kiffer ce tournoi. Et j'accueille avec impatience les prochains qui vont s'affronter. Et je pense bien que ça va être Billy et Nikov. À vous de vous installer. Ouh loulou, à votre avis, qui va remporter ce combat? On connaît pas le niveau de Nikov. On l'a jamais vu jouer. Donc ça va peut-être nous faire des surprises. Mets-toi où tu veux, mais c'est cet iPad qui invite. Oh là là, oh Billy. Oh bonne chance, les gars. Billy, ça fait les imitations sur TikTok, mais est-ce que ça assume face à Nikov? On va voir ça tout de suite. Non, mais là, il est favori. Hein, hein? Il est favori. Ouais, mais on sait jamais, on t'a jamais vu jouer. Je suis pas favori du tout, les gars. Est-ce que t'as le cœur qui bat fort là quand t'es sur la tour? T'as vu quand tu fais rouler dessus, t'es comme ça. On est ensemble. Vas-y, bon, je vous laisse. Bonne chance. Nikov, invite Billy et c'est parti. Triple tirage. Défends bien. Même une boule de feu, en fait, s'en sort super. Bah ouais. Surtout contre les. Non, mais ça dépend. En fait, si toi t'as la double barbe, c'est moi aussi. J'ai vécu la double barbe, je suis obligé. Tu peux avoir du niveau, mais la pression, elle te. Bah ouais. Tu vois, d'être comme ça devant tous les gens et tout, de jouer en. Tu sais quoi, mec, j'avais un super deck. Juste ma main de départ, j'avais genre poison, squelette. Mais j'ai vu, t'as dû virer ta bûche. C'est toi qui avais viré ta bûche, ouais, j'avais vu. Non, j'avais pas de bûche. Si, j'avais pas de bûche. J'ai pas de bûche. Non, mais moi, j'ai inversé les gens, de toute façon, j'ai pas capté la guerre. Elle a toute fois inox, il a capté. Ouais, j'ai capté à la fin. Ok. Ouh. Alors, Billy, va-t-il prendre ce qu'on pense? Billy, c'est toi qui as le compte Billy? Ouais, c'est moi. Okay. C'est moi. Parce que Nikov, pour le coup, on sait pas du tout comment il joue. Il a commencé récemment. Moi, les deux, je sais pas comment il joue. Ah, Billy, ça sent qu'il a une expérience. Billy, normalement, il est bon. Apparemment, il est. Oh, il a hésité. Il fait pareil. Ouais, je pense que c'est pas une bonne idée. Deck de droite, j'aime bien, moi. Deck de droite, il a l'air. Moi, j'aime bien le deck de droite. Hein. Ouais, deck il de est droite. Bien agressif. Hein. Il est incroyable. À votre avis, qui ressortira moi, j'ai pas envie de jouer contre le deck de droite, de les gars. Dans le chat. Non, je trouve que je prends pas te mettre la pression, hein, Billy. Mais... En plus. Billy Rebeu relou. Billy Rebeu relou dans le chat. Tu peux pas décevoir. Allez, m'en appeler comme ça. Ouais, t'as appelé comme ça. Billy, ouais. 8 secondes. Allez, Nikov. Non, celui de gauche, le deck il est. À la tornade. Allez, les gars, on est dans son courage. C'est parti, les boulis, c'est les dragons. En fait, Billy, il a un deck gratte. Faut gratter, quoi. Ouais. Allez, le combat va commencer. Alors, il a pas pris trop de risques. Ouais, il a pas pris. Il sait bien défendre et il peut partir en. Vous préférez lequel, le deck de gauche? Billy, agressif direct. Ok, moi je préfère son Nikov. Oh, très agressif. Mais attends, mais il va peut-être. Ah ouais. Ça gratte fort. Attends, mais c'est trop agressif là. Olive, instant. Eh les gars, on a le deck quoi? Ça a gratté de fou. La réponse, la réponse. Oh, la contre-attaque. Qui va être très bien défendu, la contre-attaque. Très, très hein. La Valkyrie, ça gère. Ouais, la bordel. Je pense que la Valkyrie est la meilleure carte du jeu. En oh là là, la tornade. Pour être sûr sur la sorcière. C'est magnifique. Et la tornade, c'est cher. La tornade, c'est vraiment ce qu'il est. Ouais, la ça peut faire la diff sur le feu à squelette, s'il n'est pas défendu, les gars. Une attaque. Il fait très mal. Et je crois que le feu à squelette. Ah là, il va faire mal. Il est sous-côté, le feu à squelette. Ok, c'est bon. Ouais, il est sous-côté. En fait, en général, les gens, ils le défendent pas forcément. Il peut faire très mal. Bah, moi, une fois, j'ai pas défendu, il a pris mal. Ouais, ouais. Le dragon qui est joué du côté de Billy. Très fort, hein, pour défendre normal. Ouais. Oh, attends, oh la princesse, oh, la princesse pour gérer. C'est très bien. Oh, bien joué défendu. Le fut barbare. Et ben la tour à droite qui est quasiment prise. Hein. Ouais, la tour à droite qui va être prise, je pense, avec le chevaucheur prochain. Qui est aggro de truc, c'est que la Valkyrie, ça va répondre à plein de propositions de Nikov. Donc Billy, il a la dalle. Ouais. C'est ça, vrai ça joue Billy, le deck pas cher. Ça Billy en défense, c'est surcuté. Hein. En fait, Billy, il a un deck pas cher. Oh, on va le côté. Ouais, attention. Billy, là, ce qui sera pas cher. Oh, c'est bien joué en défense, ça. Ouais. Ça ralentit de ouf, en vrai. Ouais, Kavabega en défense, c'est très très puissant. Là, Billy, on va dire. Billy, il est pas là. Billy, il est pas là. Le retournement de situation, c'est tard. Il avait plus d'élixir. Le retournement de situation. Il était trop agressif. Et à gauche, ça continue. Eh ouais, Nikov, ça laisse pas faire. Attends, mais gros, il est mal. Dada, en fait, il a été trop agressif. Il a fait trop trop mal. C'est le problème quand t'as agressif. Attention, Billy, il est cher d'être à l'HP. Oh là. Oh, Billy, oh, Billy, oh, Billy. Princesse, très mal. Attention.
Et je pense que ça va même peut-être prendre la 3 à gauche. Ah non, la Valkyrie, bien joué. Inconsciemment, il doit avoir une petite pression du coup. Ouais, mais là, là, du coup, ça l'a fait. Oui, le Zappi, tout à l'heure, c'est la Valkyrie. Regardez ce qu'il va faire. Mais le Zappi, là, tu peux la gérer. Ouais. Ouais. Mais le Zappi, en fait, c'est. Le Zappi, il peut faire. Okay. Il peut faire vite paniquer. Oh, attention, il se chevauche à mettre. Ok, attention, la côté. De côté. Allez, défendez. Il peut prendre les deux tours. Oh, le bouliste. Ah non. Oh, c'était très bien. Attention, le Zappi. Oh, le Zappi. Ça prend. Attention, oh, Billy qui est dans la merde. 300 HP, mais... Le Zappi chargé va fumer la princesse, non? Ah non. Billy. Oh, Carabellier, oh là là, le Carabellier. Il va charger, il va charger. Aïe, aïe, aïe. La tornade. C'est terminé. Non, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Peut-être. Ça va être dur, c'est dur. Oh. Ouais, c'est mort, c'est mort. Ah non, ça va être dur. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Mais bien joué en vrai. Ah, au début j'étais pas hier bas. Zap Electro. Frérot, il a trop le feu. Il a trop le feu. Son Zappi, j'ai fait n'importe quoi. Son Zappi, je l'ai pas calculé. Ouais. Son mec, c'est trop puissant le Zappi. Mais même tu l'as pas calculé hein. Ah les gars, Nikov, t'as bien joué. Nikov, tu repars à la victoire contre Billy. Je l'ai bien joué Nikov, le chat te félicite. C'était un beau match, c'était un beau match. Iska L'Oréal, je peux savoir qui est le prochain match? Je pense que je vais y passer. Nikov, il a bien caché son jeu. Il est bien revenu, mais je suis non, on va attendre pour les scores. On va refaire une boucle et après on y va. Merci beaucoup d'être venu sur le live. Je sais pas vous êtes combien, mais merci le chat, c'est incroyable. J'espère vous passer un bon moment, que le live vous plaît, et que vous êtes en détente chez vous. Ah, tout le monde, donc. Et en tout cas, on a eu pas mal de rebondissements. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait rouler et tout. Finalement, ça équilibre un peu le tournoi. On ne sait pas qui va gagner. Moi, je suis à une défaite et je vais jouer maintenant contre PA. PA, 1v1. Je me serais bien. Ah frérot, je me suis pas mis bien avec Bouzy. Donc là, si je repère, c'est à double tranchant. J'arrête le live. Hein, je me casse et je laisse Billy commenter. Ok, bon bah c'est parti. Let's go alors. Bon courage. Oh là là, bon courage. Aïe, aïe, aïe. Oh. Allez, on enchaîne. Hier sur l'entraînement, c'est un peu de la fameuse. Je pense que les joueurs pro, ils doivent. Tu m'invites du coup? Hein? Tu m'invites? On s'en fout, c'est un tournoi. Vas-y, c'est un tournoi entre. On n'est pas des joueurs pro. Alors. Moi, je suis un futur joueur pro, les gars, je vous le dis. Inox, si ça se passe mal, je sens qu'il va avoir la pression. Mais gros, déjà, t'arrives sur ce truc, ça colle, t'es comme ça, gros. Vraiment. Tu peux gagner. Bien sûr. Parce qu'Inox, il gère pas la pression. Ouais. Les gars, je peux pas répondre à tous les dons. Si parce tu le que, débordes. Bah, je parle en même temps au live, donc. T'as reçu l'invite ou pas? Non, pas encore. Dans le clan. Non, quelle erreur. Mais merci beaucoup, les BG. Non, t'inquiète, en fait, tu sors de là, c'est encore terrible parce que tu reprends ta gaine. D'accord, je te renvoie. Bah, attends, à votre avis, qui va gagner ce combat? Gros, Nigo, ça commence. C'est parti. Oh, le combat qui est lancé. Roquette. C'est qui va lose? C'est Inox? Ouais. Moi, je suis Billy. En fait, c'est un moment ton cerveau. Oh, putain. Oh, va-t-il prendre la carte qu'on pense? Oula. Oh! Ah, ça te plaît ça? Ouais, j'aime bien, moi j'aime bien. J'aurais peut-être pas pris ça. Les jeux comme ça, j'aime bien. Là, moi je. Tu sais que la carte qu'il vient de prendre, je la déteste. Hein. Oh ouais, la carte que Domingo il a pris là. Je sais jamais la gérer. C'est quoi cette carte là? C'est les. Ça va. Ah oui, c'est vrai, j'avoue, c'est chiant. En fait, j'aurais pas dû la prendre parce que du coup, il a vu qu'en face il y avait boule de feu. Ouais, Valkyrie en plus. Donc, ah oui, c'est vrai que. Ouais. Oui, mais ça clean pas. Il va pas. Non, ça clean pas. En fait, normalement, tu la mets au bon moment. Genre, c'est les méthodes. Il y a Valkyrie aussi, de toute façon. Ouais, mais ça, le truc, c'est que. Valkyrie. Que il va le vasser à rien, ça. Et bébé dragon. C'est fini pour. Et bon, ok, d'accord. Okay. Ouais. Et bon, bah, c'est bon. Fini pour Béa. Mais non. Béa, bonne chance. L'attaque de Domingo. Béa, tu peux le faire. Dis-toi qu'il veut pas te cancel un truc. Après Zappi, ça peut créer un miracle. Mais c'est ça. On l'a vu tout à l'heure. Il a rien d'électro, il a rien pour cancel. Ah oui. Ah. Mais il a rien d'électrique. Oh. Ok, c'est parti. Direct. Le combat est lancé. Oh, le Zappi qui est posé direct. Comment vas-tu faire, Inox? Ok, le bébé dragon. Et est-ce non, que de, le est-ce dragon que Domingo ne suffira a un anti-aérien? Arrêtez les Zappi. Attends, non, il a pas lancé non? Oh là là. Oh, oh, l'attaque des deux côtés. Hein. Oh, la Valkyrie. La Valkyrie qui carry. Ok, le Zappi qui est géré finalement. Magnifique. Ouais. Mais le Zappi a pas été accompagné. Ouais, c'est dommage. Ouais. C'était une strat. Les deux dragons là, ils font quoi exactement? C'est deux bébés dragons. Ah ouais, tu deux bébés dragons, mais plus moins tanky, mais ils sont deux. Ok. Ouais.
En vrai, les cochons, il aurait dû le poser. Oh, le golem directement. Ah là, ça va faire. Le golem Valkyrie direct. C'est ça qu'on ressent du coup. Comment tu vas le gérer avec deux d'élixir, Pierre? Gros, la Valkyrie, ça me nique tout mon deck. Aïe, 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 ça va être compliqué là pour Domingo. Après, dommage que la Valkyrie a tanké d'abord les. Mais là, surtout, il mettait des appuis sur le golem, c'était gagné. Moi, je pense que là, Domi, il faut qu'il gère un all-in. All-in 3 coups. Ça va prévoir un truc là. Parce que là, ça peut faire très mal. Bombardier derrière, ça va faire mal. Domingo, c'est compliqué là. Plus le bombardier derrière, ça fait mal. Et surtout qu'Inox et Inox peut repartir. Ok. Inox peut repartir. Ah oui, t'es bien là. Ah oui, tu te sens bien. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Et le bébé dragon, il gère les deux. Inox, il doit faire que de défendre maintenant. Flux d'attaque. Mais je pense que Inox, il aime bien attaquer. Il peut gérer le 3 couronnes. Inox, il aime bien attaquer. Le premier 3 couronnes de la soirée. Non, non, ça se voit qu'il joue ici parce que là, il aurait pu mettre, je pense, son golem au fond. Mais l'erreur PA, ça a été joué sur deux sides. Il aurait dû poser les cochons derrière les apis. Ça aurait fait une dingue. Les cochons derrière. Ouais, attends, mais attends, il met. Là, le golem a été mal posé. C'est très très mal joué. Il va pouvoir faire un pot et accompagner son. Après, c'est dommage. Là, il a fait en sorte que la Valkyrie aille à droite. Ah, j'aurais fait que de défendre à la place d'Inox. Ah oui, alors qu'elle aurait pied là. Parce que là, il va pouvoir. Là, ça va tout prendre. Là, il va y avoir un bus. Oh là là. Là, il y a un bus qui va partir. Et c'est le moment pour PA. Après, en vrai, il lui reste quand même beaucoup de tirs. PA arrive après chaque là. Il a pas d'entier, rien. Il arrive pas à tuer le bébé dragon, P1. Ouais, c'est pour ça. Le bébé dragon, il fume le zapi. Oh, le zapi de l'autre côté. Oh lolo lolo lolo. Ouh là là. Oh le Ouh là là, les cochons. Là, ça a tenté un all-in. Cochon et zapi. Ça a tenté un all-in, frérot. C'est ce qu'il fallait faire. Eh, Inox, le golem défensif, c'est quoi ce bordel? Dommage qu'il prenne la gauche du golem, mais c'est pas vrai, attends. Tu le tues go. Non, penche le zapi. C'est une question de temps avant qu'il prenne la gauche. Aïe aïe aïe, c'est le moment. Oh bordel. Cochon. Domingo qui revient. Oh, 49 HP. Ok, 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 ok. Attendez, c'est intéressant là, ça joue. Tout est possible hein. Oh là là, Inox va-t-il choke? Ah, Inox il a pas réussi à le zapi va fumer le golem encore une fois. Inox il avait la win. En fait ça y est, il aurait dû faire que de défendre. Domingo il arrivait pas à défendre le golem mais là il a compris. Il aurait dû faire que de défendre. Ouais mais là le golem il gratte quand même. Il va gratter, Non mais c'est suffisant, ça va, Ok, ok, c'est ton moment PA. Ouais. Ton moment de mettre le pitchoun, c'est la dernière chance là PA. T'as la recette PA. Oh bordel, ça part. Ah, oh, le roi qui tue bombardier. Oh là là. Oh, là là. Okay. Le roi qui tue bombardier. Très bien défendu. Oh, très super bien défendu, ça Inox. C'est dur. Ouais, très bien joué. Et ben, les amis, là, c'est je crois qu'on va assister. Ah, pas du tout. Attends, c'est pas bien. Là, c'est indéfendable. Le golem, il va. Cochon, il a pas ce qu'il faut. Cochon pour attaquer. Ah non, fallait pas. Non, mais là, le cochon, il va. Enfin, le golem, il va péter, ça y est. Les cochons, ça tire pas assez vite. La Yes! Let's go! Ah, c'était chaud! Putain, bien joué! Ça a envoyé des zappies dans tous les sens! Eh, mon cœur, il battait! Oh putain! Oh là là! Le premier rush que tu m'as mis, j'étais en mode c'est fini! Oh, c'était chaud là! Non, vraiment, bien joué! Bien joué! Bien joué! Oh là là, bah, première victoire! Première victoire! Au début, j'ai fait merci pour les GG! Au début, merci Simon! Merci pour les GG dans le chat! Merci beaucoup tous ceux qui mettent des pouces bleus, les gars! Mon premier, ça fait du bien, Gwyn. Tu vas ressentir ça, Gotha, si tu gagnes. Hein. On sait jamais. Ça fait du bien. Et PA, t'as fait une win ou pas? Pas encore. Bon, je défaite pour PA, ça fait mal. Pas sûr que ça gagne ce soir, pas sûr, mais. Mais si. Ça va all-in, ça va all-in. C'est qui le prochain match? Iske à l'oreillette, je peux avoir le prochain match. Il peut y avoir un gros duel là. J'aimerais bien avoir un gros duel. Un Michou. Et j'ai un duel de croûtons. Oh. Michou Valouz, Michou contre Valouz. C'est parti. Michou contre Valouz, à votre avis dans le chat, qui va gagner ce duel? Je vous rappelle dans la soirée les gars, il y a 20 000 euros de cash prize. Le premier remporte 10 000, le deuxième 5 000, le dernier et l'avant-dernier 1 500 et tous ceux qui sont au milieu, je crois que c'est 4, 5, 6, 3 000. Ouais. Il m'a coaché cet après-midi. Donc ça va être le combat. On va voir si j'ai pas gagné une seule fois, mais on sait jamais. On sait jamais. J'ai coaché Valouz. Il me disait attends toi tu prends quoi à ce moment-là et tout. Ah, il m'a coaché, c'est lui qui m'a coaché. On va voir ce que ça donne. Et les gars, le gagnant remporte la couronne qui est juste là. Aussi, en plus du cash prize, bon je pense. Mais les gars, le couronne, il est trop d'art. Bonne chance les gars, c'est parti. Allez mon petit Mich, envoie. Non mais c'est toi qui dois demander. Tu dois demander Val. C'était le bout de Valouz. La régie s'est trompée. Alors, ah merde. Michou, mais non, mais j'ai dit le pouce de Valouz. Non, t'as dit Michou. Non, t'as dit Michou. Ah ouais? Bah, tu retournes. Ah, bon, bah, Valouz, il est content. Après, le bouse, il me fait peur aussi. Le bouse, t'as une victoire. Ok, j'ai le seul, les gars, je suis prêt. Ok, le bouse a une victoire. Valouz a une victoire. Il y en a un de vous deux qui va avoir une défaite. Qui sera le loser? C'est parti, que le meilleur gagne. C'est dur à anticiper. C'est confiant, la petite bouse. Bah, par rapport à tout à l'heure, moins, mais bon.
Mec, ça rend trop bien l'image là. Ouais, ça rend trop bien, mais le décor. Hein. Mec, c'est incroyable. Bonne chance, les gars. C'est parti. Bah, les gars, j'ai comme des tailles à des tissus. Hein. T'inquiète, ouais, pas, c'est trop chauffant, je vais Oh là là, le choix est compliqué à gauche. Là. Coup, en vrai, Bouzy, ça se sentait là. À chaque fois, il commentait c'est tout. Tu sens qu'il maîtrise bien, qu'il a pu jouer. Direct. Les Valouz, c'est Valouz. Ouais, le canon. Oh, j'aurais pris le Bouzy. Putain, mais c'est cool. En fait, c'est chiant de commenter, mais. Gros, gros choix. Pour moi, c'est genre. J'aurais pris autre chose à gauche. Moi aussi, j'aurais pris autre chose. Attention, Valouz, qu'est-ce qu'il va prendre là? Ouh. Parce que c'était peut-être le seul temps qu'il proposait à gauche. Et surtout que là, il peut faire un good move pour protéger à gauche. Ouais. Parce que regarde, s'il prend là. Attention. Ah, là, y a... Attention. Oh non. Ah non. Je pense qu'il y a eu un mauvais choix du côté gauche. Ah, compliqué. Hein. Ça va être très dur. Après, le Bouzy a. Ah ouais, non, je peux pas le dire. Non, mais tout à l'heure, on dit que c'était compliqué. Il a réussi à gérer tranquillement. Ouais, là, en vrai, je dis rien, mais le deck de Val, il me donne envie. Ouais, moi aussi. Hein. Ouais. Le deck de Val, il est pas dégueu. À votre avis, dans le chat, qui va remporter ce match? Le deck de Valouz est complet. En vrai, je kiffe le live, les gars. Je suis trop content que vous kiffiez dans le chat. C'est trop bien, en vrai, ça. Oh, mec, je suis trop content. Ça fait trop plaisir. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Les gens, ils kiffent. Ça fait plaisir. Ça régale. Même vous, vous kiffez. Le deck de Valouz, on met trop léger. C'est parti, Valouz qui commence avec une princesse. C'est défendu par. C'est Bouzy. C'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. Les gars, fallait que vous. C'est soit Valouz qui invite, mais c'est pas grave. Les gars, je préviens pour le live, c'est l'inverse. Valouz est en haut, Bouzy est en bas. Non, l'inverse. Non, Valouz, c'est Valouz. Valouz, c'est Valouz. C'est Billy. Ah, ouais, du coup, les caméras, les gars, Valouz, il est en haut. Et Bouzy, c'est Billy. Pour ceux qui ont. Ils ont fait une erreur quand ils se sont invités. Ok. Je trouvais ça bien, la tour rebondée. Ouais. Pas Bouzy là qui est offensivement et bien. Bouzy qui gratte bien là, je pense. Hein. La mousquetaire. Ouais, là, oh oui, Bouzy qui met pas mal de dégâts. Force, hein. Oh bordel. Ouais. Putain, ça fait mal ce géant. Attention, Valouz, il peut se faire surprendre sur ce combat. Il connaissait pas. Sachant que en vrai, je les ai vus jouer, Valouz est favori entre les deux. Ah ouais, quand même. Putain, mais sérieusement. Tu fais la voleuse. La voleuse, elle fait pas mal de dégâts. Oh, mauvais. Ah, bien défendu ça. Oh. Bien joué. Heureusement qu'il met le bat là, parce que là, il y avait un autre dash qui partait. Là, Valouz est en mais mode. Il a cramé pas mal, hein, parce qu'il a mis l'archer aussi. Donc, Valouz est en mode défensif. Il a touché une tour. Ouais, vite fait. Ouais. Ah, il a shoté. Ouais, ouais, il a pas trop touché la tour, mais. Ok, sorcière, princesse qui est sortie pour. Est-ce qu'il a quoi, Valouz, en fait, pour push? Pas grand chose. En vrai. Si, il a. Ah oui, il a. Le truc. Il a. Valouz, il a un bon truc pour push. Hein. Ok, un autre push est lancé de la part de Bouz. Oh waouh. C'est pas une défense, ça. Ça, c'est pas une défense. Aïe, 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 ouais. C'est pas une défense pour le coup. Du coup, le golem qui va pas être accompagné. Ah, si. Aïe, ok, les chauves-souris sont quand même bien joués. Ok, la régie a remis les cams dans le bon ordre, les amis. Merci à la régie dans le chat sur vous. Le golem qui part mais qui est très bien défendu à la régie. J'ai pas compris le timing du golem pour le coup. Ouais, moi non plus, mais le golem est du coup bien défendu. Là ça va être compliqué, il reste une minute pour prendre une tour. Hein. Bouzy qui joue bien en vrai. Hein. De fou. En fait il se précipite pas, il joue stratégique. Et moi je trouve les gars que la cache de gobelin c'est quand même une carte de ouf. Celle-là là. Genre ouais, de gobelin, ouais, elle attire les trous. Le gobelin il est dedans, ultra il met il met des vraies patates. Hein. attends, il y a un gros push là. Il y a un gros push. Oh, il y a un gros push. Oh, ça peut passer, Valouz a all-in. Malheureusement, Valouz n'a pas grand chose pour accompagner Golem. Ouais, c'est vrai. C'est chaud. Ouais, il peut rien faire. T'as les gars, en fait, tout son derrière Golem se fait. Mais Bouzy, il défend. C'est trop bien là, en fait. Bouzy, ton deck il est trop chaud. Il est bien défendu. Bouzy, là, c'est un perfect. Après, Bouzy a fait un. Oh là là, ça snipe là. Voilà, ça défend bien. Bouzy est très dangereux dans ce tournoi. Bouzy est très chaud. Invaincu. Peut-être sa deuxième victoire. Il aura battu Inox et Valouz. Bien joué, Bouzy. Ton deck était trop chaud. Il a fait un shot de balle. Ton deck était trop chaud. C'est terminé. Bouzy gagnant. Bien joué. Oh là là, la victoire de Le Bouzy. Oh là 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 là. Il était chaud. Ah, c'est bon. Oh là, masterclass, bien joué. Hein. Franchement, t'as tué ça. Ouais. Et il est venu en mode pyjama. Ah. Et il est venu pour rouler la conclue. Là, son deck. Il était monstrueux. Mais toi, j'avais deux bâtiments. J'ai tenté deux bâtiments pour voir Cash Goblin est Et comme par hasard, quand je prends le golem. Cher de cochon à un endroit, t'avais le choix. Ouais. Mais du coup, comme il avait golem. Ah ouais. Contre le golem, je pouvais rien faire. Ouais, il pouvait rien faire. Et il me coûtait trop cher, tu vois. Et toi, t'avais rien pour accompagner le golem. Ouais, non, j'ai rien. Et puis deux petits bâtiments pour défendre un golem, c'est incroyable. Est-ce qu'à la région, on peut me dire qui sont les prochains?
Bon bah, les gars. Un putain. Bouzy qui victoire consécutive. Bouzy qui pour le moment, c'est le grand vainqueur. Pour le moment, c'est le grand vainqueur du tournoi. Il nous reste encore beaucoup de matchs, donc vous inquiétez pas, tout peut se retourner et on va accueillir le titulaire. On va voir s'il va tenir sa place de deuxième victoire. Il a déjà une victoire. Est-ce qu'il va perdre sa première partie ou est-ce qu'il va gagner? Et on va accueillir l'imitateur professionnel. Mais non. Viens avec nous. Oh non. C'est parti, Billy Bichou, le choc des titans. Tu sais que là, c'est un choc des titans. Là. Ouais, en vrai, le Billy, chat veut le voir. Hein. Billy est très bon. Le chat veut après, le voir. Billy, t'as perdu déjà. Donc choc des titans. Un perdant contre un winner. J'ai déjà, sur la game d'avant. En vrai, faut que je prenne mon temps. Parce qu'au début, j'étais monstrueux. J'ai merdé toute la suite. Mais toi, tu sais jouer. Pas de stress. Le chat. Qui, selon vous, va gagner entre Michou et Billy? Ça risque d'être quand même serré. C'est à moi d'inviter Michou. Hein ouais, c'est toi qui as pas d'inviter. Bon, bah bonne chance. Hein. En vrai, j'ai un peu de pression. En vrai, ça fout la pression ou pas? Ouais. Hey, tu trembles ou pas là? Oh là je tremble moins qu'à mon premier match. Ouais, c'est parti les gars. Déjà, c'est mieux. Ouais. Pourtant, Billy Michou, c'est maintenant. Je t'ai invité. C'est parti. Et Tombstone, Tombstone c'est mon bâtiment préféré. Billy, faut qu'il montre son vrai visage parce que tout à l'heure on l'a vu paniquer alors que je pense que. Billy, c'est toi qui as invité. Hein. Ouais. Et du coup, les gars, c'est la moi Billy. Je sais pas si les cams vous les avez mis comme avant ou si c'est bon. Voilà. Le fait que t'aies pas pris la T2, ça allait être chaud contre le golem. Ouais, non, c'est pas bon. On va inverser les. Moi, j'avoue que je préfère T2, tu vois. Ouais, j'avoue que je préfère pas trop. Ouais, Billy, c'est Billy. Non, justement, c'est pas ça. Et moins méta. Du coup, techniquement, toi, tu dois être là-bas et Billy toujours là. Ouais, les noms. Là, les gars, les cams sont bien mises donc Billy à droite, Michou et à gauche. Même s'il y a écrit Billy sur le deck de gauche, c'est Michou. C'est ça. Ah, j'espère qu'il prend pas le fuite à squelette. Je sais pas. Je pense que c'est pour la fin, pour que tout le monde ait son deck, un truc comme ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont pris ces pseudos-là. J'avoue, ça perturbe. Oh là là, moi j'aime pas. Oh là là, le deck de. Eh, le deck de gauche, il est osé, hein. Le deck de gauche, il est pas. Le deck de gauche, si. Je trouve pas ça fan, le. Moi, le deck de gauche, il est osé. Hein. Alors, ça... Non, le deck de gauche, il a pris c'est un deck quand tu sais vraiment bien jouer. Ouais. Il peut faire la différence. Ouais, mais... Il a sa sorcière. Hein. C'est son truc préféré. Il va être à 4. Par contre, il peut faire très très maladroit. Ouais, hein. Genre, s'il fait une contre-attaque. Alors, les decks favoris, ils perdent. Hein. Ouais, mais je pense que là, si Michou, tu joues comme un pro, c'est incroyable. Oh, Michou, tu peux nous montrer du très beau jeu. Là, tu peux faire du très beau jeu, Michou. Qui va gagner entre Billy et Michou? Parce qu'il y a une carte, on n'a jamais vu encore. Zap. Ah oui. Zap. Oh, ça tempo. Oh là et là. C'est parti. Et c'est Michou qui ouvre le bal. Ça annonce Michou immédiatement la couleur. Qui joue Molos. Quand tu vois un Molos, tu sais que ta partie elle va être chiante. C'est vrai. Tu sais que ta partie elle va être relou parce que. Le Molos fait vraiment zéro dégâts. En fait, tu fais pas ça. Mais Billy, ouais. C'est un bon tank, je pense. C'est quoi? Ouais, c'est la tank, mais rien, c'est tout. Et t'attends pour. Ok. Billy qui a joué tempo. Ah ouais, et je pense qu'il a fait exprès. Ouais, ouais, mais il perd quand même. Ouais, il perd quand même. 7 d'élixir. Oh le foot qui reset le dragon. Ah ouais, tu vois. Ah, le foot ça reset. Ouais. Oh, et là, par contre, le Molos qui met pas mal de dégâts. Mais c'est surtout c'est les petits. Maintenant, c'est maintenant qu'il va mettre du dégât. Ok, je crois qu'il a rien pour défendre le Molos. Ça va, frérot Billy? Ça va, Billy? Parce que je crois que ta tour est dans la Billy, merde. Il est en très très cher. On est avec toi, Billy, on est avec toi. Ouais. Quand tu commences un combat comme ça. Ah, mais ce qui m'a mis juste avant, mais je comprends pas. Fini. Non, mais là, vous rendez pas. C'était chaud. Il a perdu beaucoup d'élixir à pas jouer. Ah ouais, mais je pense qu'il a stressé, il a vu le Molos. Non, mais oui, mais c'est pas ça. Mais en fait, le dragon, au pire, tu mets en fond de map et il arrive. Ouais, c'est pas fini. Et à mon avis, c'est. Tu récupères l'élixir. Ouais, mais je pense qu'il a pas de les gardes. Parce que les gars, le deck de Michou est dur à jouer, n'empêche. Ouais. Ça se sent, il a fait des choix déjà. Billy, t'as pas encore perdu, arrête de stresser. Michou, t'as pas encore gagné. Après, faut pas oublier, Billy, il y a des cartes qui peuvent vraiment faire la diff. Billy, il peut faire la diff, hein. Ne sous-estimons rien, les gars. Bah, je sais pas, contre un mec qui sait jouer le problème. Ça dit quoi la guérisseuse du coup? J'ai jamais vu. La guérisseuse, les troupes qui sont autour dès qu'elle tape. Ah, donc c'est un tempo de fou. Okay. Ouais, oui, c'est un tempo de fou. Regarde, elle récupère de la vie à chaque fois. Ah, ouais, donc. Oh, Billy qui arrive. Ouais, tu gères le méga chevalier juste avec ça, quoi. Billy qui a pas lancé son dragon de l'enfer sur la tour. Peut-être qu'il va gratter. Oh, aïe, aïe. Aïe. Ça brûle, ça brûle. Oh, le zap qui a été bien joué. Non, mais je crois que zap, quoi. Je crois que c'est Billy qui a zap. Ah, mais oui, c'est Billy. Ça laisse de l'espoir, ça laisse de l'espoir pour Billy là déjà. Première tour prise. Billy qui perd une tour. Bah, le problème, ça va être Molos, très très dur pour remonter dans ce combat. Billy Valkyrie à gauche. Oh. C'est celle-là qui. Aïe aïe aïe, le roi des barbares. Il a eu un mauvais timing, je pense. Ouais, quand t'as un bon timing, celle-là. Ouais, ouais mec, celle-là. Si là, t'as perdu ta tour. Là, c'est fini là. C'est le roi des barbares. L'arme du chevalier, c'est tellement. Mais il a encore 9 d'élixir en vrai. Donc. C'est 7. Hein. Ah, il attend. C'est le genre de truc, je serais pas lui. Je pense qu'il va tenter un combo sur la droite là. C'est ok. Je pense qu'il all-in à droite. Ah, mais Molos, il va tabasser. Ouais, le Molos va faire mal. Et c'est le petit. En vrai, Molos, ça fait pas. Déjà, derrière, il fait mal. Mich, il aurait pu jouer la défense.
Après, il a rebalancé son molosse quand même. Hein. Ouais, mais le molosse n'empêche, ça joue la tempo. Ouais, ça joue la tempo. Parce que le mec est obligé de le défendre. Mais Michou défend super bien. Non, mais Michou est très bon. Là. C'est son grand fort. Ça te fait commencer à tabasser en plus, c'est fini. Ok, Bilou, que. Attends, hein. Oh, quoi que. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Tu sais que ça le met très bien d'avoir deux tours. De toute façon, c'est fini, gros. S'il y a une égalité, il a plus de tours. Bien joué, mon pote. Bien joué. GG, let's go. Il est vraiment chaud. Oh là 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 là. Billy, il est au fond du gouffre. Bienvenue en 02, frérot. C'est mon ref. On est là. Ah, j'aime pas ta tube. Bien, bien, bien. Aïe, deux défaites. Aïe, là, là mentalement, c'est compliqué. Yes, aïe. Bien joué, mec. Yes, aïe. Franchement, ton deck, les gars, le deck de Michou, de titulaire, il était pas dégueu, gros. Enfin, il était dégueu. En fait, moi, je fais des decks. Quand tu les regardes, ça a l'air chelou, mais t'inquiète. Franchement, frérot, pour l'instant... la guérisseuse m'a choqué, je m'attendais pas à ce qu'elle se régène autant. Ah mais attends, elle est sous-côté, elle est sous-côté la guérisseuse. Frère, c'est un truc de ouf. Elle et même moi, je pensais pas qu'elle était aussi forte. J'avoue qu'elle a défendu le méga chevalier. Hein. Mais ton molosse, en vrai, j'avais juste la pierre tombale pour défendre, je pouvais rien faire, en vrai. Mais en fait, justement, dans ce mode, l'anti-aérien, mec, on fait pas assez attention. Et je savais qu'un deck molosse ça pouvait. Le truc là derrière que tu mets. Que le molosse ça aurait été. J'ai. Qui tourne, ça m'a mis au fond ça. Ouais, ça c'est trop. Mais pourquoi t'as. Attends, ouais, c'est passé quoi au début? Au début, c'est passé quoi? T'as perdu plein d'élixirs. T'as rien posé, frère. J'ai mis mon molosse. J'attendais qu'il vienne au fond. C'est évanoui. Mais ouais, mais. Pour déjà poser mon. Mais pose des trucs. Ouais, t'as perdu. Parce que là, j'ai mis mon molosse. Non, mais si je posais mon dragon trop tôt, t'aurais pu mieux le gérer que ça que sur ma tour, je pense. Ouais, je savais pas si t'avais deux trucs aériens en fait, c'est pour ça. Bon bah GG, tout le monde met GG. Billy, 0-2, c'est pas fini encore. C'est pas encore fini. Si, si. c'est fini. Les refs, je pue la merde. Désolé, la team déterre. C'est dur. Non. Mec, la tête d'homme, c'est pas fini. Non, arrête. Tu peux faire top 3 encore. Mais tu peux faire encore top 2. Top 2 et top 1. C'est les deux premiers du classement qui s'affrontent pour la finale. Je peux plus top 2. Mais bien sûr que si, il reste encore plein de matchs. T'as affronté deux personnes. T'es large, c'est bon, okay. T'as pas encore perdu. Les gars, ils ont pas encore perdu. Non. C'est pas parce qu'on perd deux fois qu'on a pas perdu, parce qu'on y a encore. Il peut y avoir plein de mecs ex-aequo. On a encore plein de matchs chacun, les gars. Donc vous inquiétez pas. Et il y a un classement général. On va le regarder dans peut-être deux parties. On refait deux parties, on regarde le classement général pour voir où se situe tout le monde. Et c'est les deux premiers du classement général qui s'affronteront avec leur deck sur un BO5 pour savoir qui remporte le cash prize de 10 000 euros et la couronne. Sur ce, quel est le prochain duo à s'affronter? Ok, on va prendre. Merci à tous ceux qui mettent des GG dans le chat, vous êtes incroyables. Merci à tous ceux qui regardent le live, encore merci, vous êtes des cracks. Ceux qui mettent des pouces bleus, ça fait plaisir. Qui s'abonnent, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche. Sur ce, le prochain combat, on va accueillir des joueurs Fortnite. C'est parti, hein, Nikov et Gotha, c'est plus sur Fortnite, c'est sur Clash Royale. C'est le match à pas perdre, Gotha. Je vais où? C'est bon, il vous a présenté comme des comme tu veux, Fortnite. À toi l'honneur. Invite-le alors, invite-le en triple d'arf. Gotha, là, t'as la pression. J'ai pas envie de rejoindre les 0-2. J'ai pas envie. Nikov. Il y a un code, frérot, sur la tablette. Ouais, c'est que 0-0. Moi, je l'ai dit le code, mais personne va péter à l'iPad. Hein. Ouais. Ok. Ouais. On le rend. Triple draft. Laisse Gotha t'inviter. Oui, mais. Les gars, à votre avis dans le chat, qui va gagner? Nikov, s'il te plaît, prends Nikov pas des trucs. Gotha, ça va être très très chaud. C'est parti, player, je les laisse jouer. Mais là, c'est marrant parce qu'on a. Moi, je suis un joueur émulateur. Eh, fais ce qu'il t'a dit, Wallouf, t'inquiète. Les deux sont très forts quand ils jouent à un jeu. Ouais, mais les deux, c'est toi qui invites ou c'est moi? C'est deux tryharders de folie, quoi. Ils ont pas eu le temps. Hein, Gotha? Hein? Toi qui invites ou c'est moi? C'est moi qui t'invite. Là, j'ai envoyé là. J'ai rien. Attends, t'es sûr? Ah, attends. On attend d'un adversaire, il y a marqué. Arrêtez de parler. Regarde en haut. Ou dans le clan, je sais pas. J'ai rien du tout. Ça va juste enchaîner maintenant. On va enchaîner maintenant, j'arrête de parler. Attends, mais j'ai pas de combat, moi. Et c'est où pour accepter le combat? Merci à tous ceux qui sont sur le live, ça fait trop plaisir, les gars. Ouais, je crois qu'il faut que tu réinvites. C'est archi lourd, c'est trop chaud. Okay, moi, je suis pas à Clash Royale et c'est trop marrant le format juste où tu combat amical. Le triple tirage, c'est trop cool, je trouve. T'apprends le jeu, tu. T'as invité. Chat, Gotha, réveille-toi. Oh! Gotha! Attends, c'est un 0-2 qui me dit ça là? T'encourager, bah c'est quoi, vas-y. Gotha, réveille-toi, Gotha! Gotha, il sait à qui doit faire confiance. Gotha peut toujours faire 0-2 là. Ouais, cher. Oui. J'espère qu'il me retourne dans les corps. Fait ses choix en 2 secondes. Ouais, Nikov est ouf. PK, c'est Gotha qui se concentre bien. Ça trop dur à jouer. Ah, c'est compliqué la gauche là. Ouais.
Moi, je n'ai pas pris ça. 3-4, il a gagné. Il est bizarre, le deck. Oh, à gauche. Il esquivale. Ah, il a quand même hésité, hein. Moi, j'aurais hésité. C'est pour se donner bonne conscience. Le deck de Gotha, il est pas si mal, en vrai, je pense. Et là, Gotha, c'est un bête de deck. Zappi, c'est... Là, il a un choix très... Zappi, c'est... Non, très important, Gotha. Après, il a juste... Non, frérot, c'est terminé. Attends, ouais, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Non, non, je te jure qu'à gauche... Hé, Gotha, c'est ciao. Hé, Gotha, tu vas rejoindre la team des fatigués. Ça va être dur, là. J'avoue que Gotha est un peu dans la D, là. Gotha, il est dans la D. Après, on sait jamais, hein. Ouais, on sait jamais. Un petit coup de pression et boum. Bah attends, il a pas fini son deck. Merde, que ça lui a... Par contre, il a vraiment eu des cartes de merde, le pauvre. Et il a un vrai deck. Il a counter parfait, je pense. Après, il a de quoi... Non. Il a de quoi défendre et tout quand même, hein. Ouais, en vrai, il a de quoi défendre. Moi, je trouve si Gotha le... joue bien, il peut gagner. À votre avis, qui gagne ce combat dans le chat? Le gros gobelin là, avec les gobelins sur son dos. Ouais, c'est fort. C'est trop fort. Bah, ouais. C'est un électro géant. Ah ouais. Non, c'est sous côté. En vrai, c'est sous côté. Hein, parce que tu fais pas avec le gros golem qui a des gobelins. Ok, moi je trouve ça bien. Il coûte que 6, mais en soi, il est pas si. Oh bordel. Oh bordel. L'électro géant. Oh, le face à face au niveau du pont. C'est vrai que le pont, le Zappi va très bien défendre. Ouais, le géant lui met de la mie après. C'est pour ça que Gotha le Zappi lui met un coup seulement. Oh, ah ouais, hey, en one shot. Oh, le pêcheur très bien joué. Non, mais genre là, il va électrocuter le. Voilà, voilà. Ah ouais, le sorcier qui va. Oh, c'est fini. C'est bien joué ça, la cache, je pense. Ah, mais l'électro. À droite, il tape sur la tour. Oh, l'électro sorcier pour accompagner l'électro géant, c'est trop puissant. Bah oui, du coup. Oh, c'est insane. Mais il a bien défendu. Ouais. Et Gotha qui a tiré à droite. Il a mis 2000, il a mis 2000. Gotha qui ne se laisse pas faire. Le géant est derrière la Valkyrie. Aïe aïe aïe. Gotha ne se laisse pas faire, les gars. Nos calculs n'étaient pas bons. Après, il a rien mis sur le géant, hein, du coup. Les gars, le géant, côte. Ouais, ouais. Bah, tu le laisses et. Ouais, tu le laisses et en fait, il te démolit la gueule. Si tu te démolis, ouais. Ah, ça va mettre un coup. Aïe. Oh, le timing, Gotha. On voit le mec qui s'est fait coacher. Les timings ont été travaillés à l'entraînement. Ah, ça c'est contre, ça va faire mal. Ça, hein. ça fait mal parce que. Oh, ça va faire très. Ça va foutre. Ah, oh, non, c'est bon. La c'est géré. Oh, le réflexe directement. Voilà, il était obligé. Hein. Ah, il connaît. Hein. Oh, Gotha. Qui... Oh, le pêcheur, pas, faire. Pas très bonne défense là. Bah, je pense qu'il avait que ça pour défendre. Non, ouais, peut-être. Gotha, il a joué comme un chef, rien à dire. Ouais, en vrai, Gotha, il a défendu comme un chef. Mais il a chaté sur le Zappi. Ouais. Il s'est décalé. Ouais. Il prenait plus l'électro, le Zappi, ouais. Attention là, c'est stressant. Ouais, ça peut partir Gotha, dans tous les sens. Je pense qu'ils ont c'est quoi. Tout, encore un Gotha a un gros avantage. Ouais, il y a un très gros avantage parce qu'en vrai, là, il peut juste défendre et gratter à la boule de feu. Après, sachant que c'est des decks que tu connais pas. Mais Nikov peut faire un très gros comeback. Sachant que c'est des decks que tu connais pas. Et bah, tu te rends compte de la puissance de ton deck au x2. Aïe, aïe, aïe. Et là, x2, ça change tout. Et il a beaucoup de cartes à 6 étoiles. Ah, mais le Zappi, ouais, il va prendre l'aggro. Il va prendre l'aggro sur le géant, peut-être. Il prend l'aggro, c'est monstrueux. Non, il prend pas l'aggro. Ah, dommage. Oh, le géant qui va pouvoir gratter. Après, la machine volante qui défend très bien. Ouais, la machine volante, elle fait du dégât. C'est fort, la machine volante. Ouais. En vrai. Mais l'électro-géant, il se fait gérer, là, j'ai l'impression. C'est trop chaud, ça. Bah, il a quand même bien gratté l'électro-géant, mais là, il y a push des deux côtés. Le Zappi, il est géré, mais le gobelin lance machine volante, ça va être compliqué. Le pêcheur qui est très bien joué. Ah, bien joué, le pêcheur. Oh, bah, c'est bon. Ah, c'est très bien défendu, là, chez Nikov. Après, Nikov, un dernier push à tenter, là. Soit ça passe ou ça casse. La Valkyrie met un coup, il est très bien Gotha. Oh la Valkyrie qui tape deux fois même. Oh là, trois coups. Trois fois. Oh là là, la Valkyrie qui fait très mal. Normalement c'est win. Attention Gotha qui revient de loin. S'il défend, ok. Là c'est le push final là. Ouais. Je joue la défense. C'est électro géant. Oh. Mais la cabane trop bien défendu. Il a placé carrément. La cabane. Elle a pris l'aggro quand même. L'armée de squelette. La cabane est très bien placée. Ah, le Zappi qui va être inutile. Mais le. Ah, direct il le met. Il le met pour que le Zappi puisse fumer l'électro géant. C'est gagné. Ah dommage. C'est gagné pour Gotha là. Terminé, attends. Ouais, mais. Ah, le séisme, ça va pas. C'est gagné pour Gotha. La victoire de Gotha. Franchement. Bien joué, Gotha. Bien joué. Bien joué. J'ai battu un truc cancer. Let's go. Ah, le Zappi. Eh, rejoins pas la team des fatigués. Elle a bien joué. Hein. Tu sais que, vu ton deck et vu chez Nikov. Je te dis, tu mets un Zappi en face, je sais pas jouer contre. Ouais. En plus, ça met l'électro zap. Ouais, non, j'ai de la chatte. Tu sais, j'ai mis ma cage, ça a décalé Zappi. Ouais, et il a quand j'ai vu ça, ça avait ski. Bien joué. Bien joué, monsieur. Bien joué, bien joué. Putain. Quand j'ai vu l'électro en face, j'étais en mode. Non, les bâtards. Je vais montrer le classement avant qu'on enchaîne. Deck vs deck, tu étais en dessous. Ou je le montre après. On fait une dernière tournante. Merci pour les GG dans le chat. Ok, bon, on fait une dernière tournante et après, on montrera à la moitié du live le. On l'a joué maintenant. Hein? Le planning à jour, ok. Est-ce que vous voulez voir un peu le planning? Ça veut dire le classement? Non. Attends, le classement, ouais, mais pas planning en mode qui va jouer contre qui. Non, direct. Le classement. Ouais, le classement. Les gars, classement, c'est parti. On va vous mettre le classement à l'écran. On va voir un peu où on se trouve, qui a gagné des games, qui a perdu. Pourquoi il y a une petite tête de mort à côté de Billy? Il est derrière. Moi, je vois pas le classement. La première place pour moi, les gars. Il est sur l'écran? Ouais. Ah, j'ai la première place. Hein. Pour l'instant, c'est qui gagne? Michou?
Mais ouais. Sans blague. Les choux bousillent. Oh là là, attends, mais il reste deux matchs. Comment ça, j'ai 6 points 1, on prend 3 points par victoire. Mais comment ça, c'est que moi j'ai 3ème et toi t'es 4 points. On a le même score. Ouais, mais c'est l'égalité là. Ouais, non, ça c'est pas que. Non, après ça se joue en mode si t'es beau gosse ou pas. Ouais, ouais, mais après, t'inquiète, il y aura. Après, ça sera avec les couronnes, donc t'inquiète. Ok. Ok, les gars, pour l'instant, c'est un classement. On va enchaîner direct, je vais pas trop parler parce que comme ça, ça dure pas trop longtemps. Prochain combat, c'est qui contre qui? Inox. C'est pas facile, hein. C'était pas simple. Allo, prochain combat. Yarigi va me dire. Ok, Valouz, t'es contre moi, mon ref. Non. C'est parti, let's go. Prochain combat. Valouz, t'es à combien de wins? Viens là, Inox. Ah ouais, ouais. Hein? Comme ça, il y a Valouz. Vas-y, Valouz, va là-bas. Comme ça, t'es Valouz. T'as combien de wins? Et Valouz, une. Et moi aussi. On est égalité, Val. Qui va se démarquer? Cet après-midi, on a fait 3 matchs. T'as gagné 2-1. Ouais, ouais. Mais. Aïe, 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 aïe. C'est parti, les gars. Faut pas que je perde celui-là. Invite-moi, Val. Invite-moi en triple. Je vais vous prendre de haut. Merci dans le chat à tous ceux qui sont là. Purée, j'ai raté le live. T'inquiète pas. Il reste encore du temps. Trop bien le live. Bah merci beaucoup le chat. Merci beaucoup les gars, tous ceux qui encouragent. T'as invité? Ouais. Ils ont pas mal joué. Je vois pas. C'est très serré entre les deux. Invite dans le clan. Bah je t'ai invité dans le clan. Je vois pas. Ah, j'ai hâte de jouer. Combat amical, tu mets triple. Match. Là. Ah c'est bon. C'est parti. Allez s'il vous plaît. Je voulais faire un jeu alors que c'est faux. Mais non c'est vrai. Tu m'as dit ça au début. Tu nous as tous dit ça au début. T'as même dit je suis content parce que les gens le savent pas. Même les champions de France ils le savent. PA, j'ai dit ça tout à l'heure. Ouais je crois. Oh, ça choisit les decks. Oh, Valouz, il a pris la meilleure carte du jeu. Ouh, le géant royal. Dis encore plus fort. Après, t'as pas dit s'il avait parle choisi. Parle encore plus fort. Non, mais il le voit qu'il y a le géant royal. Ouais, il le voit en soi. Valouz le voit. L'Arkix, ça hésite. Est-ce qu'il va tenter mon deck? L'Arkix, il me fait j'aime bien ce qu'il prend Valouz là. Ça a suivi les conseils. Inox, c'est à l'instinct là. C'est que ça va être. Moi, je vous dis actuellement, le deck d'Inox, je kiffe pas. Hein, ouais. Inox, c'est Billy. C'est vrai qu'Inox, il a un deck très complet. Allez, c'est parti. Hein. Il a complet, il a tout. Inox, il a un vrai deck. Il a un truc pour gagner. Maintenant, faut bien jouer. Mais en soi, Valouz aussi. Et je vous dis, les meilleurs picks, c'est le truc qui vole et Valkyrie. C'est le meilleur truc à voir. Valkyrie, c'est vraiment la folie. Wow. Valkyrie, de toute façon, faut prendre oublié. En fait, Inox, il a un push plus rapide que le Molosse en fond de map, tout ça, quoi. Alors là, faut pas qu'il le laisse. T'as pas compris? Je sais pas. Ok, la cabane de gobelins très bien défendue. Cabane de gobelins, je dirais très bien attaquer. On la met au milieu ou derrière la tour? Des fois, je vois les mettre. Je la mets au milieu. Je crois que c'est quand t'as deux bâtiments non, derrière. Je sais pas. Ah, les gobelins, je vais jamais mettre. Oh, la magie volante, la meilleure carte du jeu. C'est trop fort ça. L'archi magique aussi. Je rentre chez moi, je l'archi magique très bien fait, les gars, il prend une balle. Il est trop fragile. Oh là là. Il est pas assez tanky. Oh là là, c'est parti. Comment ça va être défendu? Mais là, tu mettais derrière, ça tabasse. Il prend pas l'aggro de la tour. Oh là, le géant royal qui va même pas pouvoir taper. Ouais, c'est 6 dans le vent, ça, Inox. Il est géré. En vrai, le géant royal, les gars, je trouve qu'il a pas de vie. C'est comment tu défends ça? Oh, des deux côtés là, ça attaque. Le géant royal a pas de vie, mais il a une range de fou. Ah, la cabane de gobelins, les gars, ça va pas suffire. Ça tape en AO, lui. Ouais. Oh, ça va taper des deux côtés. C'est trois trucs, ça fait très trop fort. Oh, ça tape des deux côtés. Ouais, faut le défendre ça, hein, parce que ouais. Ah, mais la Valkyrie. Et la Valkyrie, mais qui arrive un peu tard. Ça, en vrai, ils sont en égalité. Ouais, exactement. Ils sont rendus coup pour coup. Petit gars. Pas mal défendu. Avec un contre Valkyrie. Et la machine volante, ça a l'air d'être vraiment le truc que tu veux à tout prix là. Ah, c'est trop bien. Ouais, la machine volante est très forte. Je savais pas en vrai. Mais en vrai, j'aime trop le deck de Valouz. Sur le papier, le deck d'Inox c'est bien, mais c'est vrai que le géant royal il se fait un peu le gérer. Géant quoi. Royal. Non, mais faut qu'il le pose bien, le géant royal. Après, s'il y a l'archer derrière le géant. Ok, le géant royal, est-ce qu'il va pouvoir. Il va peut-être pouvoir taper un peu. Là, il faut que tu prévois les trois parce qu'il est en solo là. Ouais, ouais, il peut pas bouger. Oh là là, géant, il peut même pas attaquer. Oh, le les électrocuteurs en défense. Très, oh non, très la boule fort. De feu. Oh là là, là ça va faire très mal. Ah, ça va. Bien défendu. Bien géré, bien géré. Oh non, il a mis beaucoup. Allez, Inox, pas de stress. Et là, on a un gros avantage du côté de Valouz. Que ce soit en point de vie ou en. Trop l'avantage. En vrai, faut d'abord qu'il casse la cabane à gobelins avant de poser le géant royal. Mais Valouz, il y a trois cartes qu'on n'a pas vues. Oh là là, le Molosse qui est lancé. Ouais, déjà, en parlant de ça. Il a attendu le double élixir. Très bien. Ah, j'aime bien Valouz. Je sais même plus c'est quoi les deux cartes. Ce peu, je vais faire très cher. Je sais plus non plus. Là, Valouz, il va faire peur pour la suite parce que. Mais je pense que. Ouais, il a raison. Il joue sur l'autre side, il a raison. Alors là, qu'est-ce que ça va donner, les gars? Ça redonne la même chose. Ils font trop bien le géant. Oh, le géant royal est trop bien défendu. Magnifique. Et la Valkyrie, pareil. Ça peut pas toucher à droite. À gauche, ça gratte. Hey, Valouz, il joue bien. Hein. Ça peut être un combat qui va très long. Hein. Ouais. Ça va être un combat un peu long, je crois. Il reste que 20 secondes. Parce que là, c'est ça gratte. Ils ont tous les deux des bâtiments et des tours qui se font vraiment. Bah, dès qu'il y en a un qui fera une erreur, ça prendra beaucoup sur la tour. Et peut-être moyen même que ça parte en prolongue. Et... Ah, quoi oh, en vrai, l'archer fait le taf.
Archimagique qui va mourir. Oh, mais il y en a un autre. Ouais, voilà, oh, c'est ça, c'est ça. Push. Avec ouais. Le géant royal, ça peut faire mal, là. Ouais, si c'est pas focus. Ouais, ça le frise. Ouais. Oh, c'est ouais. Le géant royal peut pas bouger, les gars. Là, ça est très belle. En vrai, ça gratte encore à gauche, ça gratte. Il devrait plus se mettre. Il a HP. Après, il y a beaucoup. Oh, là, ça va faire mal, les gobelins. Il y a beaucoup, là. Il y a beaucoup, faut défendre. Oh, les gobelins, non. Et la gargouille, elle met des patates. La gargouille, elle met des patates. Une autre patate. Non. Ok. Oh, attends. Égalité, égalité. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, du coup, pour Inox, parce que du coup, il a mis ses petits trucs à gauche. Donc là, peut-être que son géant royal. Inox, faut plus qu'il joue de l'autre côté, en tout cas. C'est que là. Oh là, ça peut faire mal là. Ah, ça va partir. Oh, y a un bon moment là, ça peut faire très mal là. Là, le boss, il est pas arrivé au bon moment. C'est peut-être pour Inox celle-là. Il a mis au bon moment. Là, y a rien pour défendre. Oui. Ça repousse un peu, mais ça suffit pas. Le géant oui. Royal qui tape. Sans HP. Là c'est un bon moment. Ouais. J'ai attendu pour poser le Molos. C'est la classique. Vas-y, je le pose et là je vois le géant. GG. Mec, t'as été chaud. Bad timing. Ça fait plaisir. C'était un beau combat. Parce que j'avais. En vrai, j'avais un avantage. Ouais, en vrai, t'étais. T'étais chaud, gros. Les gars, je vais pas vous faire attendre trop longtemps. Match incroyable, j'ai bien kiffé. Et on va attendre Domingo et Pili. Oh, c'est le match, c'est les prochains. Merci pour vos GG les gars. Putain. Merci à tous. J'espère que le live vous plaît, que vous passez un bon moment, que c'est pas trop long, que ça s'enchaîne vite. PA, c'est mon match. À toi de jouer. T'as 2-0 là. 0-2. À toi de jouer pour plus rejoindre la team des fatigués. Et toi aussi, frérot, je m'en fous de gagner le tournoi, je veux juste battre Domingo. Non, y a pas. Mais je vais le fumer. Il a mis des tweets et tout, 100%. Il panique. On voit qu'il panique. Les deux vont se taper. Comment on invite? PA, toi t'as rien à perdre. Lui, il a tout à perdre. Donne tout. Hey Billy, y a ta team sur le live. Hey, t'as pas le droit les décevoir. Comment on invite? Combat amical, triple élixir. Triple tirage, pardon. Pas élixir. C'est parti, bonne chance. La team des losers est en train de se dissoudre. Eh bien joué. Il était tard. Le combat des losers. Pas Smolos. J'aurais pas dû poser. Le Vas-y, je t'invite. Mal. Ah, quand je. Non, j'ai pas reçu. Normalement, c'était sûr. C'est sur le clan, frérot. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Je te refais, si tu veux. J'ai dû poser mes petits électro. Tirage triple. Je suis à fond. Push de fou. Oh là, ça fait plaisir. Force à toi. On attend un adversaire. Ouais. Mais Billy, t'es sur le clan. Ouais, bouge du clan et reviens sur le clan. Attends, parfois ça apparaît c'est pas. C'est toi, PA, qui invite. Ouais, j'ai en train. Et en bas. Okay. Non, moi ça s'affiche pas en bas. Bah, je te le refais. Par contre, là, j'avoue, c'est le. Allez, Billy. C'est le match. Allez, PA. Inox, ça m'affiche pas le. Ah, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'aimerais trop que PA gagne. Non, mais PA est sur le côté. Parce que là actuellement. PA, il a joué Michou dans une de ses défaites. Donc, déjà, c'est la défaite évidente presque. Et bah oui, non, mais. J'aime bien. Il a joué qui après? Inox, je crois. Ouais, il a joué deux gros. Hein. Inox, il l'a tenu, je crois, un peu. Que là, Inox. Oh, c'est Bousy, non? Les gars, Inox, j'ai pas joué PA, moi. De quoi? Si, on s'est joué au début. Le plus clean de nous, c'est Bousy. Non, pour l'instant, la mémoire. Après Michou aussi. Ah, Michou, il est quand même clean. Oh, le deck de PA. Le deck de PA peut faire très mal. Oh, bordel. Billy se concentre. Ça fait 3 minutes qu'il est sur les mêmes cartes. Ah non, moi, je vous dis le deck de PA. Ouh, attention, parce que là, le choix est important du côté de Billy. Le deck de PA, il est méchant. Attention, Billy, est-ce qu'il va faire le bon choix? Je pense pas que c'est le meilleur choix. Ouais. Non. Ça coûte cher, hein. Ça sert à rien sur lui. Hein? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça met un cœur là. Enfin, tu sais, ça lui enlève un cœur. Ah, ok. Ça coûte cher, ce deck. Ah oui, donc ça. Non, c'est bien. Moi, je pensais que c'est bien. T'es fier de moi, putain. Là, je pense que t'es très bien, Domingo. Non, ça va, Billy. Panique pas, Billy. Y'a pas de stress à avoir. Les deux, c'est deux. C'est clic. Le dragon de l'enfer, il se fait reset par le. Non. Y'a un placement, mais je le connais. Ah ouais? Ah, je pense qu'il connaît pas le placement. Tu connais pas le placement? Non, je connais le placement. Le bâtard. Merde, pourquoi je l'ai dit du coup? Du coup, vous mettre vers le milieu un peu. C'est parti, les gars. Tu mets là. Billy donne tout, mon ref, par pitié. Merci, Quentin. Mais je pense que eux, ils savent pas. C'est parti. Ça, faut être coaché par Walouf. PA qui envoie. C'est vrai que c'est lui qui l'a dit. Ok, PA qui envoie l'homme invisible. Oh, c'est de la merde. Oh, ça commence mal. PA, calme, PA. PA, il panique. Il a paniqué à la première. Oh là 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 là. Les gars, pour vous, c'est quoi la. Le géant qui arrive avec la princesse derrière. Légendaire. Oh, le bus. Ça peut faire très mal, ça. Il y a un bus qui arrive. Ok, le géant est dévié. Ou archer. La princesse qui meurt pas et qui tape. Je pense. Oh, ça fait mal. Oh, l'électro, ouais. Très bien joué. Il arrive au bon moment. L'électro, il sauve la game. Il arrive au bon moment. Il a sorti la carte, P1. Hein. Ouais, j'ai vu. L'électro a vraiment sauvé la game. Pré-shot, c'est. J'avoue, j'ai paniqué un peu. Allez, Billy, dans la team des fatigués. Reste concentré, P1, nous parle. Ouais, vas-y. Mais. Pas trop perdu. Hein. En vrai, ouais, il est pas si mal. Hein. Il est même bien. Billy, t'as de l'encouragement là. Tu peux pas les décevoir. Merci les refs. Bah, P1, on a aussi. Hein. Ouais.
Merci Michou. T'as mon encouragement, PA, je te dis la vérité. Oh, dommage, PA, c'était bien tenté. Oh, oh là là, le feu, le feu. Tranquille, tranquille. En vrai, bah ça coûte un de plus. Donc ouais, c'est bien. En vrai, vu comment la princesse, elle lui a fait chier la première vague. S'il peut pas la gérer après, ouais. Mais ouais. Hey, il a. Voilà, il met la carte. Oh, oh, très bien. Oh, bordel. Là, ça va être intéressant. Chacun d'un côté. Pourquoi il a mis. Salut ma gueule. Par contre, là, ouais, ça va être. Là, ça va être la guerre. Non, mais même, regarde, il a mis. L'eau à gauche, les gars. Ils vont à la même vitesse, wesh. Bah, c'est deux géants. Ouais. Qui. Alors, qui défendra, qui attaquera. Qui défendra. Oh, bordel. C'est parti. Ouais, qui tente. Là, j'ai envie de dire, ça défend des deux côtés. Ah, elle fait cher, le pêcheur micro tour. Il a mal mis. Oh, aïe, 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 aïe. Attends, parce qu'il y a pêcheur derrière. Bah là, là, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est. Waouh, la game, la fin de game va être compliquée. Ouais, la fin de game va être dure. Domingo, très belle défense. Hein. Ah, le géant. Ce moment là où tu serres les fesses. Le géant, qui t'a même pas. Enquête, okay, enquête, 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 à faire de la value. Ouf. Ouais, mais ça ok pas. Billy qui va rejoindre la team. Billy dans la team des fatigués. Le seul dans cette team. Oh, attends, faut que j'aille sur Twitter retweeter son tweet de tout à l'heure. Non. Il a dit. Attends, je vais te le dire en direct. Oh là, 10 secondes. 10 secondes pour la première victoire de PA. Et le squelette qui gratte un peu à gauche. PA qui a super bien défendu. La game était maîtrisée. Let's go. Alors attends, je cite. Le fatigué. Le fatigué. Attends, cite. Gotas, attends, vas-y, je prends le polo. Je cite le tweet de Billy H-2. Hein. H-1 avant le tournoi Clash Royale d'Inox. Et ma plus grande peur est de perdre contre Domingo. Dire au revoir aux 20 000 de cash prize à cause d'un gars 800 trophées va me donner les larmes aux yeux. Bah là, mon ref, Billy qui a 3 matchs, 3 loses. Billy qui est dans la chute. Super combat, ma gueule. Bien joué, j'ai bien aimé quand. Ouais, à la fin. T'as bien joué. Aïe, 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 aïe. Je voulais surtout pas être en 0-3. Là, j'ai pas envie de te dire, mais je crois qu'il y a le cash prize là. À cause de lui. Maman, il y a pas de cash prize. Il y a pas la daronne à la ce soir. Tu vas rester dans une grotte un peu longtemps. Bah, les gars, la team Billy là, Billy est carrément dans le fond. Billy, je t'aime, tranquille, c'est rien. Les gars, on enchaîne avec le prochain match. Est-ce que. Nikov, tu peux venir t'installer contre le bouseux. C'est parti, ça va être un match serré, je pense. J'ai hâte de voir ce match. A votre avis, qui va remporter la victoire? Let's go. J'ai pas la vie. Des losers ici. Allez. Oh, le karma qu'il a pris. Oh ah, mais toi, c'est trop, t'as joué avec le karma. Je sais pas. Mais tout à l'heure, t'as bien joué donc. Merde. En vrai, le deuxième match, j'ai bien joué le deuxième match, mais pas le premier. Je te dis ma main de départ, je pouvais pas jouer. Ok. Ouais, donc enfin, en fait, c'est pas ça. Je veux dire que tu peux t'adapter, tu paniques vite. Billy, tu es un bâtard, mais. Ah ouais, c'est chaud pour que Billy revienne dans le tournoi, hein, je pense. Et attends, et Bouzy, Bouzy peut faire le perfect. Hein. Tu t'assois sur un cache. Je vous applaudis, je souris. C'est à moi de lancer? Vas-y, je le fais. Bouzy peut viser. Non, 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 c'est Nikov qui doit lancer, les gars. Ah merde, attends. Bouzy peut tenter le 3 victoires. Mais Bouzy, je vous. Oui, le coach. Pourquoi tout le monde dit oui, le coach? J'ai demandé. T'es à vous là, t'es bien là. Non. Hein ah ok. Attends, ok demande. Ok. Ah bah là honnêtement moi bien, là. En fait le truc c'est que Bouzy ce que je voulais, c'est bon. T'as une victoire là? Ah mais oui il a une victoire. Mais alors le... Eh moi j'ai pas subi les victoires. Je suis trop heureux. Moi je suis juste, il y en a un qui en a aucune. Il est juste là. Ah Billy je le vois après. Du coup Bouzy il est tout rouge. Le truc de Bouzy c'est qu'il est sans pression. Il joue sans pression. Full défaite. Une win contre toi. C'est parfait. Il a pas plus honteux pour toi. Bouzy il est venu en pyjama, je rappelle. Non j'ai déjà perdu, moi je m'en fous. Tu te fais taper par le mec qui a perdu contre tout le monde. Ah là ça y est, c'est honteux. C'est pas grave, si je bats des mecs qui tombent de taper. Le deck de Nikos, il est violent un peu. Non, ouais. Non, c'est pas non. Sur ça que Nikos est en 0-3, ouais. Mon ref. Oh, c'est risqué. Il est violent. Eh, le deck de Nikos, il est risqué, non? Il est violent. Celui de Bouzy est pas mal, hein. Eh, celui de Bouzy. Il est travaillé. Bah, il est complet, ouais. Il est travaillé. Oh, celui de Bouzy. Bouzy, il a bien fait ses droits. En vrai, celui de Bouzy donne envie. Hein. Ouais, il aimerait bien voir son deck. Mais en vrai, il peut gérer. Oh là là, c'est la cerise sur le gâteau. Bouzy, c'est quand même très bien entraîné. Ouais. Moi, tu me donnes son deck à gauche, non, là, je kiffe ma race. Là, Nikov, il est foutu, je pense, honnêtement. Attention, c'est parti. Nikov vs Bouzy, qui va gagner? Ok, le PK qui est lancé du côté de Nikov. Oh, PK sans les recrues directement. Alors, dites-vous que les recrues counter le PK et... Ça coûte et elles vont partir à gauche.
Et en plus, quand il met un coup, c'est un bouclier donc. Oui, c'est pour ça. En fait, il met trop de temps à l'étude. Ah. Oh, bombardier pour accompagner. Oh là oh, là, voilà. Le PK va rien pouvoir faire. Le PK ne va pas jouer cette game. Oh, ok. Kanikov qui défend à gauche avec un méga. Méga chevalier qui défend bien les rois. Le PK et méga chevalier dans le même deck. C'est costaud quand même. Ouais. Il y a des decks méta avec ça, je crois. Ah oh, oui. Et le dragon de l'enfer. Est-ce que le. Oh, bien joué. Attends, le dragon de l'enfer. Attends, mais le méga chevalier est très bien défendu. Oh, le méga chevalier là-haut en gauche. Ouais, il est bien défendu. Il y a un tap, Ah, oh, il y a des flammes. Il se passe quoi là? Ça met la pression. Attention. La voleuse. Oh, la voleuse. Oh, si elle tape. Mais oh, non. La voleuse qui tape. Aïe, 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 aïe. Bouzy. Oh là là, la voleuse qui fait mal. Du coup, ça a gaspillé plein mal d'élixirs du côté de Nikov. Bouzy, ah, Nikov, il a pu faire mal. Pour sa défense, Nikov, il a commencé depuis pas longtemps. Ouais, c'est vrai. À moins que ce soit un mytho comme. Ouais, non, mais c'est vrai que Nikov, les gars. Et du coup, je pense qu'il pensait que ça repoussait comme la bûche. Et la machine volante va gratter. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que le fût de barbare ne repousse pas les trois, les gars. L'artificière joue un peu dans le vide. C'est compliqué, c'est égalité, même si Bouzy domine un peu. Ah, c'est même Nikov qui est devant. Hein. Là, ça se passe. Première fois qu'on voit Bouzy faire un geste d'humeur. C'est Bouzy qui est en bas ? Non, c'est Nikov en bas. Bouzy est devant. Non, c'est Nikov en bas, la cam de Nikov. Ah oui, non, oui, pardon, on parle pour... Ok, vous parlez Nikov qui retente le PK. Est-ce que Bouzy... Ok, Bouzy, il est sur la même strat. Après, le problème, c'est que les recrues, elles tapent le PK au pont. Ouais, ça. Il faut que Nikov fasse craquer. C'est un peu chiant, mais en soi, ça va. Avant le PK, en vrai. Ok, la mousquetaire pour suivre le PK. Appuyer. Le bombardier de l'autre côté, en vrai, c'est bien fait. Petit poison. Si les flammes s'activent, ne paniquez pas, les gars. Ah, le bombardier, il a régalé à droite. Okay. Hein. Par contre, ouais, le dragon de l'enfer, je gère comment, fume le PK. Pour vous, les gars, dans le chat, quelle est votre carte préférée de Clash Royale? Oh là là. C'est la voleuse. J'espère que tu battes c'est la voleuse. Ouais, ouais, ballon, les gars, c'est cancer un peu. Dragon infernal, je trouve que c'est un peu carte. Hein, ballon. Hein, on a joué hier, tu m'as fait trois fois basson le ballon jet. J'avais que ça. Ballon jet, c'est vrai que c'est ça là. Le méga chevalier. Pas, en fait, voilà. Mais après, c'est le dernier de la game. Je trouve que le méga chevalier, il a pas de ça. Oh là là, mais là, c'est chaud là. Électro géant, retour royal. Le PK, il défend bien. Le PK, ça défend bien. Ouais, le PK, c'est bien joué. Mais derrière, regarde un peu, ça vient de partout. Il a quand même tapé et de l'autre côté, ça fait mal. Oh là 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 là, il est défendu. Bouzy, il est solide quand même. Bouzy, il fait très très peur. Bouzy, il est vraiment solide. Il va pouvoir taper un peu. Oh là là, ça fait mal. Aïe aïe aïe. Ah mais 300 et 1300. Il a un poison, il a un poison et des flèches. Mais Bouzy il défend trop bien à chaque fois, il perd jamais d'HP. Là c'est win. Mais attends, mais les gars, il va mettre des peurs. Mais grave, il perd jamais d'HP, mec. Ah, il met pas de coup. Oh, ça va taper la tour. Il met pas de coup. Oh, c'est bon, c'est gagné. Ouais, c'est win. Il manque un poison. Un poison flèche, c'est après, attendez, là il y a un contre-bush. Non, mais ça va être dur là. Bah, 2000, fallait le chercher quoi. Bah, alors Bouzy à la bonne. Faut pas qu'il défende énormément. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est poison. Poison, encore, poison, encore. Oh, PK. Attention, PK. Oh, c'est délicieux. Oh, il est chaud! Nikov, si tu faisais ça, t'étais mort! Nikov, t'as bien joué sur la fin, dommage! J'ai mes recrues en fait, ils étaient trop nuls! Méga chevalier ou des gros trucs à faire! T'as eu chaud là! À une seconde près, c'était terminé! À une seconde près, c'était terminé! 20 000k! Non, les gars, dans le titre, j'ai mis 20 000k, mais ça veut dire 20 000 euros! J'ai une petite frayeur! Bien joué, les gars! Et on va accueillir un choc de titans ce soir! Un choc de titans que le chat veut voir et n'a jamais vu! Maintenant, on va accueillir Gotaga et Michou pour le combat des titans. Qui va remporter? La tryhard. C'est parti les gars, à vous de jouer. Bordel de merde. Et Gotaga a tous ses entrées. Ok, c'est le moment. Michou a vaincu pour l'instant. Ça va être chaud. Ok, c'est un peu qui va gagner. À votre avis, j'arrive dans ta team. Merci à tous ceux qui participent dans le chat, qui mettent des pouces bleus. Vous mettez qui vous mettez qui? Parce que Michou, là, il va gagner. Michou nous a sorti des decks. Michou, il joue des decks injouables normalement, tu vois. Il joue des decks improbables. Ouais, mais ça peut lui jouer mauvais tour. Il est trop instable dans sa tête. Parce que, en vrai, il est prêt à tout. Il va peut-être vouloir créer la surprise et ça va peut-être être greedy, tu vois. J'ai peur. Peut-être Gotaga. Joue ton golem. Gotaga qui va pas se laisser faire. Qui me le propose. Prends les cartes les moins chères, Michou. Non. Le 2.6. Le 2.6. Ça, c'est un combat. Je bague au Gotaga qui deck le moins cher. Je t'ai envoyé, mec. Il est pas. T'as pas? Non. Ouais, par contre, c'est Gotaga qui doit inviter. Par contre, si Gotaga gagne, il remonte dans le classement. À 2-1. Et c'est Bouzy qui est bien. Dans le clan ou... Bah, justement. Merci. Ouais, dans le clan, ouais. Sur le live, vous êtes énormément. Ah, c'est bon, je vous remercie. Non, du cœur. J'avoue. J'ai le mec. Bonne chance. Franchement, j'ai eu de la chatte. Ouais, en fait, c'est joué une seconde. C'est Clash Royale. En premier. Genre, le deuxième, c'était genre un truc 6-6 ou 7. Ah, ouais. Du coup, j'étais obligé. Après, moi j'avais un 7 et un 8. Je sais pas, 1000, 1 milliard. Ah non, beaucoup plus. De quoi? Ah, il met 1000, c'est pas. Non, il met pas 1000. Michou, il met 1000. Il met une patate. Ah oui! Michou qui joue directement.
Je sais qu'il joue bien avec Michel. On spoil pas, c'est un gros combat, c'est un gros combat. Ça va être très très intéressant. Ouais, j'aime bien. Parce qu'il y a du temps qui arrive, du temps qui reste. C'est bien, c'est bon ça. Est-ce que c'est bon signe? Mais Michou, c'est ton deck. Hey, Michou, il a son deck préféré. Il a son deck préféré. C'est ma seule sortie de la soirée. Je suis dégoûté de te l'avoir donné. Hein, s'il a pas la grou, il est. En vrai, son deck il coûte trop cher. Non, non, le deck. Non, non, il est pas le deck de Gotin. En fait, le deck de Michou, c'est celui qui joue normalement. Ouais. Il coûte cher. Il coûte cher. Sa tête là. Non, mais moi, je pense que c'est un complot. Je pense Supercell. Ils mettent. Pourquoi ça fait 800 fois il a le golem? Mais c'est vrai qu'il a à chaque c'est fois. Vrai. Mais même quand on le PDG de Supercell, que il lui met le golem. Mec, c'est derrière le live, c'est lui qui choisit les cartes. C'est lui. Bon, ça va être intéressant parce que. C'est parti, à votre avis, qui remporte ce combat? Gotha, un push, il peut faire très mal aussi. Ouais, les deux, parce que ça va jouer à la première erreur. Oh, ça se regarde. Oh, ça se regarde dans le blanc des yeux. Pour moi, ça joue à la première erreur. Ah, Gotha, tête baissée, main sur le front. Ça pose. Il se met en mode Super Saiyan là, ça y est. Ah, il perd un peu là quand même. Ouais, Gotha, il a perdu 3 de plus. Hein. Ouais, je pense qu'il réfléchit, gros. Ah, de tous les cas, il perd pas. En vrai, il perd pas. Ça change, ça change. Ils sont à égalité là. Et ouais. Non, il devait juste jeter les deux squelettes, il perd la tête. Il devait avoir une mauvaise main. Oh là là, les gars, là c'est stressant, ça bat les couilles. En fait, ils ont des decks en fait. Ils sont vraiment forts. Faut attendre 10 minutes encore. Oh là 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 là. Mais le problème, c'est que là. Le premier qui lâche, il a perdu. Le problème, c'est que là, ça arrange Michou. Oh, mais il en profite. Michou Kabal. Ah oui, d'accord. Le sorcier qui est posé. Il a voulu jeter les cartes, Michou. Après, ça va y revenir quoi qu'il arrive. Ça changera. Ouf, oh, c'est posé au milieu. Et ça sert à quoi le poser au milieu? Bah, je sais pas. Je pense que c'est une bonne chose. C'est pour qu'il arrive devant la tour avant que l'enfer commence. Ok. L'enfer commence. Ah, ah ouais, mais attends, pas que le sorcier tape la tour. Du coup, le sorcier, il a la tour. En vrai, le sorcier, il le détruit. Hein. Le sorcier fait le taf de ouf. Après, il y a. Après, Michou. La Tesla est bien jouée. Michou, vraiment, le golem, c'est la carte qui gère le mieux normalement. Non, franchement. Gotha a très bien défendu. Ouais, c'est bien défendu, mais ça met un peu de dégâts. Ouais, mais bon. Les archères, elles ont fait mal quand même. En vrai, quand le golem il arrive. Oh là. Ouais. Parce qu'il faut avoir les coups, les mettre bien à droite. Ce petit canon est cheaté aussi, les gars. Ce canon, c'est trop. Ouais, non, il est surcheaté celui-là. C'est un bacan, il gratte bien, regarde. Regarde comment il gratte bien la tour. Pas tué, c'est... Ah oui. Il gratte super bien là. C'est quoi, c'est 3-4? Ouais, il met 4 quand même. Hein. En fait, le problème avec le golem, c'est qu'au moment où il le pose, c'est quasi sûr il touche ta tour presque. Ah, c'est stylé. Merci Vasco. Oh là 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 là. Le molosse qui est sorti. Ah là, il y a un vrai. Oh là 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 là. Petit squelette. Là, c'est offensif. Est-ce que le molosse prend va aller sur la tour, la pierre tombale ou sur la pas forcément, je pense. Ça va jouer la contre-attaque du côté de Michel. La pierre tombale de son. Gotha qui joue poisson. Ça va jouer la contre-attaque. Ils jouent tous du même côté. C'est vrai que après le truc c'est que c'est le golem qui va prendre la tour. Molosse plus sorcier, c'est qui va être piqué devant. Le molosse il va être tout seul. Ah, t'as le sorcier qui va quand même faire un peu le taf, ouais, va mettre des dégâts, mais. Ah, oh, oh. Ah. Alors là, ça va être très dur. Oh, ça peut faire mal ça. C'est compliqué là. Ça va être très dur pour Gotha de défendre ça. Ouh là, en vrai. Là, là, là. Ah, les flèches peut-être ça. Et en vrai, le match, il place trop bien ces bâtiments. Ouais. Ça, ça a été travaillé à l'entraînement. Ouais. Vraiment. Merci Walouf. Est-ce que Walouf va lui permettre de gagner cette game? Ah oui, parce que du coup, ça décide. Michou qui renvoie un golem. Et la voleuse, elle s'est fait gérer. Et son. C'est son deck, s'il joue pas golem, il peut pas. Oh, le molosse qui est posé au pont. Ok, golem canon. En vrai, ça c'est ça. C'est un canon, il met pas en l'air. Non, il met pas en l'air. Ah, ok. C'est que TRS. Ah, mais du coup, il gère bien le sorcier. Ah, la boule de feu. Bien joué pour Michou là. Attention quand même, il tabasse un peu. Ouais. Ah, le molosse fait des petits dégâts. Il a bien placé sa Tesla là. C'est vraiment le très beau combat pour lui. Attends, le canon il va se poser là en plus. Aïe. Let's go. Bien joué, toi, Mais en vrai, si je dois dire un truc, Gotha, t'as pas eu de chance, j'avais toutes mes cartes de mon deck. Et moi j'ai aucune de mes cartes. Gros, j'avais le golem, j'avais mon deck. Mais en fait, quand j'ai vu qu'il y avait le golem en haut et que j'étais en mode frérot, j'ai rien. Boule de, c'est lui qui avait les boules de feu, qui avait les machins. Michou Bouzi, ça va être un vrai. Michou Bouzi, on le veut à la fin. J'ai le seum. On le veut pas tout de suite. Let's go. Michou, on va sur ce tour. Qui va battre Michou en premier? Non, mais j'ai eu de la chance. J'ai eu 5 cartes de mon deck, bien joué. Je suis trop mais quand t'as le golem, je sais pas. J'avais l'impression contre Gotha. J'avais le golem, l'impression tu me fumes à chaque fois avec. Ouais, golem, c'est ma carte. Hein. Ça fait trop mal. C'est ma carte, gros. Ça fait 5 ans que je la joue. Bien joué. Je suis content. Les gars, j'espère que vous passez toujours un bon moment parce que actuellement, je vais affronter Billy. Maintenant, toi contre moi, mon ref, c'est le moment. Il a dit yes. Il est trop content. T'as fait que perdre ou t'as gagné une game?
Non, j'en ai gagné une à un moment. Lui, il est dans son monde. Ok, vas-y, c'est parti, c'est parti. Let's go, let's go. Attends, Inox, je vais dédicacer mon clan. Je suis tellement nul que j'ose même pas le faire. Dédicace ton clan, il y a la caméra, elle vient. PDF Origine, grosse dédicace, merci de m'avoir coaché. Il dédicace son clan, il a perdu toutes les pièces. Ok, vas-y. Parle pas de nous, frérot. Ok, t'es prêt? Vas-y, je fais pas le malin parce que là, on s'affronte. Par contre, c'est contre Inox, du coup, Inox est dans le. Eh, Billy, c'est ton moment. C'est parti. Et en vrai 1v1, t'as la demande Inox, ou pas? Tu l'as reçu en 2-1, non, je l'ai pas reçu encore. Il y a en 2. Ouais. Ouais, j'ai gagné. J'ai 2-1 là. Moi aussi, je suis à 2-1. Tous les deux, on est à 2-1. Non, qui va perdre 3, mais qu'est-ce que tu racontes? On est à 2-1 là. Non, mais lui, il a 0-3. Lui, il a 0-3. T'as pas gagné un match? Mais il est trop nul. Allez, c'est parti. Là, dans 5 secondes, il va. T'as fait ça, lui. T'arrives pas à savoir quand tu fais exprès. Le pire, c'est qu'il a dit, il y a 3 secondes, il a dit. Mais lui, il a rien gagné. Là, on l'entend plus, je vais faire le deck le plus raciste qui puisse exister là. J'ai plus rien à perdre. Il a bien commencé hein. Ouais. Ah là là, ça va être dur. Inox il est très bien. Il a pas de tank encore, attention. Ouais. Attends. Oh, il est trop bien. Inox a gagné. Inox a gagné. Oh, c'est fini pour Billy. J'ai même pas. Eh Billy, c'est fini. T'inquiète. Ah, il a pas pris le. Prends-toi, Billy. Prends-toi. Billy, il a dit, de toute façon, c'était super simple à défendre. Il a dit tout à l'heure. Mais après, Inox. Non, mais il l'a pas pris au final. Ouais, mais bon. Il l'a pas pris au final. Il a pris. Le... Il a pris le... Ben voilà, et après le PK, j'avoue. J'aime pas cette ambiance là. Ah, y a pas. Il a mis le PK. Billy. Ouais, mais du coup il a genre. Ouais, c'est vous, c'est bien. Et que Billy il a un deck ah, oui. Aggro. Ok. Allez Billy. Attention. Billy, bah, oh le cochon joué pour Billy directement. Direct. Et Billy il m'a fait la même. Ok, la TDE. TDE. Très... Oh. Oh oui, d'accord. Le gel a trop osé. J'ai jamais vu un gel. Ah après. Après ça gratte, mais maintenant comment? Il a plus d'élixir. Ouais, maintenant va défendre le géant royal. Ah ouais, la réponse là. Ah là, bah là le gel. Non, en fait, le gel il aurait été bien non, le gel en double était élixir. Beaucoup trop aggro là. Non, mais en double élixir avec d'autres unités quoi. Ouais, ouais, c'est ça. On a déjà rien mis, mais. Ouais, ça fait un peu mal. Hein. Ouais, pas ah, ça commence pas très bien, Billy, mais t'inquiète. Hein. En vrai, ça va. C'est moins choquant. Billy, ça fait combien de temps qu'il joue? 5 ans. 5 ans, ouais. 5 ans. Et tu sais, il s'est fait coacher par le 3ème mondial. Mois, mais... Sérieux? Ouais, il s'est fait coacher, il faisait une dédicace juste avant à son coach là. Par le 3ème mondial. Oh le pêche. Ah, je vais me faire karma, il va me détruire quand je vais jouer. Oh le cochon qui va faire mal, hein. Le cochon qui va tout droit. Est-ce qu'il va tenter encore un gel? C'est peut-être risqué. Non, c'est trop risqué. Ok, la tornade, je sais pas quoi elle sert. Il a panique. Ok, princesse qui défend très bien. La bûche, Iska. Ah ouais, elle va jusqu'à la princesse. Quasiment la première tour. Ok, je pense que ça va se jouer en deux tours. Hein. Ouais, parce que Billy a mis des dégâts quand même. Il y a eu des moments. Oh là. Oh là, TDE. Ouais. Très mauvaise idée, sachant que ça joue cochon en face. La Billy a le sourire. Ah, la TDE. Je l'aurais. Pourquoi tu donnes des cadeaux comme ça, Inox? Je l'aurais pas posé la TDE, frère. Oh là 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 là, le PK qui est envoyé. Oh là, sachant qu'il n'y aura pas la TDE pour défendre. Le géant royal, il va finir la tour, mais il n'y aura pas besoin de défendre. Hein. Il va y avoir un. En vrai, d'ici, je vois pas le point de vie de l'autre. Il va y avoir un contre-push, les gars. Pour 200 HP, le géant, il a coûté cher quand même. Oh bordel. Le cochon qui envoie. Ouais, bon, la tour de droite est finie. Hein. Parce que là, la contre-attaque de Billy, attention. Hein. Oh, le cochon qui tape. Le cochon qui va retaper encore. Et par contre, la machine volante, les gars, elle est tellement rentabilisée. Là, ça part de votre côté. La machine volante a 10. Ah, c'est la carte de la soirée, la machine volante. Hein. Vraiment. Sorcière très forte. Ok, c'est bien défendu quand même. Princesse, oh, le géant royal. Oh là, ça connecte. Ça veut choper okay. La tour. Ah ouais, là, ça push. Mais le géant royal corner, il est... Oh, la vague sorcière qui va faire mal. Il a loupé sa faute, je crois. Ah non. C'est la faute de qui? Oh, ça a fait très mal sur la tour de Billy, là. Pouvoir défendre, là, maintenant, Inox. Ouais. Est-ce qu'il aura ce qu'il faut pour défendre? Oh, la T2. Ah, mais l'électro-dragon. Il y a le dragon, ouais. L'électro-dragon. Oh, ça peut faire mal, là. Où ça panique du côté d'Inox? Oh là là, il y a plein de trucs qui vont se prendre. Oh là 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 là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. C'est d'élixir, c'est d'élixir. Attention, ça continue pour Billy. 1400. Est-ce que ça va suffire la tornade? Ça tombe. Oh Billy. Ok. Oh, le sauvetage. Et la princesse qui tape, la princesse qui tape le cochon. Sur le cochon, le cochon, le cochon, le cochon, le cochon. Ah non, ça passe pas. Quoi? Qu'est-ce qui a fait ça? Focus. Oh, c'est la GLD qui a pas marché sur la TD. Oh, la machine volante qui va faire mal. Oh la machine volante, elle va prendre la tête. Oh. C'est fini. Oh là là. Aïe 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 aïe. Oh quel mal.
Elle a pas de ça. Eh, j'étais comme ça sur l'iPad, gros. Oh putain. Oh, GG. J'ai loupé mon gel. Eh, j'ai loupé en foudre à un moment. Eh, tu sais que j'ai loupé en foudre à un moment, j'étais comme ça. Mais frérot, ça m'a mis au moins 800 sur ma tour, tu l'as loupé de quoi? Un mec, putain de merde. GG, GG, tu es actuellement dans la team des gros fatigués, 4-0. Billy qui n'a pas gagné un match. Frérot, je suis pas mal, mais c'est tout. Il me manque mais quelque chose. En vrai, c'était serré, les gars. Moi, j'ai eu de la chance aussi, parce qu'à la fin, t'as failli me la prendre. J'aurais pu le gagner 3 fois cette game. Mais je sais pas... Hein, je sais pas l'erreur qu'il a fait à la fin. J'ai fait 3 erreurs sur le gel. En vrai, ça peut jouer entre moi. Le gel, je l'avais longtemps dans ma main. Je l'avais oublié, je l'ai plus utilisé. Tu mettais le gel, c'était fini, je pense. De défaite, hein. Je l'ai mis à la fin, mais pas sur la T2, genre à 1 cm. Putain, bah GG, merci pour les GG, les gars. Non, mais ça, c'est pas Billy, ils t'ont donné vraiment. 0-4, ouais, gagne-nous au moins, sauve-nous l'honneur. En vrai, j'ai moi, c'est contre Gotha. Non, moi, je gagne juste contre Gotha. Voilà, là, c'est bon. C'est tu gagnes contre Gotha et c'est fini. C'est qui le prochain? Ok, les gars, on enchaîne directement. Valou Sotnikov, prochain combat. On se rapproche de la fin du tournoi. Je pense qu'on est à plus de la moitié. Donc attention, une fois qu'on aura le score final, il y aura un 1v1 pour les deux gagnants en BO5 avec leur deck. Celui qui gagne, c'est 10 000 $, 10 000 euros. Tu connais, je parle en dollars. Voilà. Bonne chance à vous, les gars. C'est parti. Billy, tu me laisses 3 couronnes. Je te donne un peu de. Je crois que tu veux. C'est toi qui as tout à perdre. Oui, oui. Billy, tu vas relancer ton live en disant que t'étais 6-2. Et que tu vas gagner perco. Il a fait un tweet, il s'est fait karma. Petit un moment, je reviens dans 2 mois. T'as reçu? Non. T'inquiète, après, on est ensemble. Putain, j'aurais pu gagner 3 fois vraiment dans la game. C'était serré de fou. La game, je pense que tu l'avais. Je crois que t'annules et que tu redemandes. En fait, je sais pas pourquoi. Laisse manger. Pourquoi t'as posé à T2? Ouais, bonne chance, hein, gros. Je sais pas, bonne en chance. Fait. J'avais pas capté. T'avais rien imposé, mais gros, tu sais très bien que ta T2, elle défendait son cochon. Elle était ultra cheatée, ma T2. Après, non, j'avoue qu'il avait pas vu le PK. Ouais, il avait pas vu le PK, mais il savait que ça défendait le cochon. Ouais. Et je me suis rendu compte que le dragon électro, il était hyper fort aussi. Il est trop super fort. Cheaté. Ouais. Très très fort. Ouais, mais il coûte cher. Non, il coûte 5. 5, ouais. Ah oui, 5. Pour l'instant, le deck de Valouz, bien ficelé, je pense. Déjà, Valouz a une bonne défense déjà. Du côté de Nikov, t'as choisi des bonnes cartes aussi. Nikov aussi, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il va choisir? Ok. Nikov, je sais pas quoi il gagne là pour l'instant. Ouais, pour l'instant il a pas d'attaque. Valouz non plus, hein. Pour l'instant les deux n'ont pas de tank. C'est quoi cette blague? La dernière carte. Là où une condition. Attention. Attention. Ouh. Oh. Elles sont pas folles. À Valouz. Ah, quoi que. Là je prendrais tout à gauche, moi. À gauche, c'est pas mal. Au moins à gauche il a le choix. Essaye. Oh. Il a envie d'essayer. Attention, Valouz, ton choix va être décisif. Mais la tablette de Billy, elle a toujours un golem. C'est réel. Les CEO de Supercell, je sais pas ce qu'il a foutu là. T'avais annoncé 20 000 Kainox. Non mais les gars, moi, j'ai failli dans le titre. C'est 20 000, pas 20 millions. Mec, j'ai mis 20, dans le titre, j'ai mis 20 000 K. Donc tout le monde me dit non, t'as dit ah oui. 20 millions. Ah oui, quelque chose. Attends, moi je suis venu ce soir. 20 000 K, moi. Non mais les gars, je suis désolé. Je viens pas pour 20 000 en fait. Non, je me suis trompé, les gars. Oh là, les gobelins! Oh l'erreur! Oh les gobelins qui font très mal à Valouz déjà, dès le début de game. Moi dans mon intérêt, faut que Valouz perde, non? Ouais, si. Ouais. Bah en vrai, ils sont pareils, non? Tous les deux. Ouais, ils ont tous les deux une victoire. Les deux, ouais. Ouais, mais j'ai déjà battu Nikov. Qui a pas de défaite? Ouais. Qui a une défaite? Tout le monde a une défaite sauf moi. J'en ai deux, moi. Ok. Non, Bouzy aussi, il a pas de défaite. Ouais, Bouzy et Michou pour l'instant. Oh la match, la soirée, qui gratte un peu. C'est vrai que t'étais pas dans la soirée, du coup, pour l'instant. Là. T'étais pas dans la soirée, troisième. Et ensuite, on est tous en 1-2. Oh putain. Oh la Valkyrie qui va très bien défendre. Ouais, la Valkyrie elle est ultra cheatée. Il te lâchera jamais en plus. Okay. Oh là, j'aurais jamais dû parler avec toi, ça m'a mis au fond. Il y a des gens qui spam ton tweet, Billy. Dans le chat, il y en a, il a spammé ton tweet. Il y en a deux, ils spamment tes tweets. Non mais c'est mon community manager qui l'a fait. Oh le cochon qui a envoyé ce qu'il y a. Bien défendu, hein. Oh le zap pour accompagner. Ouais, deux coups de cochon. Ah, ouais, cochon même... C'est très bon, ouais. Un peu bof quand même. Ouais. Non, sur oh, les... oh le golem qui a envoyé et il n'y a plus la TDO en face. Ouais. Là, ouais, mais c'est vrai que le golem il prend une éternité à arriver. En vrai, le chevalier comme ça, il est pas si ouf. Mais il a pas le temps de cycler là. Il est bien en défense. Là, il a pas le temps de cycler la T2, je crois. Ouais, déjà, il faut défendre en plus le PK à gauche là. Ah, ouais, mettre un petit peu. Ok, le mini PK qui mettra pas de coup. Oh, là, le golem, par contre, là, ça va faire très mal. Il y a la T2 ou pas? Non, y a pas la T2. Y a rien. Oh, il a réussi. Oh, il a réussi. Ouais, mais la tour va être prise quand même par la machine volante. Ouais. Mais ça c'est la TDE de la panique. C'est le niveau de la soirée, ça. Quand golem, tu l'as golem, golem, c'est trop cheaté. Golem, truc volant, c'est le truc de le la truc salle. Volant, je le prends tout le temps. Je vous jure que le golem, les gars, golem, il est pas si cheaté que ça. Valouz qui va quand même mettre deux coups sur la tour. Oui, bon, tu le prends chaque fois. mais parce que moi, je le joue. Mais il est pas cheaté, les gars. Mec, je le joue depuis que je suis né, moi. Ça vaut pas le coup, même. Je me mets en difficulté à le faire. Non, moi, je l'aime trop, le golem, mais il est pas cheaté. Ok, Nikov qui veut direct aller chercher la deuxième tour. Valouz, il a un deck grattage en fait. Ah, mais joue ça, Nikov.
Non, Valouz. Après, Valouz va prendre la tour. Attends, est-ce qu'il va la prendre la tour? Ouais, il la prend. Non, oh, c'est bien défendu. C'est bien def. Ouais, mais il y a un cochon. Valouz qui est bloqué. Il y a un. Oh, la TDE, c'était le meilleur placement. C'est pas le placement de Gotha, ça. Après. Ouais, là, la TDE est très bien défendue. En fait, là, le problème, c'est que. Le truc volant, il fait trop mal. Là, le problème, c'est que. Le poison qui est bien joué. Nikov, il a pris. Donc, la TDE, elle peut rien. Ouais, Nikov qui roule sur la quête. C'est le train de live. Lui laisse pas les 3 étoiles. Il y a peut-être les 3 couronnes là. Oh là là, là, il y a les 3 couronnes. Les 3 couronnes. Les 3 couronnes. Putain, le golem. Est-ce que. On part sur le golem. Attention. Le premier. Oh, c'était un lavage de la part de Nikov. GG. Oh, ah, les golems ils me rendent fou ce soir. Les golems ils me rendent fou ce soir. Les golems truqués ici. Les golems à défendre. Ça fait paniquer. Au début j'ai cru que t'allais. Aïe 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 putain. Bien joué Nikov. T'étais chaud gros. Bien joué mec. Bien joué. Bon, si je suis le dernier. Ok les gars, merci à tous ceux qui mettent des GG dans le chat. N'hésitez pas à mettre des GG, ils se sont bien battus. Merci beaucoup. Merci encore à tous ceux qui sont encore présents. Les gars, on enchaîne avec un combat entre Gotaga, qui va rejouer, avec PA. Donc Gotaga, PA, c'est parti. C'est l'affrontement. Tu veux aller où? Tu veux t'asseoir où? Je fais comme tu veux. Je te laisse choisir. Je vais prendre le golem. Ok. Dans le chat, qui gagne entre Gotaga et PA? PA qui nous fait des petites surprises hein, ce soir. Donc, Bah tout à l'heure on s'entraîne ensemble tout à l'heure. PA en vrai il joue pas mal ce soir. Tout à l'heure ça a joué contre Gotaga. Ça va se taper quand même. Là c'est le match à pas perdre pour Gotaga. Je vais tout donner. Gotaga faut pas que tu perdes là. T'es fort. Vous mettrez pas la pression. Tout à l'heure j'ai perdu contre PA. Non mais il veut. Domingo t'as perdu un match. Deux matchs. Inox on s'est joué. Inox on a joué l'un contre l'autre. Je crois qu'on n'a pas joué contre. Ouais, pas encore. Il est sérieux. Ouais, je t'invite. Ah, mais si, au début, j'ai. Au début, j'ai joué. Ah, tout le monde n'aura pas le temps de jouer contre. Contre quoi? Quoi? Bah, si. Il si, reste si. Combien de matchs chacun? Oh, si, si, on joue tous ensemble. Si, si, obligé. On va faire une Mario Kart. Hein. Ouais, on joue. T'inquiète, on a le temps. Tu l'as l'envie? Ok, on est au deux tiers. Je sais pas, faut que tu refasses, je crois. Il me reste deux adversaires. Deux tiers. Le chat, ça vous va? On est au deux tiers du live. Hein? On a fait la moitié là seulement. Non, plus. Non, on est au deux tiers. Non, mais on a fait 3. On a fait plus de la moitié là. Et encore 2 tours chacun. C'est bon. Ah, oui. Ouais. Les gars, est-ce que vous voulez qu'on fasse tous les matchs? On fait tous les matchs quand même. Quand même, on fait tous les matchs. Si la régie. Après moi, non. J'annonce, on fait tous les matchs. La régie, on peut quête, c'est bon. C'est bon la régie, c'est ok? Val, on n'a pas joué Val. Ouais. Mais là, je suis au fond. Allez, c'est parti. Au fond. J'avoue que j'ai senti un peu ta game. Gotha, il se concentre bien sur les cartes qu'il prend. Oh, moi j'aime bien le deck de PA pour l'instant. Après, là, il y a que 2 cartes, frérot. Ouais, mais là, on c'est les 2 cartes que j'aime bien, gros. Okay, okay. Il a pas hésité, hein. Moi, j'aime pas ce combo des deux. Ah, je sais pas jouer avec t'as ça. T'as pas les deux premières cartes de PA? Pour moi, la deuxième carte de PA, la meilleure. Le cochon, il est useless ouais. Dans ce mode. Ouais, dans ce mode. Dans ce mode, ça sert à rien. Il fait pas assez de dégâts, je trouve. Il y a toujours des gros dégâts. Je suis trop con. Ah, frérot, c'est fatal, là, quand même. Tu connais? Non, en vrai, non. En vrai, non. Il te faut un temps, quand même. Quand t'as pas de temps, PA ça va être très. C'est de la merde, mon. Très compliqué. Le deck de PA, c'est ça. Il coûte pas cher, il peut cycler. Ouais, mais par contre. Ah, je suis sur un deck qui spam, moi. Là, faut qu'il spam en fait. Ça va être dur. Ah, mais spam? Ouais, je spam beaucoup, moi. Il a un deck. Il a pas un deck de fou non plus, les gars. Moi, j'aime bien. Elle a un deck, t'as la bac. Il a. Il a un vrai deck. T'as la bac. Ça start direct. Allez, c'est pas. Oh, bordel, le cochon. Alors qu'il y a Zappi de l'autre côté. Donc là, le cochon va clairement faire mal. Hein. Le chevalier qui va faire le tap. Bah non, regarde, le cochon il fait pas si mal que ça. Il enlève 500, il a pris 1000 PV. Non, 1000, il lui en fait 1000. 1000 pour 4. En fait, le cochon il est bien. Attends, ça tape avant, non? Si tu sais défendre, ça tape avant, c'est compliqué. Oh, bien joué la boule de feu. Là, ça fait oh, le Zappi. Oh, la place. Très bien joué. Il tape de l'autre côté. Oh, bien placé son truc là. Oh, très bien. Le chevalier ça fait mal. Très mal, hein. C'est archi bien joué. Regarde la tour à droite. Bah oui, le chevalier. Hey, Gotha qui est sorti. Mais là, c'est un peu kiff-kiff pour l'instant, en vrai. Alors, attends, cette carte-là, elle est fumée. Oh, le pêcheur pour des cartes. Oh, le timing. Oh, l'incroyable. Oh là 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 là, bien joué. Il a le contre du Cavabelli. Attends, elle a pas atteint la tour? Non, juste, elle était à deux doigts. C'est incroyable. Oh, le cochon qui part à droite. Directement. Les gardes, ça va pas suffire en défense. On a qu'un seul. MG, c'est pas mal. La gargouille, il va taper. La gargouille est vraiment trop bien, les gars. La gargouille, ouais, elle est pas mal. Hein. On est sur un égalité. En vrai, le zap était trop sur ce bien, je joue très bien le cochon pour le coup là. Il sait quand le mettre.
Ouais, j'avoue, le zap, je me suis dit pourquoi pas. Et les petits trucs là, les gars, de zap, c'est cheaté. Oh, la boule de feu, c'est dommage. C'est bien, mais ça met un boule de feu. Pas la tour, c'est dommage. Alors que ça peut faire le taf. Après, c'est du 4-4. Et bah là, on est. Ça, c'est vraiment fort, on est fort. Petit début positif pour Domingo. Gotha qui est concentré, on le voit à sa cam. Vous aimez bien le bouliste? Moi, j'aime bien, mais tout le monde me dit qu'il est éclaté. Avec un moi, j'aime pas trop le bouliste. Oh là, le Zappi, il va fumer le bouliste. Hein. Ah, au niveau, c'est énormément. En fait, j'arrive pas à jouer. Moi, je joue le cochon. Ouais, le Zappi. Le cochon, ah, il va mais non Zappi, hein. Je voulais le mettre avant. Genre, la grosse sur le. Oh, il a pris. Mais par contre, il a gratté de fou. Je voulais le mettre avant le. Le cochon, il est fort, gros. Ouais, non, mais le lachon, elle avait la grosse sur le bouliste au fond. Attention, le plus de Gotha là. Alors là, il y a un petit combo. Si PA rien défendre, c'est fini. En fait, c'est dommage, c'est que PA, il utilise son Zap sur le cochon au lieu d'utiliser sur ça le zap. Va, ouais. Ça va, ça va. Il a bien défendu. En vrai, j'avoue, c'est vrai, il a vraiment bien défendu. Est-ce qu'il a le pêcheur okay. Ah, c'est le premier combat qu'on voit sans gros temps. Oh, là, le pêcheur. Oh là là, il a le droit. Mais le pêcheur, il carry, gros. Mais attends, mais. Mais PA, il joue bien. En vrai, PA, c'est la révélation. Oh là 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 là. Est-ce que ça. Ça passe jamais, ça. Il a pas eu son trophée. Oh, le chef. Pourquoi je fais pas derrière? Il aurait fallu. Attends, peut-être une erreur. Parce que là, il a perdu de l'huile. Ça peut être fatal. En général, sur Clash Royale, une erreur, ça fait très très mal. Ouais, mais c'est. Ouais. Ou peut-être l'erreur fatale. Mais. Aïe. Peut-être l'erreur fatale. Aïe 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 aïe. Oh, la boule de feu. Il avait pré-shot les. Ouais, mais c'est pas. Tenter pré-shot le pêcheur, c'est pas. Après. Il peut peut-être envoyer un cochon qui va prendre attention. Un coup d'arbi. Dans le bâtard, laisse-moi le couloir. Oh, bien joué. Oh, il était chaud le combat. Je pense que si je mets le gel sur le Zappi, je gagne tête. Mais bon. Oh, il était chaud. Bien joué, bien joué, Gotha. Waouh, c'était chaud, mon rêve. C'est ça. Bien joué, bien joué, Gotha. Les gars, c'était un bon match. Merci pour les GG. J'ai choqué le gel en fait. Le gel il passe. Oh là là. Electro. Ok, on va enchaîner tout de suite avec le prochain match. Les BG, pour l'instant, selon vous, qui va gagner le tournoi Clash Royale? Est-ce que c'est Michou, Bouzy, moi, ou peut-être un retournement de situation, on sait jamais. Mais je pense que bon, Billy est encore loin pour gagner. Je pense qu'il, je pense que pour lui, c'est oublier le cash prize. Mais voilà, on va enchaîner direct. C'est qui le prochain match? C'est fini. Les gars, on a les deux, je pense, top scores du tournoi qui vont s'affronter. Donc ça peut être, ça peut être déterminant. Les deux en haut du classement, Michou, Bouzy qui s'affrontent. Ça va être un beau match, le chat. Je compte sur vous pour mettre l'ambiance. Il y en a un de nous deux qui c'est parti. Moi, je prends la tablette à golem. La tablette à golem. Eh non, mais dites quelque chose. Il veut la tablette à golem. Non, non, non. Faut pas qu'il prenne la tablette à golem. Non, mais moi, c'est vas-y. Voilà. Michou. Là-bas, il y a un golem. Ouais, elle a pas pop depuis longtemps là-bas. Je pense qu'elle est là-bas. Hein? J'ai attends, Michou, reviens. J'appelle Clash, hein, je vais. Ça va pas le faire. Le golem est ici, en bas, Bouzy. Hein. Le golem là-bas, je vais péter un plomb. C'était close, mec. Hein. De fou, putain. Putain, là, stylé, oh, j'étais en mode. Non, mais c'est trop d'art pour les matchs et tout. Mec, c'est trop, trop d'art. Mec, même moi, c'est trop bien. Le mode et même le tournoi, honnêtement, c'est la folie. Le mode est vraiment trop. J'espère que le chat, vous aussi, vous passez un bon moment et que c'est divertissant. Michou, un petit mot? Michou, c'est toi qui invite Bouzy. Ouais, j'ai lancé l'invite. Un petit mot, non, gros, moi, mon but, c'est zéro défaite. Waouh. Ah, les termes sont dits. Hey, il est là pour rouler, hein, carrément. T'as pas? C'est bol, relance, ouais. On n'a pas les mêmes ambitions. Et là, Bouzy, toi, tu sens comment? Mal. De toute façon, celui qui gagne entre eux, c'est fort, peut-être le, c'est le premier du tournoi pour le moment. En fait, je pense que celui qui gagne, il est forcément en finale. C'est sûr? Ouais. Bah oui. C'est sûr. Ensuite, deux cartes qui est proposée chez Bouzy. Ça va se taper, ça va être très très dur. Les gars, celui qui gagne là est forcément en finale presque. Donc. Concentrez-vous. Après, c'est sûr même. C'est sûr même, je pense. Ah non, c'est sûr. Il aura une défaite au pire des cas pour en avoir deux. Après. Ouais. Mais non, après il a plus de match. Je crois il en reste un match chacun. Non ah, il reste non, un match chacun après. Non. Non, on a 7 matchs. Ouais. On a fait 7 matchs chacun là. Non, on a 7 matchs à jouer. Ah ouais, non, il y en a un peu plus. Pardon. Non, il y en a un peu plus. Donc c'est pas fini. Il en reste deux, je crois, non? Il en reste deux chacun. Là, pour l'instant, ils sont à la moitié. 3 matchs chacun. Donc en vrai, il y a encore le temps de remonter dans le tournoi. Ah non, attends, moi il m'en reste 3. Ouais, 3. Ouais, moi aussi. Il en reste 3 en fait. Et Michou. Ouais. Là on est à la moitié. Michou après il doit moi, jouer les Tinox là. PA, je pense, non Michou, on va jouer contre bientôt. Au début, là, t'as joué Michou? Moi j'ai pas joué Michou. Ah, moi j'ai des matchs Tandax hein. Enfin non, j'ai et Billy et après j'ai Inox et. Ouais. Mais je crois qu'ils nous restent tous 2 ou 3 matchs chacun. Tu dis rien? Ah ouais, pas joué. Non rien, tranquille. Ah j'ai pas entendu. Non, je disais ouais, j'ai 3 matchs chauds quoi. Top le live. Merci, c'est trop bien. Michou Inox toi. Punaise, je kifferais faire un tournoi comme ça. Merci beaucoup. Les deux decks. Billy, c'est objectif 0 victoire. Il y a un mec qui l'a mis ça. Combat des Titans. Oh, c'est parti. Oh les deux, ils ont 2 decks cochons hein. J'ai même plus rien, j'ai même pas. Oui, 0 victoire, oui voilà, c'est Billy le troll. Mais Michou, sa compo, je la trouve trop forte. Hein. Ouais, franchement, c'est j'ai pas mal. J'ai pas vu la compo de Michou, moi là. Ah, je trouve qu'elle coûte cher quand même.
Par contre, le ouais, mais mis en place, ça peut faire très mal. Oh, la boule de feu était worse. Je pense pas. En vrai, c'est archi bien joué ce truc. Alors, ceux qui jouent golem de glace, mec, jamais je le prends, mais les pros ils jouent ça, non? Ouais, ça dépend les decks, quoi. Contre prince ténébreux, prince et tout, c'est trop fort. C'est pour commencer ton train, quoi, en gros. Oh non, ouais, c'est pour changer l'aggro. Il continue de taper, okay. Et ça le slow, et il peut plus vraiment push. Ouzi qui sort. Ok. La grosse carte. Il a eu du mal à poser son Dodis, j'ai l'impression. Alors que j'ai 0 j'ai 0. Non, mais t'inquiète, là, je sais pas comment on va le défendre. Je vais Y'a quoi pour défendre un. J'ai pas vu le deck, moi. T'as pas vu la TDE, t'attends qu'il vienne à la tour, tu poses la TDE au milieu, ça fait le taf normalement. Ouais. Ouais. Je pense que c'est bien défendu. Oh là là, Michou, parfaite défense, gros. Ce gars, il est dans le bâtiment, il va pas toucher la tour. Aïe aïe aïe, il y a l'archer magique derrière, ça va faire ça très fait mal. Trop mal. Ça, ça fait trop mal le canon. Oh, il... Après, il prend la oh go. Oh là, oh, c'est bien joué. La musique, qu'est-ce qu'il va pouvoir poser là? Les squelettes, c'est bien joué. Oh, ça va taper fort là. Ça, non, ça... Oh là là, la musique, il se laisse pas faire. Il fait bien joué. Eh, Bouzy, tu mènes 2.6 ou quoi? Non, oui, même pas. Eh, mais eh, le golem, il oh là 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 là, Bouzy, ça défonce. Eh, mais Bouzy, magnifique. Hein. Il s'est sous-estimé, Bouzy, ce soir, je pense. Mais on le sait qu'il est déjà fort en vrai. Oh, la boule de neige. Ouais. Ah non, c'est incroyable. Elle est nulle la boule de neige, elle est bien. J'ai jamais joué. Bah, ralenti quoi. C'est quoi la réelle différence avec la boule de feu? Hein, ah, ça va faire mal à la tour, ça. La réelle différence avec la boule de feu. Elle fait beaucoup moins de dégâts, mais ça slow. Elle te pousse dans un peu. Elle pousse, j'avoue. Le son est bizarre. C'est plus sa bump en la régie, à ce qui paraît, il y a un petit écho. Je suis pas sûr, mais. Ok. La défense du Michou. Est-ce que le chat, le son est bon dans le chat? Après, le son est bon. Très bien aussi. Mais attends, mais le combat il est méga serré. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, merci à tous ceux qui sont sur le live. Il perd quand même pas mal. Qui mettent la cloche. Il est à 0. Ouais, vraiment, c'est Bouzy qui est un peu devant quoi. La gestion est parfaite. Oh, le poisson qui est trop bien là. Je sais pas s'il si est bien. Mais... Après, vaut mieux que tu perdes de l'élixir, mais que tes trucs soient bien posés au bon moment. Ok. Michou il défend trop bien le coup. Ouais, ça tente, oh, ça tente une percée à gauche. Ouais, Michou il mentait pas quand il disait qu'il le dirait facilement. Ok, parfait. C'est vrai que. Non, le son est nickel. Oui. Ok, parfait. Ça tape. Ouais, ça gratte un petit peu. Oh, ce combat. Bah, Michou et le bouset devant, Greg. C'est ça. Ou non, non, là, du eh, coup. C'est serré le match. Bah, au final, ça coûte le même prix. Ah non, Michou il est en bas. Michou est repassé. Un 4, un archer à 4, tu vois, oui, ça attention, va. Attention, ça va pouvoir. Ça poke. Attention, le match est très serré. A votre avis, à l'heure actuelle, qui va remporter ce match? Oh là là, la contre-attaque elle peut la faire mal. En vrai, c'est un putain de match. Hein. Très très mal. La contre-attaque peut faire très très mal. En vrai, Bouzy il défend super. Aïe aïe aïe. Là, je crois qu'il commence à être un peu débordé là, Bouzy là. Ouais. Là, il y a un peu beaucoup de partout. Et en plus, Michou il a encore beaucoup d'élixirs à mettre. Ouais, mais tu vois. Il gère, hein, putain. Ouais, il gère, mais après, tu vois, genre à chaque fois. Mais regarde, si ça va à la fin. Michou, là, Michou il pose 5 d'élixirs en backlane et il arrive toujours. Oh, par contre, la tour elle va toucher, non? Non, mais ça vise pas de loin ça en fait. Le canon il vise pas de très loin. Ouais, ouais. Écho dans le jeu à skip. Mais je sais pas si c'est vrai. La régie recheck les gars, mais arrêtez de troll si c'est le cas. Oh là là. Oh la tornade. Oh, il attends, avait la pas tour claqué du roi, la tour du roi qui était activée. Ah ouais. Oui, c'est vrai que. Tu vois que ça veut peut-être faire la diff, non? En tout cas, moi je trouve qu'il défend bien le gros géant. Ouais. Non mais c'est ouf. Oh, il en remet un Bouzy. Là c'est aggro ça par contre. Là il va falloir faire quelque chose. Peut-être une erreur. Là ça peut être fatal par contre. Ah non, bah, je sais pas si c'est une erreur parce qu'il doit gratter. Il doit gratter de la vie, passe, de toute façon. Il doit gratter de la là, vie. Il a gratté, il reste une minute. Une minute et si. Oh, il a activé la tour du roi. Oh là là. Aïe. Après, ça peut tout jouer. Hein. Oh putain. Ah, mais attends, mais putain, il a gratté la tour là. Il le gratte. Oh le gratte. Magnifique. Waouh. Il a cherché cette victoire. Waouh. Il l'a cherché. Putain. C'était un gros mais attends, mais il est chaud. Hey, hey, gros, il te bombardait avec son gros géant là. Fumé. Bien joué. Bien joué. Il est chaud. Oh là 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 là. Et là tu sens comment? Là là t'es bien. C'est un gros match. Ouais, enfin c'est pas. C'est un match début quoi. Elle est venue en pyjama. Parce que vous croyez. J'ai trop le seum. Mais en vrai j'avais le pire deck de France, j'avais aucune attaque. Et puis moi j'avais la carte à avoir. Non mais en vrai j'avais la défendre mais j'avais aucune attaque, j'avais trop le seum. J'ai joué des deux côtés, je pouvais rien faire. Mais t'as bien joué hein. En plus, tu défends bien. Ouais, j'ai bien joué. Pour l'instant t'es en finale. Pour l'instant t'es en finale, tu peux encore remonter. Je crois que t'es deuxième pour l'instant. On n'a pas les classements, on garde la surprise. C'est quoi le prochain combat la régie? Ouais, en fait c'est fort en défense. Aïe aïe aïe, je suis dégoûté. Oh là là les gars, les combats. Est-ce que les combats sont intéressants? J'ai jamais battu. Des gens qui sont pas. J'ai jamais battu. On est là pour le fun, du coup on n'est pas des pros. Mec, j'ai envie d'avoir une attaque. Allô la régie, c'est qui le prochain combat?
Putain, la vache, deuxième toi. Nikov, je crois que je dois t'affronter. Hein, t'as dit quoi? Ah oui, normalement. Ah, il y a le classement qui s'affiche. Il y a le classement qui s'affiche. Il est au-dessus de moi, bordel. Alors. Oh putain. Putain, avec Georges, au-dessus de toi. Du coup, t'as trop de trucs. Georges, je suis au-dessus de Michou. Pourquoi je suis au-dessus de toi? Bah, t'as plus de couronne. Ah ouais, j'ai eu plus de couronnes. Ouais, Michou, il a fait beaucoup de 1-0. Les couronnes, ça sera à la fin. Donc, si on a égalité, on verra. Et juste Val, je crois qu'il lui en manque une couronne. Attends, mais quoi si je pas. Attends. Billy, ça fait mal. Billy, il est où? Billy, ça fait mal. Oh Billy, aïe, aïe. 12 points le Michou, on a égalité en vrai pour l'instant. Ah, si, là, points, oh là là, le classement a été révélé. A votre avis, dans le chat, qui va gagner ce tournoi? Nikov, 1 vs 1. C'est parti, les gars. Je suis contre Nikov. Que le meilleur gagne. Elle est décisive pour moi, la game là, parce que si je gagne contre Nikov, je suis très très bien pour la finale. C'est parti. J'ai. Tu gardais ta tapette. Mais en fait, ils m'ont rien proposé à l'attaque. J'avais pas de ballon. Allez, les gars, faut que je tue ça. J'avais pas de. Non, mais, en fait, Michou, c'est qu'on en parlait tout à l'heure justement avant que ça commence. En gros, ils mettent le MK. Eh, mais je crois que condition. Dans le classement, Nikov a pas eu encore son match. Le MK. Ouais. Donc, je le mets dans. Ça veut dire que. Là, si je te gagne, je passe deuxième, je crois. Si tu me gagnes, tu peux passer deuxième. Mais c'est pas pour gagner quoi. C'est pour défendre. En plus, il m'a laissé la chaise du golem. Donc j'ai laissé la chaise du golem. C'est parti. Je t'ai invité. Non, j'ai pas reçu. Ok, je recrée. Attends. Et il y avait que ça. Et je sais pas, il y avait quoi d'autre. Mais je pense qu'il y avait de la. Allez, c'est parti. Bonne chance. Bonne chance, mon ref. Ouais, mais bon, c'est. Mais je le trouve nul. Bah, c'est nul par rapport à MK. Alors que lui, du coup, bah, l'électro géant en 3x3. Mais what the fuck, le bouseux qui joue. Aïe, 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 ça va être dur, les gars. Mais en vrai, tu défends bien. En vrai, pour l'instant, j'ai sans pression. Quand on regarde comme ça, on voit vraiment si ça joue bien. Mais moi, quand je joue, En fait, en vrai, Michou, il te dominait quand même un petit peu. Mais voilà. Mais là, en fait, en électrique, il te dominait de ouf, malgré qu'il en perdait beaucoup. Non, en fait, j'ai pas cru que j'avais pu ma pierre tombale. Je me suis dit, allez, où? Faut que je joue. Faut que si je finis un. J'ai dû la poser, je sais pas où, frérot. Quand t'as retrouvé l'électro géant, en fait. Moi, je pour pas faire d'erreur. Oui, non, mais les gars, je vous promets que c'est très bien. Non, mais normalement, est-ce que. Tu es venu en blette, carrément, tu es venu en détente. Non, mais est-ce que. Je suis sûr que. Si Nikov gagne, il enlève. Il emmène 4 sapes aux Maldives. Mais je l'ai battu tout à l'heure. Bizarre. Hein? Si tu gagnes le tournoi. On le bat tous. Je l'ai emmené au Mexique, frérot. Hein? On l'a emmené au Mexique, ouais. Ok, c'est parti. Il fait chaud là-bas. Avec mon deck, c'est compliqué si c'est une finale. Ouais. Ah ouais? Ah, tu verras, de toute façon, vrai. Ok, c'est reparti, les gars. Oh, c'est ça joue fût. Inox contre Nikov. Ça joue le fût, j'aime bien moi le fût. Ça joue fût, sauf que le problème, c'est qu'Inox a une bûche, donc. Ouais. Il doit faire craquer la bûche avant. Putain, le prince, on l'a pas vu, hein. C'est vrai que le prince, on l'a pas vu. C'est vrai. Je suis pas fan. La méga gargouille. Je me rappelle le début du jeu. Quand mourir il venait par la... de... C'était trop fort. Ouais, c'était trop fort au début, le prince. Parce qu'il chargeait. Ouais. Mais tu poses même les squelettes à 1, ça. Ouais. Avec 5. Prince Ténébreux, par contre, t'es un peu mieux. En vrai, ce MK peut faire le taf en fond de map. Hein. Ouh, j'aime bien ça. Je suis pas certain qu'on j'aime bien. Le fantôme comme ça. Tu le poses jamais en fond de map. Oh, le fantôme comme ça, les gobelins. Très mal. Plus, hein. Le fantôme a fait un mal. Je sais pas, ça se trouve, c'est. Et Prince Méga Chevalier. Le fantôme, il a gratté là. Ah, Prince Méga Chevalier, attends. Aïe, 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 aïe. Il y a la T2, ça passera pas. Oh là. C'est quoi cette tornade? J'ai pas compris la tornade. Oh, et la tornade qui fait qu'il a plus d'élixir. Oh là là, il charge. Ça gratte très mal. Ah ouais, putain, le prince est pas mal. Extrêmement. Si t'arrives à toucher, c'est incroyable. Si met sa charge, ça fait trop mal. Mais même en dehors de sa charge. Ouais, même les doigts de sacré tatane. Ça aussi, ça fait mal, faut pas laisser taper ça. Qu'est-ce que c'est fort ça, cette carte? Il a bien gratté la sorcière. Regarde, midlife, une sorcière. Ouh. Ok, les recrues, en fait les recrues royales, si tu sais pas jouer, elles sont trop fortes. Ouais. Bah, dès que tu sais pas quoi faire, je trouve si ça te... Si tu sais pas les défendre, c'est fini. En fait, en gros, tu peux autant partir à gauche qu'à droite, quoi. Non, mais tu poses ça, ça fait le café, en vrai. Non, mais là, il va... Ça te fait respirer, t'as le temps de... Oh là là, par contre, le fantôme, là... Ah, c'est très bien défendu, hein. Ah non, le fantôme, ça les déchire. Le fantôme, c'est trop fort. C'est très bien défendu. Il va se mettre invisible. Et le fantôme qui est invisible avec un PV. Il va mettre un coup. Oh, le poison, je suis pas sûr que c'était la meilleure chose à faire. Hein. Ouais, il a été pas cher. Chose. En vrai, il lui a mis un bon bait là. Ok, c'est pas mal. C'est serré en vrai. Hein. Ah, la sorcière, le prince va rien pouvoir faire malheureusement. Bah, si, tout à l'heure on l'a vu. Hein. Ah non, là, le prince. La sorcière qui tape. L'électro-sorcier, faut qu'il tape. Oh, la bûche qui est chaude. L'électro-sorcier, faut qu'il tape. Oh, il a tapé, il a touché. Ouais, malheureusement, ça suffira pas. Ça va suffire. La sorcière, et là, il va y avoir un crush de l'autre côté là. Attends, le problème de Nikov, c'est qu'il joue un peu des deux côtés. Ouais. Et merci, du coup, c'est mon souci. En vrai, je pensais que le fut allait faire très mal là, mais.
Ah, c'est bien défendu, hein, mais... Mais le problème, c'est qu'il a une tour à 800 PV, quoi. Ça peut aller très vite. Ouais. Ok, oh, la boule de feu qui touche pas le... Aïe, 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 ouais. Ça peut, Là, la boule de feu qui a pas touché... Attends, le gobelin Sarbacane, pour moi, là, la game est terminée. C'est quand même un gros push, là. Il touche 3, c'est mal. Ah, est-ce qu'il a réussi à pré-shot? Ah ouais, non, il a pas pré-shot. Ah, finalement, c'est bien défendu, hein. L'armée de squelette a fait le tap. Attention, un petit coup gratuit. Oh là 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 là. Oh les gobelins qui font très très mal. C'est tellement serré. Sachant que Nikov a ce qu'il faut pour gratter, alors que Inox il doit envoyer un bus pour passer. T'animes ton live toi en fait. Hein? T'animes ton live. Ouais, le casse-d'or. Après il a un poison Inox hein. Ouais c'est vrai, il devrait gratter. Il a poison bûche. Ouais, offensif. Ah mais il a poison bûche. La TDE ça. En fait ça. Il arrive à skipper. Oh là 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 là. Attention ça peut retourner tout. On le connaît le misplay. Oh le gobelin. Ok, la bouche qui est très bien lancée. Ouais. Ça va tirer la gargouille. Ça va taper ça, hein, le roi là. Faut qu'il mette le rempart. Ah, le gobelin sort battre le rempart. Il le rempart. Oh, c'est trop tard. Oh, ça tape et la bouche. Oh, genre, il tape pas du lard. Il tape pas du lard. Bien joué. La victoire pour Nikov. Ah ouais, là. Nikov, il est chaud. Bien joué, Nikov. Nikov, mais franchement. Ah, j'ai trop de Pour moi, c'était Inox favori. Bah, il y a eu un poison un peu suspicieux quand même. GG, Nikov. J'ai fait une erreur. Bien joué. C'était bien joué. Bon, bah, les gars, j'ai perdu. Nikov qui, je pense, t'es troisième là. Attends, mais en fait, parce que j'ai full couronne en fait. Vu que j'ai fait 3 contre Valouz. Là, il a 9 points, il a autant que Michou. Ah, je pense que Nikov est très très bon pour aller en finale. Mais il reste encore 2 combats chacun. Rien n'est jamais fini pour tout le monde. Tout le monde peut remonter. C'est parti. 6-6-7 équipe. Hein. Nikov, je crois qu'il y a ton équipe dans le chat. Il y a tout le monde qui dit GG. Les gars, on va accueillir un clash des titans. Ça se taquine depuis le début. J'aimerais bien les voir. Billy contre Gotaga, c'est maintenant. Let's go. Oh, c'est le moment. Oh là là, c'est le moment. Je suis désolé, mais Billy, il est 8ème, Gotaga est 6ème. C'est le moment. Tu choisis. J'ai bien envie de le voir, celui-là. Tu vas où là? La tablette Billy. Ouais. La tablette Billy. La tablette Billy. Elle te porte chance depuis le début. Oh, oui, c'est vrai. J'ai vu ça. Et là, il va avoir le meilleur deck ever. Mais Billy, Gotaga, t'as jamais Billy, perdu son objectif, de toute façon. Billy, c'est 5ème défaite, là, si tu perds. J'ai eu qui contre Michou? Il a eu son deck. Fais pas la 5ème. C'est-à-dire, il nous reste 2 contre. Allez, go, t'invite-moi. T'invite-moi, ouais. Moi, 3, je crois. Ouais, certains 3. T'as l'air d'avoir un peu la pression, quand même. C'est bizarre. Il m'en reste 2. Non, de toute façon, je peux plus gagner. À partir du moment où le Bouza a battu Michou, je peux plus gagner. Je peux plus être en finale. Ah, donc, j'attends contre Gotaga. Mon match, je m'en fous, là. Je veux juste. Si je perds, tant pis, moi. Il reste 10 matchs en tout, les gars. En vrai, dans le chat, il reste 10 matchs. Merci pour ceux qui sont encore sur le live. Mettez des pouces bleus qui s'abonnent. Ah non, merci. Je lis le chat sur la tablette. Il dit c'est terrible, c'est quoi ta perte. Accepte Gotaga, faut qu'il invite, voilà. Je l'ai pas. Il reste 10 matchs, je veux dire, c'est pas terminé. Hein. Après, j'ai hâte de prendre une photo si jamais tu fais pas une seule victoire. Parce qu'en plus, après, tu dois jouer Michou et tout. C'est chaud en bousy. Frérot, je ferai une victoire, c'est contre toi, frérot. Vas-y, c'est ton moment, moi. En fait, c'est juste pour éliminer un mec. Non, BO3 avec ton deck. C'est juste pour éliminer. La finale, les gars, c'est BO3 avec son deck. Ça veut dire que je dois 100% win Michou. C'est mort. C'est fini. Bah, ça veut rien dire. Après, on sait jamais. Bientôt 100 000 pouces bleus sur le live. Merci, les gars, ça fait très plaisir. Ouais, c'est vrai. Attention, du coup, ok. La possibilité. Gotaga vs Billy, qui va gagner? Ouh, ça c'est un bon match. Hein. J'ai envie de voir. Il a la haine là, c'est ça. Oh là là, des deux côtés c'est beau. Le moment. Oh, des deux côtés c'est beau. C'est quand même greedy. Bon, t'avais fait une promesse tout à l'heure, tu fais quoi du coup? Oh! Avant le live, il y a la régie qui a changé. Bon bah, c'est pas grave, on ne saura pas. C'est la surprise pour nous aussi. Ok, c'est bon. Non, mais là à gauche, il est très bien. Mais ça coûte très très cher. Il coûte des petites là et puis c'est bon. À gauche, il coûte cher son deck. Ouais, mais il va le baisser, je pense. Bête, hein. Non, là ça va. Hein. Il a pris des cartes vrai, moins chères là. Mais honnêtement, je sais qu'il va gagner là, c'est bon. C'est Gotaga, c'est sûr. En vrai, Gotaga en vrai, c'est trop cheaté. Ouais, c'est vrai que c'est fort. Elle est trop cheatée la carte. Oh non, c'est la fournaise de Gotaga, elle gratte de ouf. Elle est incroyable. S'il la joue bien, elle est incroyable. Ouais, Gotaga, un mec. C'est vrai, il est mal là-bas. Billy, il écoute bien ce qu'on dit. Et moi, bien. C'est en vrai, les deux decks sont cool. Hein. C'est aberrant, frérot. C'est aberrant. Et c'est la fournaise qui est placée pour Gotaga. La fournaise, elle gratte trop bien. Regarde, ça met des petits pics comme ça là. Ouais, c'est vrai. C'est ultra cheaté.
Mais attends, mais là. Regarde les dégâts que ça met. C'est trop fort. Ça met 200 dégâts. Non, mais je veux dire, le Zappi, c'est trop fort contre la fournaise, non? Non, mais le Zappi là. Non, la fournaise est trop contre le Zappi, hein. Ah ouais. Attention, mais ça risque pas du coup. Oh, ça attention. Oh, le Zappi bien très bien défendu de la part de Gotha. Et en plus, à gauche, la fournaise a bien gratté. Il a paniqué le Zappi. J'avoue que l'armée a gratté de fou là. Avec la fournaise est sur. Oh là 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 là, la défense. La popularité du. Est-ce qu'il y a une vole là? Oui, c'est un délire. Hein, la côte elle augmente là. Ouais, la côte du truc volant elle est incroyable. La Gotha a un très gros avantage. Tu lances des games, il y a tout ça. C'est la finale, non, c'est pas encore la finale, les gars. J'ai claque, Billy. La finale, je pense que c'est dans 40 minutes. J'espère que vous c'est horrible, vous êtes chaud pour la finale. Commence, ça fait 4 loots. Direct, ça dit ah ouais, donc Gotha est finale, super là. En finale, moi je vois bien un Bouzy. Peut-être Nikov. Hein. Nikov, il est surprenant, ça dépend. Moi, en fait, ce qui va dépendre, c'est notre combat. Ouais, c'est ça. Si je te bats, je suis en finale, je pense. Si tu me bats, là, si tu fais ton foudre sur le. Là, ça risque d'être. Là, pour l'instant, Gotha qui est en train de gagner. Il maîtrise beaucoup mieux. Ouais. Oh là là, la bûche, elle est très très bien. Ah bah Gotha, c'est les squelettes, tu peux rien faire sur là, il y a tout. Normalement, là, il y a tout. Ouais. Oh, les esprits de feu, ils vont faire trop mal. Les doubles, ils touchent la tour. Ils sont pas défendus. Il a gratté à gauche, à droite, il y a le choix d'aller où il veut. Là, c'est compliqué. Il y a moins d'élixir. C'est compliqué. Billy qui arrive pas à passer. Après, il y a deux cartes qu'on connaît pas. Il y a une solution, les refs. Il y a une solution. Quoi ? Ah, c'est oh ça, ok, le zap pour défendre, c'est pas mal, mais... Oh le bouffon! Oh là là, il perd beaucoup de bien! Ah c'est tard! Aïe aïe aïe! Oh, aïe aïe aïe! Plus, là, aïe aïe aïe! Il accepte de perdre sa tour en faisant ça! Ouais, Gotha qui va prendre la tour, je pense là! C'était ouais, dur de savoir. Gotha il peut le défendre tellement facilement! Ouais, ouais, c'est ça le truc! Ça c'est fort contre le Zappi du coup le truc! Bah là! Le quoi? Oh lolo! Il a sorti le géant! Peut-être sur ce move il pouvait aller chez le géant qui est sorti! Malheureusement! Sur la map! Il est pas énormément accompagné! Ouais, mais regarde! Ah ouais, mais il a placé la fonte! Après, c'est un bâtiment. Attention! Hein. Oh. Ah non, non, c'est ah, la fournaise à la Gotha, Gotha le défend trop bien. Ouais, Gotha a géré. Gotha est trop bien. Après, là, il a quand même gratté, hein! Ouais, mais. 30 Billy secondes, est trop gaze! Même lui, il est mort de. Même lui, il est KO! Par contre, Gotha est en full. Là, il reste un push, il reste pas en fond. Il va falloir attaquer Billy! Gotha, là, le dernier push, Billy, c'est maintenant! C'est toujours sa position de game. Gotha qui va essayer de champer la deuxième couronne. Ah bah là, ça peut l'aider pour gagner le tournoi. En 10 secondes, ça va pas se faire. S'il chope la deuxième couronne. Et la deuxième. Oh, la deuxième couronne! Il peut renverser le tournoi, c'est vrai! Oh là là là! Deuxième! Oh là 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 là! Oh là là, bien joué! Bien joué! Il a maîtrisé le doigt. Cinquième, le poteau! La deuxième couronne qui peut renverser le tournoi. Il a très bien joué. Hein. Bien joué, Billy. Franchement, cette soirée, c'est pas bien. Ouais, t'as bien joué. Bien joué, GG. Oh, je mec. Billy est vraiment bon, les gars. Je vais essayer d'accélérer le rythme pour que on est bien. La finale et que ça aille un peu plus vite. On va direct à QR. C'était un très beau match. Merci à tous, les gars. Vous êtes des cracks. Je vois tous vos messages dans le chat. Vous êtes monstrueux. J'espère que la soirée vous plaît. Ça me fait trop plaisir. Et le prochain combat, est-ce que l'oreillette, on peut me dire Valouz contre Michou, c'est parti. Oh non, mais ça y est, oh là là. Qui va gagner ce combat à votre avis dans le chat? Prends quelle tablette? Ah oui, attends, toi. Let's go. Oh, faut que je gagne. Bonne chose, juste. Eh, non, non. Ah là là. Il y avait pas de golem, gros. T'imagines, t'es 6-2, t'es en 0-6. Oh mon dieu, 0-6. Oh là. Ah, c'est un choc. Ah, je suis stressé sur ce match-là. Ah ouais. Parce que si je perds, j'aurais. Je l'ai vu ce matin, il m'a dit, je vais laver ton tournoi. Ça fait mal, hein. T'as qu'une victoire? Ouais. Ah, ça va être facile contre toi. Ah putain, j'ai vraiment envie de te battre. Ah mon petit Mich, j'ai vraiment envie de te battre. Jungle pour la couronne qui est juste au milieu de l'écran. Le Zappi faisait quand même peur. Je vois pas ton. Là tu vois, non? Non. T'avais l'armée foudre et t'avais quoi? Il est quelle heure le chat? Ah, il est 22h45. Ça va les gars. Ça va. Ça dure un peu plus longtemps que prévu, mais ça va. L'écran il est là. Ouais, mais j'ai envie de te regarder là du coup. Là. Ah, t'aimes bien ouais. ma barbe, t'as vu? Ok, Michou. Oh, Michou qui part sur ça. Moi je pensais qu'il allait prendre. Le coach et l'élève en fait. Valouz contre Michou, à votre avis dans le chat, qui remporte? Oh. Gotha, tu viens de go Valouz, Valouz. Je vais pas te lâcher. Même la Valouz, il sait qu'il y aura son tank. Mais quel tank choisir? Il fait moins le malin là, Billy. Ok. Tu m'as invité à faire du développé couché. Je pense Michou. Voilà, Valouz. Eh Valouz, s'il te plaît, on croit tous en toi. Tu peux le faire, Valouz. Attends, il a toujours pas de tank. Ouais, il a toujours en 3-2 du coup. Ouais. Valouz qui a. C'est pas la dernière. En 3-2 c'est. Ouais. Si Michou, oh là, je pense que là c'est bon, trop worse. Là je suis content des deux trophées là parce que toi t'en as fait 3 là. Bah Michou hésite pas. Tu veux 3 trophées là. Tu t'es contre qui? Valouz. Donc ça met pas confiance. Hein. C'est parti. Bon deck de la part de Michou, je pense que Michou a un bon deck. Ouais là Michou a un très bon deck. Ouais.
C'est quoi la foreuse? La foreuse, je sais pas la jouer la foreuse. La... C'est vrai que c'est comme un mineur, mais. La foreuse, elle est cheatée ou pas? Je sais même pas. Ça fait pop des gobelins, je crois. C'est très fort, je trouve. Mais en fait, okay. Genre comme, ça comme un bâtiment. Genre comme le fut, mais c'est dur à défendre en vrai. Genre ça peut être. Bonne chance, Val. Plus chaud qu'à défendre ah ouais. Le fut gobelin. Bah, mais... tu mets flèche ou bûche, c'est fini, alors que la foreuse, elle reste mais... là. Et quand elle meurt, il y a encore des gobelins qui en sortent. Donc, parfait la défense. Donc c'est cheaté. Par contre, merci d'avoir respecté le. Il a dit, il a juré, avant le tournoi, il a juré la vie de sa mère qu'il prendrait pas le géant électro et il l'a pas pris. Il l'a pas pris ? Il l'a pas pris. Oh non, Val ! Après, il a dit qu'il l'aimait pas. Bah... Mais si, il l'a pris. Ah non, c'est toi qui l'as pris. Tu l'as pris, il l'a pris, c'est non. La tête d'homme, ah oui, il l'a pris. Tu veux même pas tilter ? Non, mais... Ah, mais t'es un gros fils de... Non, mais il l'a mis à la fin. Tu veux pas tilter, j'ai fait les inox. Il l'a piqué à la fin, gros. Il l'a réduit à la fin. Attends, si, on avait. Mais il m'a serré la main en plus, le chien, en mode, ouais, t'as vu, chien. Attends, il a tête cuite, je l'ai pris. Ah non, j'ai pris, je l'ai pris. Mais par contre, parce qu'il m'a pas tant que ça fait chier, tu vois, c'est pour ça que j'avais oublié cette la foreuse. La foreuse. La foreuse. Tu viens d'apprendre une carte. Ah ouais, putain. Ok, princesse pour Valouz. Y a pas qu'une. C'est vraiment un chien en fait. Je vais te proposer une dinguerie, tu vas flipper. Ouais. Oison, c'est worse qu'en princesse ou pas? On va un peu de dégâts, non? Bah 4 pour 3 et non. Si je te bats. Comment je vais défendre la foreuse? Ouah, c'est dur. Comment je vais défendre? Et toi, tu me mets la condition que tu veux. La plus dure. Ok, tu devras stream 20h pendant une semaine tous les jours. Oh. C'est l'inverse. Si c'est vraiment dur. Tu vas dormir à 3h par nuit. Non, 20h, j'abuse. Non, 15h par. Non, mais vrai stream par contre. Mais frérot, je fais un stream par. Oh le. Attaque, là. Oh le. Ah, il est je stream tous les jours presque. Ah non, la Valkyrie, okay. C'est vraiment mal. Donc c'est en vrai, c'est. Aïe 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 aïe. Ah, oh, il a waouh, c'est chaud. Du roi. Je fais des petites vacances. En vrai, là, il gratte quand même. ça fait plaisir au moral. Ah, je. Mais la sorcière, j'ai l'impression que c'est indestructible. Même la sorcière, elle est trop bien cette carte, gros. Après, la princesse qui peut. Mais ça, c'est trop fort ce truc-là. Michou, il gratte avec ça et ça marche. Mais la foreuse c'est fort hein. En fait la foreuse tu mets juste un truc à côté. Pourquoi on la voit pas souvent cette carte? Théma ça te met pas mal de gobelins la foreuse. Ouais ça tombe vite. Bah non mais son chevalier a totalement tank la foreuse par contre. Et là Michou qui gratte petit à petit. Ta squelette meilleure carte du jeu. Attention qui va gagner. Oh l'enfant. Tu as squelette meilleure carte? Pour moi ouais. Bah en vrai là ça fait pas trop de dégâts. Ça fait des dégâts ça quand tu pop le sorcier. Ouais c'est comme très léger. Ok. Électro. Non, ça slow, juge. Électro un peu plus. Non, ça va tuer la squelette là. Ouais, ouais. Oh, Valus qui tente une attaque à droite. Bien joué. La Valkyrie, elle fume facilement les barbares. Ouais. Ah, la boule de feu qui est un peu floppée. Ouais. Ouais, bon là, ça va pas passer l'attaque de Valou, je pense. Michou qui encore. T'es chaud, Michou. T'es chaud, t'es chaud. Ça marche, ça strat. Hein. Oh, les squelettes. Oh, les squelettes. Oh, mais ou bien joué les zap. Ah, la sorcière qui va peut-être prendre la tour. Son Michou il a pas le choix de gagner là. Aïe aïe la Michou, aïe 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 aïe. Bah ouais, pour toi. Je suis nul à horde ou gargouille là parce que ça coûte cher. Hein. Bah c'est bien, mais le problème c'est que genre, c'est contré par trop de trucs. Ouais, flèche et c'est réglé quoi. Ouais, flèche. En vrai, le truc c'est pas fini, Valou, c'est pas fini. Non, mais il défend. Oh le PK. Bien joué, Michou qui met bien joué. Bien foreuse. Michou qui met bon. Let's go. Ah oui d'accord, pour Michou c'est terrible. C'est trop fort. Oh là 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 là, bien joué. Et la foreuse c'est trop fort. Michou il a fait bon, allez, c'est GG pour lui. Il avait sa zone 30. Il est down. GG. La foreuse je connais pas. Hein? La foreuse je connaissais pas, ouais, c'est fort. C'est vrai qu'on l'a gratté petit à petit. Ah mais moi je connais pas ces nouvelles cartes. C'est qui le prochain? C'est vraiment fort. Forte. En fait si t'as pas la Valkyrie. Ah ouais c'est vraiment fort. Bah bien joué les gars et autour bah j'ai perdu mon petit Michin. Domingo et le bouseux, c'est parti, on enchaîne les gars. Le tournoi touche bientôt à sa fin, on arrive bientôt vers la finale, il reste que quelques matchs. C'est parti, bonne chance Bouzy et PA, ça va être stylé. Bah à votre avis qui remporte ce match là les gars? On a tous bah, Parsi ou pas mais Bouzy est très fort. Vraiment indétrônable. Mais Bouzy, il est trop fort. Mais Bouzy, quand je jouais avec toi chez toi, t'étais nul. Hein? Bouzy, je crois, faut que tu lances deux fois. Je pense ok, vas-y. Bouzy, il était chez lui, il était éclaté, gros. Ok, c'est parti. Et là, il est vraiment chaud. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un peu plus. C'est parti, let's go. Putain, j'ai jamais joué ça. C'est le mode de tir à strip, c'est le meilleur mode. Ah ouais, il est trop bien. Vous en pensez quoi de ce mode de jeu, le chat? Moi, je trouve que c'est le meilleur mode. Franchement, le tirage triple. Mec, je connaissais pas avant ton tournoi et c'est vraiment moi, j'ai pas aussi. Hier, c'est incroyable. Mais en vrai t'as fait le chill sens du jeu, en vrai. Avec, ouais. Avec les viewers, tu sais, où tu crées un tournoi vite fait, en 3 secondes, c'est enfin, il y a les 1000 joueurs. Ouais. C'est trop bien. C'est trop chill. Ok, Bouzy qui choisit cool ça. J'aurais pas pensé. Oh, on va voir. Le deck de PA, il est dar sa mère. Demain, tu l'enseignes, il y a que ça. Ouais, ouais. On va voir un bal. Je vais le mettre dans mon deck, carrément. C'est vrai qu'on l'a pas vu encore. Attends, mais le deck de PA, on dirait un vrai deck. Ouais, en ladder. Elle est trop bien cette carte. Là, s'il prend bleu, je prends PA. Ouais, bien vu. PA. PA réfléchi. Tu prends une carte.
Le bûcheron. Putain, j'ai pas d'inspi. Voilà quel monde. Ah, je vais prendre ça. Après, là, il a un pivot. Ça se voit, il joue jamais le bûcheron. Il est ouais, oh, ouais, ça se voit. Ouais, je sais pas ce que ça fait. Il l'a pris, mais il sait pas pourquoi. Il pose la rage là. Attends, mais ouais, mais ouais, ça se voit, il sait pas pourquoi il l'a pris, PA. Et PA, t'as un vrai deck. Tu peux le faire. Je tombe dessus. Mais la fournaise de. PA, il y a un combo en particulier que si tu. C'est la merde là. Oh, les cochons royaux. Oh, les flèches. Les cochons, c'est faut le prendre ou pas? Bah, en vrai, le mineur a gratté un peu aussi. C'est une win condition, ouais, ça met des dégâts quoi. C'est fort, les cochons. Regarde la fournaise, elle one shot. Tu joues avec les trucs, les 7. Après, si là. Tu mets les 7, après les cochons, tu mets les cochons. Mais en vrai, les cochons, il y a une boule de feu, une Valkyrie ou un bâtiment. Ouais, mais tu sais, tu les mets au milieu et que ça part des deux côtés. Ouais, c'est vrai que c'est relou. Ah, en vrai, tu mets boule de feu, Valkyrie. Attention. Bougie qui gratte bien sa fournaise, la fournaise. Oh la fournaise. La fournaise, c'est un vrai rat pour jouer. Non, mais il y en a avoir deux. Ouais, par contre, c'est vrai que tu m'as laissé tes potes aussi, j'ai pas compris. La fournaise, elle est trop là, chier. Là, il envoie son boulot. La VA, il envoie. Il a gratté avec la boule de feu. Il a gratté. Oh, le bûcheron. Le bûcheron qui part tout seul. Part tout seul, ouais. Il est parti tout seul, le bûcheron. C'est pas le bon combo, ça, PA. Ouais, PA, t'es trompé de combo, je crois. Faut pas l'envoyer solo. Ok, d'accord, je capte. PA, t'as un combo à faire vraiment. Mais après, elle te prend pas la pression, joue-le comme tu et le sens. Parce que la du pierre coup... tombale peut contrer la fournaise aussi. Hein. Non. Bah si, les petits squelettes. Ah, il faut que ça soit bien timé. Ça fait des esprits. Ouais, mais un esprit de feu touche la pierre. Oui, oui, un esprit de feu. Les squelettes ils sortent avant. Ah, mais en vrai, la fournaise elle est trop bien parce qu'elle attaque et elle défend là. Là, oui. Le ballon il détruit la fournaise, mais là, la PA ça va être dur. En vrai, je pense que c'est mort pour PA là. Là, en fait, il y a quand même beaucoup d'erreurs du côté de PA. Bouzik a pas perdu une game là. Qui s'assure la place. Ça me met confiance, ça, c'est bien. Ah, le Bousy, avant demain il y aura que tu pas dans le jeu. Merci, c'est sans pression, le jeu c'est notre chance d'avoir. Comme chez lui. Quoi, si je bats les bâtards. Moi je bats Bousy. Là les gars, faut que Michou. Non, faut que quelqu'un batte Bousy là pour que ça rééquilibre un peu là. Attends, mais. Si, il y a un rendez que je vais pas rouler dessus. Tu vas tous rouler dessus. Moi aussi, bah rouler. Non, y'en a aucun. Tiens, si on les bat tous les deux, on va rouler dessus. Il y a un bâtard. Bousy l'a perdu. Ok, mineur gargouille. Oh, PA, ça peut le faire. Ok, les gargouilles qui tapent la tour. Oh, PA. Il y a un monde où c'est. PA qui remonte, hein. Ouais, voilà. Oh, c'est bien joué ça! Et en vrai, il suffit d'un ballon. Tu m'en fais un ballon. Il le tente! Mais il le ballon, tente là, le problème c'est que le ballon. Attends, ça peut pas passer, ça peut pas si. Passer. Si ça touche la tour, la bombe! Oh non, ça touche. Si ça touche, ça touche. Un petit peu. Ah, ça gratte! Oh là là! Sachant qu'il a pris la tour. Ah, mais la fournaise qui gratte! La fournaise qui gratte! Ça remet le jeu à zéro en ce qui va poison. Il peut poison. Bah, il faut, il reste 30 secondes. 30 secondes. Son poison en vrai. Ok, les flèches. Les flèches. Va le faire. Allez, cochon royaux qui gratte. Oh là, faire un très gros push là. 30 secondes. Ok. Un partout. Match serré. Et là, la fournaise va être moins utile parce que PA il a accès au milieu. PA il tient. Hein. Ouais, PA qui tient contre Bousy. Mon frère, t'as jamais vu ça. Oh le ballon. Oh là là. Oh, il le tente. Ah, oh, le bûcheron, mais le bûcheron il est pas. Le bûcheron faut le mettre avant le ballon. Mais il est con ce bûcheron quoi. Oh là là, il est cochon royaux pas défendu. Les cochons. Ah, il tente la tour de roi. Domingo il tente la tour de roi avec un mineur, il a plus le temps. Il a vraiment pas le temps. Je me suis dit. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est gagné pour Bousy. GG. J'ai une petite frayeur quand même. GG. Bousy indétrônable. Bousy indétrônable. Mais là le bûcheron est indétrônable. Bousy. Le bûcheron il est n'importe quoi. Il est chaud. Heureusement qu'il est trop bien conseillé en plus. En fait on aurait pas dû. T'as bien aimé notre conseil. Bah oui c'est ça le talent. Fallait que tu mettes. Je prends ma revanche. Je prends ma revanche en live. Il m'a battu la dernière fois. Gotha. Et du coup, je prends ma revanche. Ah, tu prends c'est parti. Ta revanche, ta belle, ta je sais pas quoi. Ma belle, ouais, ma belle. C'est parti, les gars, je suis contre Gotha. A votre avis, qui va gagner ce combat? Oh, je vais tryhard. Là, s'il y a un combat que je veux gagner, c'est celui-là. Ah, ouais, mon ref. C'est parti. Allez, donne tout. Hein. Ah, vas-y, bonne chance. Et il est trop confiant, il est trop confiant contre moi. Les gars, la tête d'homme, je tryhard. Hein? Ouais, je crois. T'as combien de défaites? Deux? J'ai deux défaites. Ouais, pareil. Vous êtes ex-aequo. En ex-aequo. Là, oh ça se joue. C'est là. Un match important, ça. C'est un match important. Si je perds, je suis pas en finale. Match clé. Ouais, c'est pour un le match, podium, là. C'est un match qui peut faire passer en finale. C'est un match qui peut me faire passer en finale. Celui qui perd, c'est fini. Même Gotha peut passer en finale avec ce match. Bah, faut que Bousy perde et que moi je perde. Faut que Bousy au moins en perde. Ah oui. Non, mais, ouais. Non, mais là on joue pour l'ego. La finale, c'est mort. Non, perdu. Non, mais là, je m'en bats les couilles. La finale, c'est que Michel. Bousy, il a 5 victoires. Il me reste Bousy, en finale, let's go. Si je perds mes deux prochaines et qu'ils prennent plus de couronnes. C'est vrai. Après, là. Pour le suspense, ça serait ouf. On a eu deux couronnes. Enfin, j'ai eu deux couronnes, du coup. Moi, j'en prends une. Ouais, voilà. Il y a eu 2-1, donc c'est pas mal. C'est vrai que putain, j'ai rush le.
le roi. Je me suis dit, on y va. Ouais. C'est parti, mon gars. Il y a peut-être un monde où... Le bûcheron, il m'a fumé de rire. Ah ouais, je savais pas. Je me suis dit, pourquoi non, pas laisser. Heureusement que tu connaisses pas le combo. Plein d'espoir, le mineur. Avec la rage, on sait jamais. Là, t'as, en vrai, t'avais le combo ballon-bûcheron. Je te jure, tu gagnais. Ah, parce que ça l'avance. Tu vas aller mettre le bûcheron avant, comme ça, ça te met la rage. Et même, ballon, en fait, ta pierre tombale, si tu la mettais au milieu, tu niquais ses esprits de feu. Ces esprits de feu auraient été. Ah ouais, je suis trop con. Putain, j'ai mis ma grave gratté avec la fournaise. Je préfère ce deck-là. Incroyable. Le deck à droite, là, il est vraiment stylé. Oh, le deck à droite, je le joue tous les jours. On va pas dire c'est à qui, mais le deck à droite. Le deck à droite, il y a une carte, je crois que jamais personne a perdu avec cette carte. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour l'instant, c'est 100% de victoire. Le deck à droite, je le joue tous les jours. Selon Michou, la carte. Après, le deck à gauche, elle est pas trop. Non, 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 elle est pas. En fait, elle est pas méta. Elle coûte un peu cher. Je te jure qu'elle est pas méta. Là, il y a pas de méta. Frérot, il y a pas de méta là. C'est juste, c'est les decks qui sont voisins. Juste à haut niveau. Ouais, mais il y a quand même la méta des cartes. C'est trop cher, donc s'il fait le con, Elixir x1, il. Mais Michou, t'as combien de trophées là? T'as peut-être une place en finale là-dessus. 1100. Ah ouais. Ah tu. Ouais, Michou, vraiment, pur niveau, et normalement, il nous boit tous, hein, vraiment. T'as combien là? 6100? 6100, ouais. Ça veut dire, s'il y a un mec qui va en finale avec Michou, c'est fini, genre. Ah, ça veut rien dire. Il va gratter le prince, hein. Ou le prince qui va faire mal. Oh, Inox, il avait pas anticipé. Oh, Inox là, oh, c'est limite ça. Il prend des gros coups. Pose un golem. C'est quasiment la tour. Et après, c'est vrai qu'il a posé un golem, donc il a pris le risque de. Mais en plus, la voleuse, elle va pas être défendue. Sur... Oh, oh là là. En fait, le golem en début de game, très dangereux. Le canon. Ah oui, je l'avais pas vu. Mais le canon a fait un taf monstrueux. Ouais, vraiment. Ouais. Il a ralenti là. Bah, le golem très bien défendu. En vrai, le canon solo, il a été géré par. Enfin, il l'a géré. En vrai, ça va. Inox a pu bien gratter la tour. Il a la fournaise. C'est vrai que la fournaise, il a dit. C'est la carte Inox, de Inox, hein. Inox la colle quand t'as la fournaise. Oh, tu ne défendais pas les petits trucs, tu vois. Ouais. Je grattais comme ça. Donc c'est 200 à chaque fois. 150, 200. Ouais. Donc, ah, mais là, les esprits de feu, ils vont pas passer. Hein. Ouais. En plus, ça ralentit. Du coup, ça stack derrière. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas en les. En fait, c'est un peu, ça double tranchant. Ouais, ouais. Ouais. Comme le truc des squelettes, hein. C'est pour ça que je disais le zappi, ouais, t'as un zappi en face, genre il va mettre 1000 ans à arriver. Ouais. Bah oui. Du coup, tu peux mettre plein de trucs. Ouais. Hein. Ce dragon, c'est tellement fort. Ouais, je connaissais pas ce dragon. Oh la voleuse. Oh, électro-dragon, ah, ok, c'est bien défendu. Gota qui a encore sa position tryhard. En fait, Gota, il veut pas qu'on lise dans ses yeux, ouais. Bien ou pas. Il cache. C'est vraiment le joueur de poker, là. En plus, en disant ça, là, on l'a déstabilisé, il sait plus comment se mettre Gota. Et la one-shot. Ouais. Oh, le golem! Ça tape la tour, ah, mais le golem, mais ça tape! Oh! Le golem a poussé le prince au bon moment! Le problème, c'est que là, le golem prend cher. Ouais. Ça, et là, y'a rien qui accompagne le golem. Ça, tu peux pas le fumer vite, ça te détruit. Ah ouais, ça c'est. Le gobelin Sarbacane qui. Oh là là. Aïe aïe aïe, non, c'est bien pour le golem, mais il faut savoir le jouer! Attends, il est incroyable! C'est le MVP de la game! Ah non, il a switch la gros! Sarbacane, il est incroyable! Il est encore là, frère! Ça fait 2 minutes de coup! Je sais pas, il a mis au moins 60 coups le truc. Ok, méga chevalier plutôt bien défendu. Il y a de l'élixir, il va envoyer. Là, Inox, il sait que son seul moyen de gratter, c'est le golem et il. Attends, ça passe pas. Il y a un bon push à gauche. Et le prince qui va de l'autre côté. Prince, hein, Inox. Ah, après, Gota, il sait que s'il veut aller en finale, il faut jouer les couronnes aussi. Hein. Le prince. C'est vrai. Oh, ça va être gratté. Ça va être gratté. Ok, le gobelin Sarbacane qui prend la tour et qui. Ah non. Oh non, il est mort. Il aurait pu il a fait son taf quand même. 23 secondes, c'est, bon. Ouais, c'est le dernier. C'est un héros. Okay. C'est après, la tour à bombe qui va mourir. Hein. Du coup, le golem il va faire un tout droit. Hein. Ah, la Valkyrie qui se fait bloquer. Ouais. Le golem, s'il tape le canon, je connaissais pas, c'est trop fort aussi. Hein. Trop cher. Hein. En fait, il y a beaucoup de cartes. Oh, le golem il met des petites patates. Ouais, mais ça passera pas. Non, ça passe pas. Non, ça passe pas. Ça passe même pas. Boule de feu. Ouais, même la boule de feu ça suffira pas malheureusement. Et c'est une victoire pour Gotaga. Dommage, Inox. Un peu facile cette victoire. Bien joué. Ouh, bien joué. Pour l'ego, il était important ce match. L'ego, il fait mal là. Et Gauté, il est remonté. Hein. Bien joué. Bien joué, mec. Bien joué, bien joué. Bon, bah, non, les gars, là, il a défaite. La game. Ouais, victoire pour Gota. Le les gars, ça fait mal. Ça fait mal. GG à Gota. GG. Et bon, bah, c'est Nikov contre. Je suis dégoûté. GG trop le seum. Nikov contre Michou, les gars. On arrive sur les derniers combats. La finale se rapproche petit à petit. Je pense que ça va se jouer entre Gotaga, le Bouzeux et Nikov sur la finale ou Michou. Ça va être serré. GG. Les gars, on y est presque à la finale là. Donc, c'est les matchs décisifs. Là, c'est le combat entre les deux. Nikov, c'est sa seule solution. C'est de gagner pour espérer la finale. C'est décisif. Il me reste un combat, moi, je crois. Attends, mais. Il me reste un combat. Il me reste. Oh là là, ça trahit la place. Il y a écrit victoire là sur cette tablette. Non, je suis plus mis. Putain, j'ai trop. Ouais, excuse-moi, c'est moi, je l'ai laissé. Vas-y. C'est vrai. Ah, oh, si Fumi pour la place. Pour avoir le golem. Oh le bâtard.
Avant tu as un golem là-bas, je suis. Après là, Inox avait un golem ici. Hein. Ah c'est vrai. Ça veut absolument jouer golem quoi. C'est le mec qui veut vraiment faire le rat. En fait, c'est que s'il n'y avait pas le truc d'écho, je t'aurais laissé passer à droite et je serais parti prendre la truc à gauche et j'aurais gagné 2-1, tu vois. Ouais, ouais, c'était le plan et je me suis dit, ah, le problème c'est que s'il a pas de défense, et qu'après c'est le premier match très important. Ouais, là c'est un match, là, c'est très, important pour la finale. Celui qui gagne là, il va en finale. Pour eux, en vrai. Bah, Nikov, il devrait gagner pour la finale. Attends, les gars, sachez que celui qui gagne ce match va en finale, sûrement. Ouais. Mais il y a qui en finale de sûr là. Ouais, parce qu'en fait, si tu perds, normalement, t'as le même nombre de défaites, sauf que lui a 3-0 quelqu'un. Pas sûr. Ah ouais. Donc si celui qui gagne là va en finale. Prochain match. Oh là là. C'est contre toi, mec. En plus. Bah, quasi sûr, ouais. Quasi sûr. Ah oui, oh, bordel. C'est parti, les gars. Il nous reste tous un match. Et après, c'est perdre le match d'après. Ça veut rien dire. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu peux gagner là et perdre le match d'après. Ouais, mais, si tu gagnes ce match, il a 3 défaites. Du coup, t'as plus de chances d'être. Ouais, c'est vrai. Même si tu perds ta finale. Bonne chance. J'ai une pression. Bonne chance. Tu sais qu'il n'y a pas joué Michou encore ici. T'as ouais, je demande. T'es bien. Je sais pas. Qui a pas joué Michou? Tout le monde a joué Michou là. Moi, tout le monde, je crois. Tout le monde a joué Michou. T'as joué Michou toi? T'as pas joué Michou? J'ai pas joué Michou. C'est mon dernier match. C'est, c'est toi qui dois. Ça se joue là. Mec, faut que je l'empêche d'aller en finale. Ça se joue là. Et ça dit quoi les decks là? C'est parti. Là, c'est le moment où faut pas bégayer. Hein. Faire qui en gagnant numéro 1 entre Bouzy et Michou? Les gars, vous préférez qui gagne le tournoi? Michou ou Bouzy? Bouzy. Les gars, y a pas Bouzy. En vrai, pour l'histoire, moi je trouve que ce serait beau que ce soit classement. On mettra le classement juste après, les gars. Juste après cette game, on mettra le classement. Après, j'aurais pas tu commences en gros ta carrière sur Clash Royale, machin, etc. Tu te fais ban, tu reviens, tu repars avec les 20 000 balles. Classement maintenant. En deux secondes, est-ce qu'on peut. Ok, ils vont mettre le classement maintenant, comme ça on sait avant ce match-là. Combien ils sont chacun? Je peux pas te donner 3-0, ce serait trop. Non, t'inquiète. Oh là là, ouais. Michou, parce que j'ai un match de plus. S'il gagne, il va en finale. Attends, mais Gota, tu peux jouer la finale en vrai. Oui, Gota, il peut. Non, faut que Nikov gagne, mais que de 1-0, que je batte le bouseux. Franchement, j'ai le bouseux, je le vois, les gars. Ah oui, t'as le bouseux. Les gars, Billy. Ah, j'ai un deck, il est atroce. Sorcé au champ. C'est bon, on peut mettre le jeu. Tu pourras nous envoyer le classement pour nos Twitter. Vas-y, je l'enverrai. Enfin, juste la fin avant mon plan. Non, quoi tu veux, il y était, c'est trop tard, c'est passé. C'est fini. Tu regardes la route. Le chat, pense que c'est Bouzy qui va gagner la finale. Bah nous c'était comme prévu hein. Ouais tu vois avait... Nikov qui joue le géant comme ça, moi je l'aime bien. J'ai jamais joué encore mais ça a l'air Qu'il se fait en fait toi, t'as deux gobelins à lance derrière qui lance des lances du gobelin à lance. Et quand il meurt t'as les deux gobelins qui peuvent. Ah dans son dos ouais, il lance dans son dos ouais. Et dans son sac ça, en et fait, ensuite c'est un il pop en mode derrière par contre, quoi. Par contre je sais pas si c'est un effet placebo mais j'ai l'impression qu'il court plus vite que les autres géants. Ouais j'ai l'impression aussi. Ah bah ouais parce que oui il a moins de PV. Est-ce qu'il a quelque chose pour défendre? Oh oui. Ça coûte cher, je l'ai eu tout à l'heure. Ouais cher et ça se fait tuer. Ça va mourir. Ah quoique. Ça coûte cher, c'est pas worth. Ouais. Après, dans le triple machin, des fois ça peut être worse. Si les mecs c'est sont pas à poison. Quand le mec il est à poil niveau défense, c'est, ouais. C'est bien calé. C'est... Oh, Michou qui tente de gratter, fut gobelin. Oh, il les a mal mis. A mal... Dommage. En fait, il les a pas mal mis, c'est qu'au moment où il les a mis, bah. Et le PK. Et Nikov qui a bien pré-shot avec la bûche le barbare. PK qui peut... Oh, le zappi, je pense, c'est bien joué. Il va le fumer. Ah, il sec le barbare, il est tranquille. Ça va charger le PK. Est-ce qu'il y a un cancel en face? Je suis pas sûr. Hein. Attention, cool, si il l'armée de squelette, ça peut être très dangereux. Attends. Oh. Allez. Okay. Oh, oh, oh là, ça peut faire très très mal. Là. Du côté de Michou. Moi une là. Attends, c'est qui? On est d'accord, c'est Michou. C'est Michou en bas. C'est Michou en bas. Ça va mettre un. Michou il défend bien. Genre, à chaque fois, ses regards envers Inox. J'ai l'impression que t'es son papa. Piston. Eh, ça tape là. Ouais, l'électro sorcier il peut faire mal. Un petit peu, le petit fût. Mal un petit peu. À chaque fois, il y a le. Oh. Il pensait que ça allait pré-shot avec le fût à barbare. Ah, mais. Ouais. Tu m'auras pas comme ça, mec. Par contre, Michou gratte. Tu m'auras pas comme ça. Bon, il a quand même gratté. Nikov qui. Pour l'instant, Michou il est tranquille, hein. Il a perdu 200. En vrai, il y a juste à défendre, il gratte au fur et à mesure. Il a pas de gros temps, donc en fois 2. Ça, à chaque fois, ça se fait gérer solo. Ouais, fin de game, Michou. Il te reste un match contre qui, toi? Moi. Vous et Chouzi. Oh là là là. Ah, toi, il te reste le match, c'est exceptionnel. Si je gagne, il se passe des trucs de fou si je gagne. Ah, Billy, ouais. Ah, oui, si tu gagnes, il se passe des trucs de fou. Genre, au niveau de la finale, ça change tout. Mec, si tu gagnes, tu changes tout le déroulé du tournoi. Gagne au moins cette game. Et ta réputation aussi. Et là, ouais. Non, c'est foutu. Non, mais imagine que tu gagnes contre le bouseux qui est premier. Qui va peut-être. Ça peut te sauver, ça peut te sauver. En mode, ok, ouais. Attends. Et là, Mich, il peut faire très très mal. Mich, là, il a un petit combo, je pense. C'est chaud, un bousien, putain. Parce qu'il y a plus de boule de feu. Oh, le poison. C'est vrai, j'avais oublié. Je crois qu'il a plus d'élixir. J'avais oublié ce truc là.
On en parlait mal au trésor. Petit à petit, bah oui, c'est ça. Hein. Oh, ça gère oh, bien. Cette carte, elle est trop. Celle-là, elle est trop forte. Elle est trop chiante en plus. Hein. La carte, elle est chiquée. Elle coûte que 2. J'utilise jamais. Ça coûte 2. Elle coûte 2. De quoi? Je crois qu'elle coûte 2. L'artificielle, elle coûte 3. Gucci, merci mon ref. Ça reste quand même incroyable. Comme elle recule, tu vois, les troupes, du coup, elle peut pas la méga là, elle va se faire kite. Ah non. Bon, bah, elle va kite. Fin de l'analyse de mon côté. Oh, attends, il a lancé au moins toute la soirée, frérot. Attends, parce que Nikoff a bien joué. Il a réussi à mettre son fût. Enfin, ses gants qui ont tanké. Ouais, non, ouais, le il passera pas. Et regarde, ça gratte là-haut, hein, Michou, ça hyper gratte. Hyper bien joué là. En fait, c'est ça, c'est que Michou il gratte au fur et à mesure. Ouais, Michou, lui, son but c'est de défendre et gratter. Le deuxième but, j'aurais posé au pont, moi, direct. Oh. Et Michou il a dit, hein, son point fort c'est vraiment la. Oh, faut taper. Oh. Ah non. Attention. Par contre, attends. Attention, à gauche. Hein. Ok, Michou qui défend armé de squelette, ça fait le taf. Oh, la mamie. Oh, dommage. Non, il a tenté le move. Par contre, du coup, il a le fût. Voilà. Oh, il est trop, il est au charbon là. Il a rien pour défendre le fût. Ça. Qui va gagner ce combat? Le fût qui gratte, le fût qui gratte. Nikoff, il joue vraiment bien pour le temps de jeu quand même parce que. Ouais, il défend bien. Il s'est mis il y a 10 jours quoi. Ouais, théorie crafter. Hein. Putain. Ok, Michou qui renvoie pas son zapi du coup là. Bah, il a pas besoin, Michou, il a toutes ses tours full vie presque. Ok, je crois que c'est son dernier. Cher ça. Ça y est. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Oh, c'est un fois 3 là. Un coup de... Ouais, fois 3 d'élixir. Oh, oh. Ça tente quelque chose. Ah oui, ça met à l'opposé du zapi. Ouais. C'est malin. C'est pas cool. Mais faut défendre. Ouais, mais oui, c'est bien défendu. Oh là là. Ah ouais, mais ouais, non, mais PK. Il est en 2-2. Il peut rien faire. Et il a un deck. Eh, Michou, il est chaud. Ouais, vraiment. Mec, j'en tryhard, gros. C'est trop sale. Ah, Michou, il est en balle. Michou fait une erreur, Nikoff gagne en fait. Oh, ça gratte encore. Non mais là Michou, 350 en fait, de la tour de Nikoff. Comment tu qu'il fasse des erreurs, il a perdu quasi pas de points de vie. Ah, c'est terminé, il fait aucune erreur. Il met pas 200. Oh, le barbare est pas mal, le barbare est bien pensé, mais par contre c'est 220 peut-être. 220 truc comme ça, je sais pas. Vous dites, tu vas savoir ça, le poison. Si tu envoies un seul coup, c'est fini. Ouais, bah c'est réglé. C'est réglé. Bien joué Michou. Let's go. Elle est bien forte solide. Elle est bien forte solide sur les appuis. GG. Merci à tous les GG dans le chat. Merci à tous qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent au live. Vous pouvez pas passer. C'était impossible. J'espère vous kiffer. Et les gars, on a. Ah non, il te reste. C'est ton avant-dernier combat. Parce que là, tu joues contre Domingo Billy. J'ai vu que j'avais fût poison pour gratter. T'as déjà affronté? Moi, je vais Armed Domingo. Ah bah c'est bon. Alors c'est pas Billy Domingo là. Vous êtes trompés les gars. En fait, j'ai trop regardé ce que tu pouvais. Moi contre Billy. Ouais, bref. C'est qui contre qui là, les gars, la régie? Deux secondes de chat. C'est A contre moi. Vu que j'ai instant pris. Moi, genre c'était fini. Allô là. C'est Billy Valouz. C'est Billy le plus. On attend. On va me dire à l'oreille. J'allais que t'avais. Bon les gars, pour l'instant, selon vous, qui gagne cette finale? Moi, je pense que Bouzy. Déjà, il a sa place en finale. Michou, ça va se taper entre Michou et peut-être Gotaga qui peut remonter aussi. Il reste pas beaucoup de matchs, les gars. On est bientôt sur la fin. Désolé si ça dure un peu de temps. Ça devient un peu long, mais j'avais pas pré-shot que ça allait être autant long tous les matchs. Mais au moins, on s'affronte tous et comme ça, il y a tous les combats et il n'y a pas de jaloux. Est-ce que je peux avoir les prochains qui s'affrontent? T'avais ton deck et moi j'avais... Valouz contre Domingo, c'est parti. Okay, ah, j'avais un deck, oulala. Un win-up, c'était impossible. Ah, vous êtes jamais affronté? C'est un match de ouf en plus. Valouz contre Domingo. Je suis à Gobelin, sans ta 6ème contre 7ème. Et dès que tu mets ton Bouzy, il te reste un match. Mais je suis à Barbare pour deux matchs. Il te reste combien de matchs? Bah la GL, je reste que le barbare du coup. Vas-y, invite, ça joue là. Attends. Après, c'est que. Ouais, là, oui, il y avait trop de trucs. Hop. En fait, c'est moi le dernier. Bonne chance, frère. Bah ouais, mon gars. Le match pour l'honneur. Vraiment. Les deux victoires. Contre le bouseux. Qui va aller les chercher. Toi, t'as gagné ton premier match. Moi aussi, non, il me reste deux. Ouais. Je suis désolé. Invite deux fois de suite, je crois. En vrai, c'est trop bien. Ok, bon, bah, bonne chance, Domi. Si les gars, si c'est pas trop long pour vous, ça me fait plaisir. En vrai, j'ai envie de super. J'ai même pas envie de sortir. Je pense que ça dure deux heures. Je gagne, c'est plus long. Je me dirige, j'étais pas premier à la base. C'est trop lourd, t'inquiète, Inox. Bah, merci les gars, franchement, merci beaucoup. Un maximum de cœur dans le chat. Merci beaucoup, tous ceux qui sont à fond dans le tournoi, ça fait trop plaisir. Large, peut-être pas, mais. Valouz, PA. C'est quoi ces cartes? Je pense que c'est pas un match qui va faire une finale ou quoi, c'est juste un match tranquille là. Pour se battre sur peut-être le cash prize, si. Parce que t'en as un qui va gagner 1500, t'en as un qui va gagner 3000. Dis-nous les paliers de cash prize. Le dernier, c'est 1500. L'avant-dernier, 1500. Quand t'arrives top 6. Attends, j'ai pas compris. C'est de 6500 à. Non, c'est 1500. Il a dit c'est 1500. Le tout dernier, il gagne 1500. C'est 1500. Ok.
Le l'avant-dernier gagne 1500. Ça dégoûte mon deck. Le 6ème, le 5ème et le 4ème, ils gagnent tous 3000. Ok. Mais non, ok. Ouais. Attends, je t'avoue. Le 2ème, 5000. Et le 3ème. Et le 1er. Mec, t'es passé à le 3ème. Attends, mais top 3, tu gagnes pas que top 4, top 5. Mais non, putain. 3, tu gagnes 3000. Encore gros, faut pas gagner dans les deux dernières places. Je gagne une partie. Ah, comme top 4, top 5, après 3000. Ah, top 3, c'est 3000. Ouais, c'est bizarre. Il aurait fallu augmenter. Mais de ta poche. Ah, frérot. Top 3, il gagne 3000. J'ai écrit 27 000 sur la fiche. J'ai écrit 20 000, mais c'est 27 000. Ah, c'est 27 000. Le cash prize, ouais. Attends, Inox, y'a pas un truc pour genre un combat 3 étoiles, tout ça, y'a pas une prime ou. Non, y'a pas de prime, qu'est-ce qu'il me raconte. Mais j'avoue, t'es le seul qui a fait un 3 couronnes, hein. C'est vrai qu'il a fait Valouz un 3 en plus, hein. Ouais, le match attends. A commencé. Mais après, justement, Valouz a gagné qu'un combat. Ça veut dire que Nikov, il aura cul. Oh, le bourreau, il a tapé, hein. Bah, c'est bien. J'avoue, Valouz, t'as ruiné Gotha, alors que Gotha, il aurait pu aller en finale facilement. Non, on peut pas savoir. Bah, non, on peut pas, si tu m'expliques. Bah, si tu le battais, Valouz. Au début. Ouais, mais je te dis, c'est la première fois que j'avais une main comme celle-ci. Ouais. En gros, je pouvais rien poser. Ouais, bah voilà. Je pouvais pas cycler. Et je pouvais pas défendre avec ce que. Enfin, c'était bizarre. 3-0. Comme ça, il gagne. Et après, ça a l'attaque. Mais si, il a bien joué contre moi, Valouz. En vrai, il avait bien joué. Ouais, mais. Bah, c'est le représentant, ça, c'est le représentant d'Era qui le dit ça. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Oh là. Oh bordel, l'électro-géant chez Valouz. Le géant qui part du côté de Valouz. C'est parti. Alors que Billy, lui, il a un deck plus grattage. Ça veut dire qu'il faut qu'il défende bien. Oh, c'est un Thermal. Oh, le Thermal. Valouz qui a très bien joué. Oh, la TDE pour l'électro. Ah, il y a le golem de glace devant, c'est très bien joué. Le golem de glace, ça tank assez. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, là, l'électro géant, il va actualiser la TDE. Ouais. Ah ouais, il actualise la TDE. Bah ouais. Trop fort. Oh, la PA, ça va être très dur pour toi. L'électro géant peut faire mal. Oh, mais PA, bien gratter la tour d'en bas à gauche, les gars. Ouais, ouais, ouais. Oh mais là ça va faire mal ça. En vrai je pense que PA peut gagner. C'est dommage le. Oh, mais l'électro géant il fait trop mal regarde. Oh l'électro géant il est trop fort. Oh il va prendre la tour hein. C'est qui prend la tour là. Il prend la tour. C'est mais trop c'est... fort. Ah mais ouais. Allez hop c'est terminé ouais. Une tour en moins. Ah ça a après Billy m'a dit avant le tournoi que c'était nul cette carte en vrai. Mais en vrai non mais c'est parce que non, ouais là non, ouais. Il a pas été hyper pas facilement. Elle est contrable. Si facilement. Je sais bien les premiers matchs qu'il y a eu dans le tournoi. Le géant électro se faisait boire à tous les coups. Je sais plus qui jouait ça mais. Moi je crois que j'ai joué le. Non, j'ai pas joué. Juste si la TDE. Oui, tu as joué, t'as perdu avec si contre j'ai PA. Joué, j'ai perdu contre PA, ouais. Donc ça veut dire que PA c'est le défendre normalement. Juste PA il fait l'erreur de jouer la T2. Après des PA, fois t'as. Pas le deck, hein. Ouais, des fois dans ce mode là t'as pas les cartes qu'il faut. Hein. Mais il a eu la bonne strat donc il peut la refaire PA. Il a eu une fois, je vois pas pourquoi il pourrait pas la refaire. Mais le moulin avant volant là, on lui a donné une carrière là. Il est trop cheaté le moulin. Bien. Oh, ça va faire mal oh, ça. Les le bélier, géant, si là. Le bélier il passe. Ouh, viens jouer. Ah, le bélier très bien défendu. Même le feu à squelette là, ouais, il va pas faire mal. Le feu à squelette, les one shot par wow. Oh là là. Cette défense. Non, mais l'électro géant va Valouz, pardon. L'électro géant il va die. Valouz très fort là. Mais Valouz qui joue le temps. Et c'est pas mal. Oh, merde, je suis trop attention. Ah là, c'est compliqué pour BA. Ah, j'ai pas vu le temps. GG, c'est Valouz qui remporte ce tour. Bien joué, Valouz. J'étais en défense. Il me l'a fallé celle-là. PA, il a pas analysé le temps. Il part. Enfin, j'étais en petite défense. C'est carré. Ouais, c'est vrai. Bien joué, c'est PA, vrai, dommage. Calme. Ouais, j'étais en mode. Pour les 10 dernières temps, secondes, j'étais en défense. Et là, il y a un combat que j'ai envie de voir depuis tout à l'heure. J'ai envie qu'il sauve l'honneur. Pour sa team qui est dans le chat, j'ai envie qu'il sauve l'honneur. Il peut sauver l'honneur en tuant le meilleur player de ce tournoi. Il peut sauver son honneur, c'est Bouzy contre Billy, il peut sauver l'honneur. Bouzy est quasi sûr d'avoir sa place en finale, mais Billy peut sauver son honneur en battant le meilleur. C'est parti, let's go. Non, bah non. J'ai une revanche. Non. Mais tu sais que tu m'as battu, fais pas genre. Oh là 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 là, Billy, est-ce que Billy va avoir sa première victoire? Ça serait incroyable. C'est vrai que t'as 0 victoire. Billy, il a 0 victoire. Mec, concentre-toi, Billy, joue ta vie, s'il te plaît. Billy, c'est le moment de te racheter là. Billy, dis-toi, si tu gagnes ce match, tout le monde oubliera que t'as fait. Ouais, tout le monde oubliera. Ouais. Parce que tu seras héros, t'auras battu. D'ailleurs, je vais tout donner, je vais même pas rigoler pendant la game. Frérot, je vais lancer là. Vas-y, go. Non, faut que tu refasses. Fais deux fois. Allez là. Vrai, j'ai hâte de voir. Moi, j'ai hâte de voir le match. Ils disent quoi le chat? Ah, Billy, ils jouent plus longtemps. Ils sont à fond. Ils sont à fond là, le chat. Hein. Attends, mais s'ils gagnent, ça peut changer quelque chose au classement? Ouais. Bah, Gotha, je pense. Ouais, parce qu'en fait, je peux le battre après Bouzy, du coup. En fait, Gotha, il peut faire une remontada. C'est fini. Attends, si Bouzy perd, il y a une dinguerie pour moi, non? Non, t'as 3 défaites. Ah, merde. Ah les gars, là, ah ouais, par contre, je si peux Bouzy perd, malade, et que Gotha, bah ouais. Moi, en fait, moi ma carrière dépend de lui. Imagine. Si Billy gagne, Gotha peut aller en finale, les gars. Moi, j'aimerais trop pour le suspense. Ah, parce que Valouz, au début, tu m'as exterminé. Du coup, moi, mon tournoi, il est. Oh là là. Ah ouais, bordel. Moi, j'allais dire, si je bats un gros, ça va le mettre peut-être dans la merde. C'est ça qui déterminera tout, là. En fait, ce combat est déterminant pour Gotha.
Et déterminant pour Bouzy s'il veut pas. La team Gotaga, la team Gotaga et aussi pour la Billy aussi. La team Gotaga, faut se dire Billy. Il peut au moins avoir une victoire. Même moi, Billy, parce que j'ai envie d'être. Billy, joue ta vie là. Là, je suis pour toi, mais véritablement, mon ref. Nous sommes Billy. Regardez le deck de Billy. C'est win. Oh, c'est win. Est-ce que c'est vraiment win? La carte n'a jamais perdu. Hein? Elle a jamais perdu la carte. Si, avec elle est forte. Oh, par contre, le deck de Bougie. Si, moi j'ai perdu. Bougie, il a pris un deck qui sait jouer. Ouais. Attends, tu parles de laquelle? Mec, Valky. Ouais, bah, j'ai perdu. Et Géant Golem. Non, Valky qui a pris Golem avant. Mais même lui, il joue ça. Non, c'est t'inquiète, Billy, tout le monde a gagné. C'est parti, les gars, le combat décisif commence. Bouzy, il va savoir comment cycler. Après, Bouzy sait jouer cette carte. Mais non, mais même toutes ces cartes. Bouzy, le géant royal. Oh, il est Billy. Oh, ok. Dommage. Okay, bon en fait, là, c'est bien défendu. Le feu est mal passé, mais prochain tour. Attends, mais c'est super bien défendu. Ouais, il a géré. Très bien défendu, mais Géant Royal, c'est la carte de Bouzy. Donc, il sait ce qu'il joue. Il est en sens Bouzy, comme ça, il y a la pression. Bouzy, il n'y a aucune chance que tu perdes normalement, de toute façon. La sorcière pour défendre le golem, normalement, c'est. Oh, il est pas bien, on l'a entendu. T'inquiète, Bouzy, t'es bien là. Il commence à paniquer déjà. Le golem qui va gratter un peu. C'est bien défendu quand même. Ah, l'artificière qui l'artificière elle tient. Ah non. Elle lui a un vrai run. Ouais. La bouclier, il a mis du dégât. Le golem qui a bien mis des dégâts. De fou. Oh bordel, là ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Ouais. Mais le boulis va peut-être niquer la sorcière derrière. Et après Billy a les électrocuteurs pour le géant royal. Attention comment il va jouer. Oh, c'est bien joué. Oh, c'est bien joué. Et le boulis il va faire le taf là. Et tout à l'heure on a vu que les électrocuteurs, c'est la sorcière géant royal. Par contre il a gratté de fou avec ses dégâts. Si Billy joue bien son deck. En fait, le problème, c'est que je crois qu'il a pas de bâtiment, Billy, non? Ouais, peut-être. Pour le GR. Ouais. Oh, regardez, l'artificiaire, elle va. En vrai, si ça va en x2, moi je pense que c'est le deck de. Oh là là! Le deck de Billy en x2, il peut. Aïe aïe aïe! Ouais, bah le golem en x2 est très très fort. Oh, ça peut faire très mal là. Il peut faire quelques dégâts. Il a rien pour défendre! Est-ce que c'est pas la game de Billy? Oh bordel! Oh, est-ce que c'est la game de Billy? Oh là, ça fait mal! Normalement, la guérisseuse gagne. Non, la guérisseuse va perdre. Ah ouais? Le temps que tu fais quoi ce combat, genre. Non, parce que, les gars, tout à l'heure, elle a gagné. Une heure et demie après, parce qu'il y avait une tour qui aidait et tout aussi. Ouais, mais elle a quand même fait ça. En vrai, elle tient. Mais ouais, c'est quoi ce combat trop long? Normalement, il n'y a rien à mettre. C'était moi qui ai temporisé. Par contre, Billy domine. Ouais, Billy domine, ouais. Bah après, c'est géant. En fait, c'est ça, avec le géant royal, il peut. Sans qu'il ait relâché, il a plus de pression là. Billy met électrocuteur. Oh, c'est bien ce que c'est fini. C'est bien, avec un coup. Là, il récupère la tour. Hein. Oh bordel. En fait, depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'artificiaire qui lui fait le plus mal à. Et l'artificiaire, elle carry. Ouais, elle est forte. Elle va mourir. Ouh là, par contre. Il y a beaucoup de trucs en vie. Il y a beaucoup de trucs en vie. Oh la vache. Là, il faudrait peut-être un petit tap là. Oh là là, c'est bien joué ça. Oh bordel, c'est très bien défendu. Il a plus le barbare, il a pas de dégâts. Il a pas de dégâts. Le géant royal qui a même pas de dégâts. Billy, let's go. Billy, c'est bon. La guerre de Billy. Par contre là. Ah, c'est bon. Mais gros, mais là, c'est bon. Oh bordel. Ouais, attends, il en a 5 là. Ouais. Aïe aïe aïe. Là, une Valkyrie, c'est terrible. Ça gratte. Oh là là, les poisons bien joué. Les électrocuteurs qui font mal. Il y a le poison. Oh le poison. Attends, mais le boulis, c'est quoi cet arbre? Le boulis. Oh, ça tente un truc. Il l'a tenté. Oh, ça tente un truc. Deuxième tour. Et là, il faut. Oh, la deuxième tour. Oh, la deuxième tour. Oh, la deuxième tour. Mais wesh. Non. Oh, la deuxième tour. Oh là 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 là. Oh, Billy. Mais attends, il a sauvé l'honneur. Il a sauvé l'honneur. Wow. Alors que Bouddhia a son géant royal. Ça c'était c'est magnifique. Wow. C'est le genre de retournement incroyable. Attends, mais Bouddhia a battu le premier ça. Ouais. J'adore. Et il m'a plié peut-être ma place en finale. Ah mec là. Ouais. Non. Les 10 000 euros. Tu la joueras après ta place en finale. Les 10 000 euros. Ok, bien joué en vrai. Et moi c'est super. J'ai pu battre le deuxième. C'est le destin. Mais tu sais que t'as remis le tournoi en jeu là. Attends, mais où est le champion de la finale? Attends, mais là. Je suis désolé pour. Je suis obligé de battre Gotha à cause de toi. Et moi les gars, c'est mon dernier combat du tournoi, peut-être, sauf si je vais en finale. Et c'est contre Michou. Et Michou, Gotha, toi contre moi. C'est nous deux. Ouais. Au moins, ouais, non, c'est moi qui si je gagne. Contre Michou, je sais pas si je peux aller en finale, mais ah je sais pas. Mais j'ai envie de te gagner pour l'ego. Sache que là, je joue ma place en finale sur ce combat. Ah ouais. Bah en fait, si je te bats, je suis obligé en finale. Si je perds et que Gotha bat Bouzy, on aura tous deux défaites et ça va jouer aux couronnes. Ouais. Donc ça va être serré. Si je perds, je passe en finale. Si je gagne, les gars, faut que je fasse perdre Michou. Les gars, c'est parti, le choc. Let's go, vas-y. Tu vas là-bas, tu vas là-bas, ok. Vas-y. C'était bien qu'ils te prennent pas à deuxième tour. Ouh. Ouais, c'est pas. Allez, les gars, faites vos pronostics dans le chat. Je suis content de faire ce combat. Oh là là, moi aussi. Michou aussi. Il peut être en danger. Let's go. S'il le perd, t'as gagné 2-0. Il peut être en danger aussi. T'as la demande, Michou ou pas? Non.
Michou, il peut être en danger. Hein. Il y aura égalité en fait. Allez, faut que je gagne, il faut que je gagne. Non, il n'y aura pas d'égalité en fait. Bah, non, non, non. Tu vas mettre Bouzy Gotha. On verra voir. Ouais, je crois. Tu me bats, il y a égalité entre toi et moi. C'est Golden Rage. Avec classement, on sait pas. Du coup, vous allez en finale tous les deux. C'est un trophée. Non, il y a Michou aussi. Et là, faut voir si Michou y perd. Ah, j'avoue. Ah ouais, putain. En vrai, les derniers matchs, il y a le tournoi. Bien joué, Billy. Tu relances le tournoi. J'avais 5000 balles d'assuré, wesh. Il a relancé le tournoi en un match. Ah, je suis désolé, vous y mais les 20 000 balles, c'est pas pour toi. Gamin. C'est concentré là, des deux côtés. Le golem, c'est quelque chose, hein, putain. Oh, par contre, à droite, il y a un deck. Ah oui, je suis pas fan à droite. Ouais, je suis pas fan. Ah ouais, moi c'est le deck que je joue pas bien. Mais... En fait, le MK c'est pété comme ça. Pas joué. Je sais pas, mais à gauche, en fait, c'est un bonne chance. Mais c'est que c'est Michou qui joue. Bah, à gauche c'est très aérien et à droite très terrestre. Donc. Oh, Michou, attends, il a un deck ballon zappi. Vu que lui. Voilà, régie. On n'a pas de retour, la régie. Est-ce qu'on peut passer sur le full? Ah oui. Deux. Attends, mais du coup, là, les deux bâtiments ils s'annulent en fait. Ouais. Ça se regarde. Ça va gratter un petit peu. Okay. Petit mineur, Zappi en face. En vrai, ce mineur, il est rentabilisé là. Ouais, mais là, c'est bien pour le Zappi parce que tu sais, il avance pas tout de suite. Donc, il y a le temps d'économiser de l'élixir. Ouais, exactement. Et il y a plus la fournaise aussi pour le Zappi. Oh, mais c'est pas mal. Ouh, oh là là, ça peut faire très mal. Ça peut faire paniquer. Ah, le ballon, il va connecter. Ah, hein, non. Mais non, me dis pas qu'il est au clean le truc à 4. Non, il a touché. Ouais, mais il clean des deux. Il a deux côtés. Rentabilisé. On va mettre un coup. Oh. Oh. Normalement, le Zappi, t'as pas là. Non, il fait. Mais par contre, non. Mais non, tu lui as donné Inox. Oh là là, Inox. Là, il lui a donné. Eh, c'est pas grave, c'est pas grave. Il a donné 5 d'Inox, respire. C'est pas grave, t'as juste donné 5 d'élixir, mon ref. Il est dégoûté. 4, pardon. 4. Eh, Michou, il a grosse. Du coup, Michou, il va gratter la tour. Inox. Oh là 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 là. Je me reconcentre. Vous êtes pour Inox là? Bah oui. Bah quand même. Hein. Ah, t'es le bon. Nous on veut du suspense. Ça nous laisse plus de chance après. Ok, ça va gratter à droite. Oh la guérisseuse. Attends, ça heal la tour? Ah non. Si ça heal la tour, c'était n'importe quoi. Ah non, j'aurais appris un truc. Attention. Je me posais la question s'il allait sortir le ballon à droite. Nickel, hein, le Zappi il est bien géré là. Ouais, vraiment, les gros sorciers ils le. Que ça peut. De quoi? La guérisseuse contre la tour toute seule. Oui, bah, elle fait mal. Attends, mais regarde là. Mais frérot, cette carte c'est quelque chose, hein. Mais attends, mais. Elle va taper. Ouais. Ah, mais attention. Je crois qu'elle se heal pas quand elle tape aucune unité, je crois. Oui, c'est ça. Bon, faut qu'elle tape en fait. Mais du coup, si elle arrive à. Oh le bâtard! Oh le gel lit. Oh là là. Y'a rien pour défendre. Oh, il est terrible. Oh là là, c'est la tour là. C'est la tour! Après, il a niqué beaucoup d'élixir. Hein. Ouais. Ah, le rose. Ouais. Petite contre-attaque. Ah. Ouais, là, faut qu'il mise sous la contre-attaque. Mais la tempo. Mais en fait, la guérison est bien. Non, mais regarde tout ce qu'il a, Inox. Il a le mineur, ça connecte là-bas, boule de feu. Mais là, bien, nice. Oh. Attention, il récupère normalement. Hey, Inox, propre, hein. Oh. Il la récupère. Que j'avoue que Michou, généralement, il défend de fou, ouais. Il perd peu de tours et tout. Ballon gel, c'est ça. Inox, calme-toi, dis-toi, t'es devant là pour l'instant. Il a l'avantage là, Inox. Non, mais ballon gel, ça peut faire la différence. Ça prend 9 même. Ouais. Enfin, un move, il peut choper. Inox est devant. Et j'avoue qu'Inox est passé devant et s'il défend bien, il peut gratter avec le mineur. Hein. Ouais, mais. Oula, ça joue à gros. Hein. Oh, aïe aïe aïe. Ouh, il prend la même. Oh non, il a loupé son gel. Oh, ça touche quand même. Ça touche quand même. C'est rien, une fois, c'est rien. C'est trop mal. Oh. Allez Inox. Ah, par contre là, par contre, ouais, y a un bus qui arrive quand même. Il y a le bus qui arrive, le bouliste, ça va être incroyable là. Le bouliste. Attention, le ça ballon. Peut faire la diff. Hein. Voilà bien. La fournaisse, la guérisseuse qui va tempo, ça tempo pas grossissime. Il défend super bien, Michel. Quand ça tabasse, c'est n'importe. Mais quoi? Mais attends, mais la vie. Attends, il défend bien, mais. Ouais, la princesse derrière, c'est chaud quand même. Hein. Non, le MK qui prend l'aggro de la tour au milieu. Oh dommage. Ouais, mais du coup, il aurait été à droite. La fournaise, regarde, elle passe tranquille. Ah oui, ça a mis quelques dégâts, j'avoue. Oui. Attends, mais Inox, c'est pas dégueu, hein. Non, c'est chaud, la fournaise, ça va faire chier le Zappi. Son méga chevalier, vous voyez, il a niqué la tour. Ça lui coûte la game que ça ait pris la tour. S'il met la pression. Ouais, parce qu'il aurait gagné. Ouais, ouais. Il y a une boule de feu. Bah là, il prépare le truc, hein. Bah là, il y a le ballon qui va arriver. Là, il prépare la classique, sauf que est-ce que Inox va pouvoir faire assez de dégâts pendant ce temps? Le ballon est là. Est-ce qu'il peut être géré? Le ballon est là, Zel. C'est géré? Oh, c'est géré! C'est géré. Et ça repart avec un MK? C'est maintenant. C'est win ou pas? Oh là là, Michou! Ça peut être win! C'est maintenant. Mal, hein. Le MK qui saute.
Il va se faire toucher, mais il peut tanker deux coups de. Rien, il est là pour tanker. Le mineur. La guérisseuse qui essaye de temporiser aussi. La boule de feu. Bah, tu pars là, fais 207. Oh non, la bûche. Oui. Let's go. Quel tournoi, n'importe quoi. Oh là là, c'était chaud. Bien joué. En fait, j'ai été insolent. Parce qu'en fait, au moment de choisir mon deck, moi je sais pas trop jouer ballon. Ouais. Mais j'ai vu ballon et je me suis dit, hier tu m'as cassé les couilles avec le ballon, il faut que je te la mette. Ma fournaise, elle a carré le ballon. Ouais, je pense. En plus, t'avais fait des erreurs, mais j'ai mal défendu. Franchement, j'ai Let's go, les gars, c'est gagné. Bien joué, Mich. Ah, ça fait mal là. Il reste combien de matchs? Il reste 3 matchs avant la grande finale dans le chat. J'espère que le live vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche, mettre les petits pouces bleus, ça fait plaisir. Et avant la finale, j'ai des petits cadeaux pour vous. Donc voilà, patientez un petit peu. Il reste 3 matchs, je vous balancerai 15 codes Clash Royale pour gagner des gemmes. On balance ça juste après les 3 matchs. Bonne chance pour le prochain match. C'est qui le prochain match? Ah, on peut avoir le classement. Il reste qui? Non, pire, on prend pas le classement. Gotaga contre le Bouzeux. On regarde pas le classement avant la finale. On fait pas la fin. En vrai, il reste un match décisif, non? Ouais, il y en a un des deux. Ah, c'est match décisif? Bah, Valouz Billy alors. On commence par Valouz. Ah, oui, bon, d'accord. C'est l'entrée. Et on fera le match décisif pour la finale après. Pour le show, quoi. Bah, c'est 1500 balles quand même, peut-être. C'est vrai. C'est vrai. Bien joué, Michel. Mais qui le dit? Putain, j'ai bien joué. Bon, Billy, non, moi, en fait, ils ont tous les. Frérot, deux. Ah, je vais pas te donner deuxième victoire. Soit c'est eux deux, soit c'est Gotha. Tu mets ballon gel. Le retour, mec. Nous, après, on joue pour rien. Il fait mal. Tu vas faire un retour, j'étais mort. Mais c'est peut-être la finale, tu vois. Par contre, là, si la boule de feu bouche, niquez pas ma tour, t'étais fou. Ouais, j'étais fou. Deux victoires, y'a pas moyen. Y'a un monde où tu passes. GG, merci. Merci beaucoup, le chat. Le live est incroyable. Ça me fait trop plaisir, les gars. Ça me fait trop plaisir. Ouais, c'est trop tard. Là, les gars, y'a tellement de retournements de situation qu'on sait pas qui va aller en finale. Là, on sait pas. Y'a trois candidats pour la finale. Moi, Bouzi, Gotaga. Ouais. Si Gotha gagne son match, c'est forcément moi et Bouzi. Non, si Gotha perd son match, c'est forcément moi et Bouzi. Si Gotha gagne son match, ça va se jouer au nombre de couronnes. Ouais, c'est très très dur. Ah, mais en fait, le goal average, il est bizarre. Parce que par exemple, là, tu vois, contre Inox, tu perds 2-1. Donc c'est pas tu perds, t'es en moins 1. C'est genre, tu as gagné une couronne. Ouais, j'ai gagné une couronne, mais j'ai pris une défaite. Ouais, bien sûr, mais du coup. Mais du coup, la couronne me met bien. Ouais. Comment on a les codes? Les gars, c'est avant la finale, je vous dirai comment avoir les codes. Patientez un petit peu. Y a des codes, c'est quoi? J'ai 15 codes pour ceux qui veulent des gemmes. C'est vrai que j'ai un deck complètement what the fuck. Hein? Mon deck, c'est trop bien le live. Merci beaucoup, les gars. Okay. On est presque à la fin, il reste 3 combats avant la grande finale. Ou et Bouzi, j'ai le 3Z. BO3 avec son propre deck. Et Bouzi, j'ai le 3Z de toute façon. Donc, c'est le. Il reste 2 matchs avec celui-là, le chat. J'espère que vous passez un bon moment. C'est parti. Allez, vous êtes ça encore, te regarde. Vous êtes encore sur oh, la basson de regard. Merci d'être autant sur le live, les gars. Ça fait trop plaisir. On a Billy en haut, Valouz en bas. On a enfin les deux noms qui sont bons. Ouais. Bisous. Là, ça économise, les gars. Faut y aller. Hein. C'est enfin le vrai combat. Le spectacle pour la fin, ça régale. Il y a un vrai spectacle. Voilà. Franchement, il y a du content. Oh là 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 là. Le divertissement allez, est au maximum. Pose. Billy, ta deuxième victoire peut-être réciproquement. Eh, Billy, il peut. Billy, revenu des enfers. Les gars, j'ai pas du tout regardé les decks. Billy, j'avoue, j'ai pas du tout regardé non plus. Il peut passer devant s'il gagne. Je voulais pas jouer, vas-y, tiens. Billy, fais-nous rêver. Oh, le ballon, le ba. Bouli. Oula. Ouf, c'est un appui très agressif là. Ouais. En fait, c'est pas des codes, le chat. Valouz, attends, pêche. C'est pas des codes exactement, mais vous me donnerez votre compte et je vous. Ok. C'est bien tempo en vrai. Oh non, putain. Ah, les deux squelettes qui vont saouler. Oh, mais à droite, en vrai, ça va faire mal. Hein. Ça va. Oh la Valkyrie. Ouais. À droite, ça va faire mal. À droite, ça va faire beaucoup trop mal. À droite, non, ah, mais à droite, le sorcier. Le sorcier couvert sorcier par le sorcier. Tabasse, hein. Ouais, sorcier tabasse. Hein. Oh, oh, sorcier tabasse. Oh, bordel. Ouais, sorcier, ouais, là, ça fait mal pour Valouz. C'est la première fois qu'on prend un sorcier. Hein. Non, mais là, si Billy regagne, les gars. Les cochons en plus derrière. Oh, mais ça, c'est. Ok, la pierre tombale, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Ça vaut le coup ou pas les cochons pour toi? La bûche, pas trop bon endroit. Eh, tu m'as fait mal, hein? Oh là là, très très mal. Billy solide sur ce combat. Si, il a un poison, une boule de feu. C'est pas Valouz, il a gratté à gauche à nouveau. Ce n'est pas des codes, je vous dirai. Après, Billy, normalement, il a des très bonnes cartes défensives. Billy, là, il est très bien. Il m'a fait très mal. Ouais. Oh merde. Aïe 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 aïe. Oh, le bon foudre! Oh, le bon foudre! Attends, mais Billy, tu t'es réveillé! Ah, ça prend, Billy, il est bouillant en fait! C'est oh là là! Oh là là, mais Billy! Il reste le zap. Ok, le bon zap!
Valouz qui va peut-être chercher une tour aussi. Sachant hein, que Billy n'a pas de bâtiment pour défendre le géant royal. Ouais, Valouz qui va aussi chercher la tour. C'est égalité. On va rentrer derrière les bouts. Ok, les cochons. Oh non. Oh, bien joué ça, l'électro-zap, je pense. Zap, oh, les Valouz à chaque attaque, il mal, prend assez cher, quoi. Ça qui est chaud. En fait, ouais, il a rien pour défendre. A votre avis, qui gagne ce match? Oh, la Valkyrie, c'est même bien. Il a la Valkyrie ici. Ramené sur la tour. Ouais, le pêcheur, faut le jouer plus loin, je pense, Val. Oh là, l'expert du pêcheur qui parle. C'est vrai que c'est vraiment l'expert du pêcheur. Mais du coup, là, le géant royal va pouvoir pas mal gratter parce qu'il a pas de bâtiment. Ouais. Après, ah, j'ai pas c'est bien défendu. C'est 1000, hein, mais c'est pas si ouf. Hein, c'est pas si ouf. Ils sont, là, ils sont à égalité. Hein. Pourquoi ils jouent pas dans les corners? Oh, le cochon, le cochon. Ils sont vraiment à égalité, là. Il a mis la tombstone, il va mettre les cochons. Ouais, comme ça, il est oh, la Valkyrie pour tanker les squelettes, c'est très bien joué. Ouais, du coup, Théma à droite. En vrai, à droite, il n'y a pas de souci à se faire. Les cochons ont un peu gratté. Et là, il y a la machine volante qui peut, ouais, qui aggro la tour. La machine volante ça va faire très mal. Mal. La machine volante fait très mal. Okay. Il revient avec royal. Le géant royal. Ah, mais le bouliste, hein. Est-ce qu'il va il a pas le zap. Il a pas le zap, le géant royal. Ça s'est fait bloquer. Il est caché. Oh l'erreur. Ouais, il met un zappi en plus qui va crever. Le zappi qui est au milieu. Là. Valouz vient de remonter. Tu me mets la pression, gros. Du coup, c'est trop tard. Il pourra pas. Là, en vrai, c'est dur de remonter. Il a pas assez de choses. C'est chaud. Billy, encore une victoire. Billy, encore une victoire. Oh, ça fait trop mal. Le moulin. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé, les amis. Il s'est réveillé. Bien joué, Billy. Le retour. Billy Wheeler, bravo, le retour. Ah bravo gros. Bien joué ça. Ah, y a, tu m'as fait paniquer à la fin. Non c'est moi. Gros j'avais un combi. Combi c'est la salle. Ouais c'est la muscu. Bon bah bien joué Val. Jamais t'es chaud. Est-ce qu'à l'oreillette on peut savoir qui sont les prochains? Val t'as deux victoires comme moi. Comme toi. Est-ce qu'on peut savoir qui sont les prochains? Les BG ça sert à rien de mettre votre compte Clash Royale. Ça c'est pas tout de suite. Ok, Gotaga et le Bouzeux, c'est à vous. Les gars, après cette game, je vous dirai comment gagner les gemmes. Hein? Ah oui, la game qui sert à rien. Game qui sert à rien. Nikov, BA. Et après, c'est la dernière game avant la finale qui définira la finale. Il reste deux parties sur ce tournoi qui touche bientôt à sa fin. Un tournoi Clash Royale hashtag c'est quoi ce bordel dans un mois. Mais de fou. Est-ce que dans un mois frérot, vous voulez le retour de fou, de fou, il y aura pas tout le même niveau. Tout le monde tryhard et enfin hashtag 2. Tout le monde tryhard, on fait un combat hashtag 2. Non mais vraiment les gars, c'est sérieux, vous voulez une deuxième édition. Moi je suis chaud aussi dans moi. Et ce live. En tout cas moi ça me fait trop plaisir que vous soyez autant et que vous kiffez et que vous soyez à fond dans le chat. Et si on refait un édition 2, le cash prize sera minimum du double. Allez hop, c'est dit. Moi c'est annoncé. Et j'irai trop le seum. Le truc à 4 qui vole. Golem. Les petits trucs qui zappent, les trois trucs là. On peut faire un combo pour que Michou soit éliminé là. Si je gagne pas, je suis dernier là. Genre 2-1. Mais ouais, c'est de la triche les gars. Attends, la finale c'est pas de triche. En plus, en deck organisé, tu préfères pas m'affronter moi que lui. Tu peux pas. C'est de la triche. C'est l'avant-dernier combat avant la finale. C'est tout le monde veut voir ce spectacle. On fait un dernier. Quand je dis le mot spaghetti, c'est que je pêche à gauche, tu la pêches à droite. Il va lâcher un spaghetti. La finale c'est pas déjà vous deux? Bah non. Non, non, c'est, là pour l'instant c'est eux, faut que je batte le Bouzeux. Billy, là, pour qu'après on sache pas. 3000 balles, il s'est réveillé. C'est pour ça, c'est pour ça. Ouais, c'est Billy, il a entendu. J'avoue. En plus, je peux passer devant, hein, parce que je pense que t'as plus de tours que moi. Donc je pense que tu m'as. Là, c'est l'avant-dernier combat. Hein. Bah, t'imagines, c'était pas dernier. Il y a deux victoires. Ouais, ah, bah, il y a deux victoires, j'ai deux victoires, mais je crois qu'il y a plus de points. C'est honteux si je suis pas dernier. Je pense que pour Nikov, le match il est décisif. Non? Non. Non, Nikov, il a 3 défaites depuis. 3 défaites? Par contre, là, les deux et là, PA, en vrai de vrai. Et là, je trouve que les deux decks se valent. En, en vrai de vrai, si PA gagne, je pense que je passe dernier. C'est quoi l'avérage? On sait pas. Il y a que toi qui peux savoir. Ah, ouais, pas. Ouais. Moi, je sais pas. Oh, PA, parce que je pense qu'il y a plus de tours que moi. Tu es dernier, gros. C'est logique. Si tu gagnes, je pense que je suis dernier à l'heure actuelle. Le dernier. Mais si tu gagnes, tu passes. T'es pas dernier là. T'as deux victoires, j'en ai qu'une. Ouais, mais si tu gagnes. Ouais, c'est moi le dernier là, à l'heure actuelle. Gros, c'est incroyable. Je kiffe le live. Bah, merci, mon ref. Billy joue à l'aide de ses connaissances. Pourtant, il est censé en avoir. Ouais, non, mais je me suis réveillé à la fin, malheureusement. Ouais, parce qu'à chaque fois, en plus, on lui pose des questions. On pose des questions, c'est lui qui répond à toutes ouais. les questions. Ah, il est bon, hein, mais il s'est réveillé à la fin, il a entendu 3000. Mais je crois que je suis comme un coach de foot. Je sais pas jouer, je suis comme un entraîneur, je sais pas jouer au foot. Mais tu sais conseiller. Ouais. Ok, le match est parti. Attention, comment ça va défendre le côté. Ça la tour pour taper. Ça peut, ouais. Si ça s'active devant la tour, ça fait des dégâts tarlés ouf. Ok, très bien défendu en haut. Ah, ça coûte ça. Et en bas aussi, hein. Ça stade pour l'instant. Oh la meuf à 3, faut que je la joue maintenant, ça y est. Et l'artificière en... Non, l'artificière moi aussi je vais la jouer. C'est trop chaud. C'est vrai que le fait qu'elle recule c'est vraiment trop fort. Hein. Franchement, Supercell il devrait la nerf. Je sais pas s'il nerf des cartes dans le jeu. Si, ouais, ouais. Si, c'est sûr. Tout, à chaque. En vrai elle est squishy. Donc on fasse le beau jeu. Elle est squishy, mais wow. Il est mort.
tous le les mois jeu. Ils font un nerf. Oh le golem au pont. Prêt, hein. Le golem au pont en première minute. Wow. Ah, le sorcier ça va pas suffire malheureusement. Mais le golem va faire mal hein. Ouais, il va faire des dégâts. Après il va le séisme ça suffira pas pour défendre le golem. À gauche il récupère la tour. Aïe. Il a tenté le placement à la Gotha. C'est pas passé. Il m'a menti. Ça marche pas. Mais il a la tour de droite quand même les gars. Si si mais tu l'as mis un peu tard mon ref. Ok un partout je pense. Mais ça s'arrête jamais cette merde là. Attends mais c'est un truc. Le golem est con. Mais il est là depuis 15 minutes. Il est vraiment fumé ce perso. Ok bon bah bien joué pour le golaverage les gars. Ouais ils se sont donné une couronne chacun là. Ouais free couronne. Qui va prendre la tour. Vas-y maintenant à votre avis qui repart gagnant de ce combat dans le chat là. Allez Nikov. Putain la game s'est remis à zéro. Ouais c'est ça. Mais en vrai, c'est ouf qu'à droite il ait dû mettre un combo pour prendre la tour, alors qu'à gauche, juste oh un électro-géant. Oh là, là, ça le prépare. Là, et ça va chercher le 3 couronnes. Ça va chercher le 3 couronnes. Attends, ouais, ça va chercher le 3. Il y en a que un de 3 couronnes ce soir. Ah, ça va chercher 3 couronnes. Hein. Ouais. Qui se met bien c'est Nikov. Nikov. Hein. Ouais. Nikov il va chercher les couronnes. Va-t-il tenter le double 3 couronnes, Nikov? Ah, il veut les 3 couronnes. Il peut en finale s'il y a une égalité. Non, il a 3 défaites. Ah ouais, c'est mort pour lui alors. Putain, toi, tu pas. Si je perds contre le bouseux, bah du coup, avec ses 3 couronnes, il passe devant moi. Ah ouais, c'est le taf. Bah oui, mais devant moi en mode 3. J'avoue. Ouais mais là le golem est bien défendu je pense. Ouais le golem est plutôt bien défendu, l'électro géant il est même pas encore au pont qui va déjà mourir. Par contre j'ai pas compris le géant à gauche. J'avoue, ouais moi aussi j'ai pas compris. Pas ouf. Ouais le golem il y a une vraie armée qui arrive là. J'ai pas compris. Le golem de glace. Je sais pas. Il a balancé le golem comme dans ça. Dans un mois. Oh le golem. Le golem corner bordel. Nikov il a la dalle. Et PA il joue le golem de manière trop agressive. Mais pourquoi il le pose pas au pont l'électro géant? Parce que je dois def non. Là l'électro géant un peu défensif. Voilà PA en fin de. Ouais PA ça va être dur là. J'avoue que c'est un peu défendu. Ouais, là, ça y est. Hein. Ouais. Le golem, il tape trop fort. Il y a le boulis qui tape aussi, c'est fini. Aïe. C'est la victoire. Allez, gros cailloux. Oh, la louche. Bien joué, Nico. Bien joué, GG. C'est l'homme avec le plus de couronnes, il me semble. Ouais. Oh là là, les gars. Le live touche bientôt à sa fin. On y est presque. Bien joué, les gars. Mais là, c'est un peu la demi-finale. C'est un peu une demi-finale. Là, c'est le match pour la finale, mais c'est pas une finale parce que ça va se jouer pour savoir le classement. On ne regarde pas le classement. On verra à la fin de ce dernier combat. Mais c'est le bouseux Gotha. Si Gotha bat le bouseux, il a peut-être sa place en finale. Maintenant, Bouzy, est-ce qu'il va battre Gotaga et assurer sa place en finale? Là, il y en a un des deux qui va partir en finale, je pense. Que le meilleur gagne. Dans le chat, vous êtes Team Key. C'est parti. Allez Bouzy. Dernier match de ce live. Allez Gotha. Ma place en finale est entre tes mains Bouzy. Les gars c'est un match important. Pour moi par intérêt. Je suis quand même pour toi. Non mais d'accord. Ouais c'est pour toi par intérêt. Coton, allez. Les gars c'est un match très important pour la finale du tournoi. Gotha Gao ou Bouzy qui se retrouve en finale. Les gars pour une fois que la team Couton ils peuvent gagner quelque chose. Ah je suis pour Gotha fort. Allez let's go là. Ah non je suis pour le Bouzy pardon. Non mon PA pourquoi mais je suis fier de toi t'as bien joué. Ah non mais je suis très chaud pour la deuxième édition hein, parce que gros dédicace à ta meuf Marion mon ref. Mais j'avoue s'entraîner et tout ça peut être stylé. Ah suis. Ah la guérisseuse aurait carré. Non mais il prend des cartes qu'il connaît aussi. Mais c'est la guérisseuse ouais. Juste tu la poses elle fait le café. Ah putain. Aïe aïe aïe. Il l'a. À gauche à gauche. À la foutre. À gauche. Fort la foutre. À gauche la foutre. Michou il veut vraiment pas que Gotha gagne. Hein. Après, s'il prend Gotha, toutes ses heures d'entraînement. S'il prend un gros tank. Le bouseux gagne un tournoi en venant en pyjama. Oh, attention, la carte de deux ambiances. Est-ce qu'il y en a besoin? Ah, j'aurais pris. Ça dit pas dans le chat, c'est pour qui? Allez, Coco, allez, Coco. Ah oui, il y a deux patates. Allez, Coco. Allez, Jean, j'ai envie de prendre l'arbre de Gotha. Allez, Bouzy. L'électro-dragon. Allez, Bouzy, Team Bouzy. Ça va être très compliqué. C'est mitigé. Bouzy, c'est dur là, non? C'est Gotha. Frérot, cimetière. Gotha. Si Gotha prend cimetière. Ça ne veut rien dire. Le cimetière, c'est. Mais non, mes frères, c'est pas jouable. Le produit. Concentre-toi. T'inquiète, moi, c'est pas mieux. Et il a rien pour push. Concentre-toi, Gotha. Ah putain. Oh là là. Parce que du coup, là. Gotha est très bien. J'aurais pris Bouzy, non? Non. Putain, les deux matchs les plus importants, j'ai des decks de mort. Là, la situation, c'est. S'il fait prince cimetière au bon moment. En vrai, tu peux tenter un bon move. Ouais, mais donnez-lui pas les. C'est bon, il sait jouer. Allez, Bouzy. Là, en gros, si jamais Bouzy gagne, c'est Michoubi ou Bouzy en finale. Si jamais. Enfin, si Gotha gagne. On sait pas. On sait pas, ça entre nous trois. Ça sera ça serait beau. Mais ça date, on a pas le prince, frérot. Le prince. Il m'a fait peur. Ouais, moi aussi.
Ok. Il va falloir défendre des deux côtés. Bon, c'est un début de combat, ça tâte le terrain. Oh non, mais c'est bien le... Ok, c'est tour de droite, elle est terminée. C'est plus que tâter le terrain, là. Bien joué. Oh bordel. Il aurait dû garder le prince pour le coup. Oh, l'électro-dragon qui est mort. Mais je pense qu'il voulait virer la carte, il avait trop de cartes. Ah, il l'a pas dans son... Ok. Non, je pense pas. Si elle met un dégât... Vous y êtes pas si mal. Oh, attends. Ah. Oh, pour déclencher la tour du roi, c'est très bien. C'est un move de pro là. Il a dit que c'était fait exprès. Ouais. Mais c'est quoi ça? C'est une tire en défense. En vrai, jamais pour se défendre. Oh, le move de Bouzy. C'est une tire en défense. Gotha plutôt. Ah bah après, en quoi que... Le cimetière défense, ouais, mais incroyable. Ouais, j'ai rien pour défendre, frère. Défendre différemment, je pense. Surtout que la Bouzy, il sait qu'il y a un cimetière en face. Ouais, ouais, en fait, il nique l'effet de surprise. Mais ouais, voilà. C'est pas top, en vrai. Qui sommes-nous pour juger? Cimetière en effet de surprise, ça fait très mal. Je suis avant-dernier, je peux rien dire. La tour du roi, elle va faire trop, trop mal. Ok, la machine volante est bien défendue, un peu trop défendue. Mais surtout qu'il a même pas de gros tank. Hein? Genre en plus il y a la tour du roi, c'est... Mais ouais. il a un seul combo, faut vraiment qu'il le mette. Ah j'avoue, il y a la tour du roi pour le cimetière. Non mais là il y a la tour du roi pour le cimetière surtout, c'est chaud. Ah ouais, oui j'avoue. Là, Gotha tu gagnes, je te suce. Ouais. Ah il va jamais. Dis pas mettre... ça frérot. Oh bordel. Oh là là là, il y a un double push des deux côtés. Oh le sorcier. Oh le sorcier qui va faire très mal. Va faire le taf. Oh là 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 là. Main sur le front de Gotha. Mais ça il l'a toujours, ça il l'a. Ah non là, allez sur le front. Non là, il a compris que ça évolue. Ok, petite armée de squelettes. T'as Bouzy a un bon deck là. Ouais, mais ce dragon. En soi pas tellement. En fait, Bouzy joue des cartes qu'il connaît très bien. Ah, je suis pas sûr. Bah si. Les recrues royales. Mais il les joue plus tout à l'heure. Ah ouais, ouais. Le truc c'est qu'il y a un tank. Non, oh le cimetière, pas. Le cimetière mais tout seul. Attends. En fait, tenté, hein. Gotha, ça se voit qu'il sait pas jouer le cimetière malheureusement. Le cimetière qui est là juste pour faire plaisir. Gotha ouais ouais. Ouais Gotha ça se voit, le cimetière c'est mais pas ta carte. Fait une vraie win condition ouais. Gotha il a trop le seum. Oh là là, la machine volante qui gratte. Après le problème de Bouzy là c'est qu'il a bien gratté. Frérot, gratte continue, tu peux y arriver. Là, le problème, c'est que Bouzy. Utilise-le avec le prince, s'il te plaît. Bouzy, il sait pas. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a la tour du roi. Ouais, là. Tour du roi, les mecs. Oh, là, il y a un push qui arrive. En fait, la tour du roi. Il y a le push des deux côtés. En plus, la Gotha, il sait pas. Ça fait trop mal à gauche. Comment ça arrive en masse? Oh là, ça va retomber là. On est d'accord. C'est bien défendu, ça. Oh, le sort de foudre. Avec la machine volante qui prend l'aggro sur la tour. Très cher. Oh. Attends, ça. Frérot, t'as un combo. Ça meurt des flèches, la machine. Oh bordel, le prince. Non, il est là. Il est là. Le combo. Oh, le combo. Prince, cimetière, okay. Malheureusement, ça coûte trop cher pour aider le prince. Attends, ça veut rien dire, hein. Oh non. Ah si, c'est pas passé. Non. Ouais, non, là, la tour du roi, elle carry trop en fait. Ouais, attends, par contre, ça stack les princesses là. La tour du roi, et c'est reparti. En fait, le move d'activer la tour du roi, sachant qu'il a le cimetière, c'est gagné. T'as deux artificiers, c'est bénef, hein. Il n'arrive pas. J'avoue que ça gère bien les gardes. Ouais, il faut plus elle a un petit sort de foudre. Ah, les gardes, elles sont fait. Ils sont fait gérer. Tu peux remonter, c'est pas fini. Hein. Ouais. Voilà le sort de foudre. J'ai rien dit. Le coup, j'ai géré. Prochaine. Oh, attendez. Là, c'est le rush final. Ah, ouais, il suffit. Il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois. Oh, l'artificière. Oh, oh. Attention. L'artificière. Oh. Oh. Il faut qu'est-ce qui. Oh putain. Oh putain. Non, oh, oui, ça pousse, oui, ça pousse, oh, ça pousse, oui, oui. Non, ça passera pas malheureusement. S'il n'y avait pas la tour du roi, il l'avait. Et ici, là, il n'y a plus qu'à sort de foudre. Oh, et c'est gagné. Merci d'avoir gagné, Bouzy. Let's go. Aïe, 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 aïe. En vrai, on a les finalistes. C'est dommage parce qu'il a compris le combo à la fin. Ouais. Non. Petite mais non, mais je connaissais, c'est juste que j'ai. Je voulais juste une vraie ou une vraie. Ah, c'était chaud. Aïe, aïe, aïe. Mais deux matchs plus importants, Michoué. Non, Gotha. Aïe, aïe, bien joué, Bouzy. GG Gotha. Bouzy, du coup, combien de dégâts? Tu vas jouer. Bouzy qui, normalement, assure sa place en finale. On a fini tous les combats. Et je vais vous proposer maintenant, à partir de maintenant dans le chat, de mettre tous votre Insta. Et sur Insta, vous mettez tous votre Insta maintenant. On va en sélectionner en régie 15 et vous gagnerez des gemmes sur votre compte. On vous contactera. Voilà, voilà. Donc, tous ceux qui veulent mettre leur Insta, combien de gemmes? Je sais pas. J'ai pas l'info, mais vous allez avoir des gemmes gratos. Donc, il y en a 15 qui gagneront. À partir de maintenant, mettez tous votre Insta pendant une minute. On pioche, on papote un peu. Et voilà, mettez votre Insta, on va les prendre en régie. Et il y en aura 15 qui seront choisis pour avoir des petits gemmes. Voili voilou. Merci Gavin pour ta donnée. Merci Kevin. Bah, en vrai, t'as kiffé ou pas? Ouais, trop bien. Mais mec, je m'y attendais tellement pas. Ah putain. Une seule défaite. Une seule alors défaite. Que je me fais exploser par toi, par Mich, par Balouz. T'as géré. Hein. T'as géré. Ça comme si il s'est passé un déclic dans ma tête. Du coup, là, tu penses que t'es en finale? Bah oui, là, c'est sûr. On va bientôt afficher le classement. Contre qui? On va afficher le classement dans. Allez, dans 30
secondes, on affiche le classement pour savoir la finale. Alors j'attends que vous finissiez tous de mettre votre Insta. Et on va mettre le classement dans quelques secondes. Non. Ah ouais. Merci à tous qui sont sur le live. J'espère que vous passez un bon moment. Vrai, hein. Ceux qui mettent des pouces bleus, tout tralala, qui s'abonnent, qui mettent la cloche. J'ai mis parce que je voulais pas aller follow tous les invités, etc. Et dites-moi sur Twitter ou autre si vous voulez une saison 2, peut-être avec un autre mode, ou proposez-moi des petits trucs, ça fait toujours plaisir. En tout cas moi je kiffe, je suis trop dans mon élément là, je suis trop bien, ça fait plaisir que tout le monde kiffe. Fais péter mon Insta, merci Axel. Voilà, tout le monde a mis son Insta. On a déjà choisi, est-ce qu'en régie les 15 ont été choisis? Pas logique. C'est fini. Les gars, ça sert plus à rien de mettre le Insta, les 15 ont été choisis, ils vont être contactés dans la soirée. Merci à tous d'avoir participé. Les gars, à partir de maintenant, je veux un maximum de flammes, car on va afficher le classement pour cette finale qui se déroulera en BO3, avec son propre deck. Avec son propre deck. Donc les finalistes vont créer leur deck, vont se préparer pour un BO3. Le premier en deux games gagnés, ça remporte 10 000 euros, plus la couronne. Le deuxième remporte 5 000. Bon, faut être premier, c'est le mieux si tu veux gagner 20 000. Tu peux changer de deck. Si tu perds, tu peux changer de deck. Non, mais t'es obligé, non ? Non, c'est deux parties, c'est bon. Du tirage triple en fait. Tirage, c'est mieux, non ? Non, c'est mieux avec son deck, non ? Mais un seul deck pour les trois, non ? J'ai juste un deck, mais. T'as pas de deck ? Il me nique, quoi. Bah, moi, je trouvais que c'était dard, c'était skill avec le deck, quoi. Tu vois, le chat, vous choisissez quoi ? Le chat, vous préférez une finale en tirage triple ? Après, ou une chat avec son deck ? Bouzy est premier de la finale. S'il choisit le mode, c'est bien. C'est vrai. Après, je suis encore plus fier de me battre. Attendez, on va voir le classement. Est-ce que la régie, vous pouvez afficher le classement pour qu'on sache qui est le finaliste? Attention, qui va rejoindre Bouzy sur la tour? Eh Bouzy, tu... Attends, moi je... Oh, t'es sixième. Ah ouais, Gotha, ça fait mal. Gotha, il passe de finale. Alors, dis-toi. Gotha qui passe 5. Attends, les deux, moi je les ai battus. Ah, mais en vrai, si tu passais, j'avais quand même plus de couronne que toi. Après s'il me battait 3-0, je vais tryhard. Si tu le battais 3-0, et bah vous pouvez aller vous installer. Michou le bouseux, c'était bon en fait. Et le chat a voté deck. Oh, en fait je suis content de jouer 3 et 5. Vous deux, vous préparez un deck, ça va devoir s'affronter. Le premier en deux a gagné, c'est la finale pour gagner la couronne. Pour gagner la couronne dans le décor. Bouzy, la couronne elle est là. Si tu gagnes, elle est pour toi. Michou, si tu gagnes, elle est pour toi. Mais je veux qu'elle soit dans mon décor. Pour le gagnant. Hein ? Je veux qu'elle soit dans mon décor. Michou la veut dans son décor. À votre avis, dans le chat, qui va remporter cette finale ? Michou ou le bouseux ? C'est le moment de faire vos pronostics. Chacun va choisir son propre deck. Ils sont en train de le préparer. À votre avis, vous les gars là-bas, c'est qui gagne ? Michou a l'air d'avoir un deck sur un, quoi. Le bouseux, il fait des tirages. Mais non, il vous partait en tirage ? Non, là, c'est deck. Le chat a voté deck. Est-ce qu'ils peuvent changer de deck? Parce que s'ils peuvent pas. Vous pouvez leur donner des conseils, hein. Si vous voulez, vous allez derrière les tours, vous pouvez aider. Hein. Non, vous pouvez aller chacun derrière les tours. Deck, Michou, mais attends, deck golem. Mais attends, tu connais le jeu de. Pas conseiller Bouzy. Eh Billy, t'as le droit d'aller voir Bouzy et lui conseiller un deck. Vous avez le droit de. Gère. Tant que c'est pas toi qui joue. Pas de deck. J'ai que le deck GR. T'es mal le coach. Attends, je vais regarder sur internet. Et comment il peut ne pas avoir de deck? Frérot, de toute façon, les gars, on va leur laisser 2 minutes pour préparer leur deck. Vous pouvez en préparer un deuxième. Hein. Si la deuxième game, t'as envie de changer de deck, t'as le droit. Mais en vrai, tu sais que normalement, le vrai format e-sport maintenant, c'est tu joues un deck, toutes les cartes que t'as utilisées, t'as plus le droit de les rejouer. Dans un autre deck? Ouais. En gros, après, tu dois jouer un autre deck. Ok. Sauf que toutes les cartes que t'as jouées, t'as plus le droit. On fait ça. Préparez-en deux. Préparez deux decks chacun et vous n'avez pas le droit d'utiliser une seule carte. Dans le même deck. Enfin, j'ai mon coach. Voilà. T'as capté. Il y a Billy qui est en train de concocter un deck pour gros, mon coach, il est avant-dernier. Mon coach, il a 5000 euros dans ses mains. Bouzy qui gagne. 5000 euros dans ses mains, mon coach. C'est sûr. Attends, si on te fait un deck de fou, on gagne de l'argent en plus. Vas-y. Il y a Valouz qui est déjà sur un site. A votre avis, le joueur qui remporte? Moi, je vois du Bouzy. Non, je pense que Michou est trop serein. Michou, il sait jouer. Les gagnants ont été choisis. Bouzeux qui win. Attends. Deck aléatoire, attends. Allez Bouzy. Si je joue son deck, go Bouzy. Il y a beaucoup de Bouzy, hein. Miguel. Après, c'est vrai que si tu connais le deck de. Comme pour les guerres de clans. Il y a des decks ban. Il y a des ban aussi. Eh les gars, est-ce qu'on se fait un truc? Aucune carte ban. Michou, on joue toutes les cartes. Ça te va? On joue toutes les cartes. Dans le deck. On ban aucune carte. On ban aucune carte. Mais juste quand t'en as pris une, t'as plus le droit d'en prendre une. C'est bon. Trois decks différents. Non, t'as le droit à deux decks différents. Non, trois du coup. Bah, c'est un BO2. Parce que si je gagne, il gagne. Ouais, t'as le droit 3. T'as le droit 3 decks. Vous avez le temps de vous faire 3 decks. Les gars, dites-moi dans le chat, qu'est-ce qui a amélioré si on fait une prochaine saison?
Dites-moi si tout est carré, juste on fera un autre mode de jeu. N'hésitez pas à me dire vos ressentis sur la soirée dans le chat. Je lis vos messages. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça touche bientôt à sa fin. C'est le combat final pour celui qui va gagner. Et je vous avoue, c'est serré. Parce que le Bouzeux est très bon. Et Michou est très bon. Les deux jouent au jeu depuis grave longtemps. Michou qui prépare son deck concentré un peu dans son jeu. Ouais. Ban les barbarites. On banne aucune carte. Toutes les cartes sont autorisées, les gars. On banne aucune carte. Électro-géant retiré. Non, il a le droit de jouer. Après, la fois où j'ai dit que je voulais zéro défaite, j'ai perdu. Donc. Ouais, c'est carré. C'est carré. La récompense pour le chat, elle est déjà donnée, mon ref. Trop bien la soirée. Incroyable. C'est sûr, il va jouer son deck. Un peu long. Ah ça, les gars, je pouvais pas prévoir la longueur. J'ai essayé de faire comme j'ai pu. C'est la première, c'est déjà lourd. C'est trop bien, un peu long. Il faut commencer un peu plus tôt. Prochaine fois, on commencera un peu plus tôt. Ouais, c'est dit, gros, 20h30, c'est tard. Hein. Ouais, mais moi, généralement, je commence mes lives à 20h30, donc tu connais. Pas besoin de changer. Parfait, tout est parfait. Ah oui, tout il est va carré. Être minuit, non. Ouais. Incroyable. Oh là là, ça fait plaisir. Tout sauf que je voulais que Gotha soit en finale. Fais pareil, mais en équipe. Écoute-moi, Bouzy. Minus, c'est fait exprès ou pas? J'ai préparé deux decks. C'est pas fait exprès, les gars. Il n'y aura pas besoin de sortir troisième. Excellente soirée à refaire. Classement Inox, on l'a déjà donné, les gars. C'est la finale, elle est déjà donnée. Dinguerie la soirée. Ça fait plaisir en vrai, les gars. En vrai, je suis trop content que vous ayez kiffé. Je suis trop content que vous ayez passé un bon moment. Je m'y attendais pas du tout. Moi, je me suis dit, ça va être cool, mais je pensais pas que ça allait être comme ça. Et franchement, je suis vraiment content en vrai. Mais en plus, il y a aucun. En vrai, faut le souligner, il y a aucun bug. Il y a eu aucun bug. Les lives comme ça, en général, il y a des problèmes. La régie était incroyable. Dans le chat, un maximum d'applaudissements pour la régie. Il y a eu aucun bug. Ils ont été réactifs. Je veux un maximum de merci la régie, parce que en vrai de vrai, derrière un live comme ça, c'est pas moi qui a fait les décors, c'est pas moi qui a fait la cam. Moi, j'ai juste dit je veux faire ça. Ils ont tout réalisé. Donc sans eux, il y a pas de live. On peut leur dire merci. Ils ont tué ça. Vas-y, go. Et la régie me dit prêt. Mais la régie est incroyable. Le chat vous remercie. Inox, on est prêt. Ils sont prêts. C'est le moment. Dans le chat, de mettre un maximum de flammes. Je vais faire un décompte. Et vous allez lancer. Non, la mais t'inquiète. Oh, non, non, c'est est-ce que vous êtes prêts? Bouzy, t'es prêt? En fait, au pire, le deuxième, je vais pas encore prêt. Okay. Michou, t'es prêt? Je suis prêt, j'ai lancé. Ah, okay. Troll. T'es prêt? C'est lancé. 3, 2. Et je pense que c'est mieux que. Que la finale commence. C'est un deck fort contre. C'est un Peter Bridge. C'est vrai. T'as vu Gotha le. Il fait tomber lumière. T'as vu le deck de Bouzy, ça? Ok, c'est parti. En gros, c'est un counter au deck. Normalement. C'est la finale. Golem c'est de. Mais je sais pas s'il a pris Golem. C'est quoi? C'est un spam bridge? Ouais, c'est tu. Ah, il joue Bouli Cimetière. Okay. Ouais, c'est ce que je joue. Il joue Bouli Cimetière. Bouli Cimetière. Bah, c'est son deck Golem, non? Ah, dans son Golem, il y a Cimetière? Je sais pas. C'est la finale, les gars, on est tous concentrés. C'est exactement le deck que je joue là. Oh. Pekka Bridge. Il est bien Pekka Bridge, mais avec une Thompson. Vous y, c'est mon deck, je le joue. Avec la TDE là, il peut. Ouais. Par contre, bah faut qu'il. Faut qu'il la clean avec la voleuse peut-être. Ouais, avec la voleuse. Voleuse c'est fort. Y a, t'as mis le fantôme. Faire, oui. Non, j'ai demandé s'il peut faire ça ou Prince Ténébreux, du coup on a mis Prince Ténébreux. Ok. Et c'est vrai que le fantôme était pas mal du coup. On est en train de voir petit à petit le deck que chacun a pris. Michou a un bon deck défensif, j'ai l'impression. Et en fait, aussi, il voulait la tombstone, donc on a viré une carte, tu peux laquelle. Mais... À votre avis, je suis le chat fan de qui gagne. Non. Non plus, mais c'est une carte qui kiffe. Ouais. Ah non, je te jure que non. Non, non. Non, il y a voleuse en vrai, c'est un bon choix. Il est quand même en découverte de deck en finale. Ouais. Après, je l'avais prévenu à Bouzy. Hein. Après, ah oui, non, mais après, regarde. Genre, le mode qu'on a fait juste avant. Ouais, j'avoue, c'est de découverte. Bah c'est la découverte, il s'en sort super bien, donc au final c'est pas... Tu vois, pour lui en tout cas ça l'a pas bien. C'est Michou, je sais pas, ouais, c'est peut-être son golem. Hein. Mais il manque une carte à Michou. Deux. En vrai c'est égalité, hein. C'est pour l'instant, ouais, pas golem. Pour l'instant les gars, ça se tape. Hein. Merci Mlab pour ton sub, merci mon ref. En vrai faut jamais qu'il pose le PK comme ça. Après en x2 parce que là du coup il peut... Il va mettre une TDE, ouais. Il essaie de mettre la T2 de Michou, elle fait mal. Après il peut... Oh. Oh non. Ah, pas la range. Est-ce qu'il est bien mis? Attends mais ça aggro. T'as pris l'aggro du truc. Ouais mais... Aïe aïe aïe, il y a pas, Michou y a une pas défense de zap en béton. Ah parce que voleuse de l'autre côté ça... Faut d'abord qu'il passe la T2 avant de poser le PK en haut. Comment il va défendre le Bouli? Oh Bouli Cimetière, incroyable. Bouli Cimetière c'est un de ses combos. Oh. Ah non, la tour elle est finie. Non, il y a eu le barbare, il était très bien joué. Il y a voleuse aussi.
Et derrière, il a une petite attaque. Il a fait un contre-attaque avec le BK. Est-ce que l'électro-sorcier prend l'aggro? Normalement. Oh non, bien joué la Valkyrie. Oh, le boucher. La voleuse. Un coup. Il est en first time sur le deck. Il est en first time sur le deck. Défends. Non, pas PK, 4 secondes. Non, au calme, c'est calme. Bon. Mais combat, un 0. On rappelle que cette finale se joue le premier à 2. Et en découverte. Qui va gagner? Vous devez changer de deck. Et n'utilisez aucune des cartes que vous avez déjà utilisées dans le premier deck. Et bon, t'as Tombstone. Donc le premier qui arrive à 2 à gagner, Michon peut remonter. C'est pas encore fini. Si Bouzy gagne ce match, c'est terminé. Il repart avec 10 000 euros. Du coup, rappelle-toi des cartes qu'il peut pas utiliser. Du coup, Cimetière, c'est parti, Boulis. Bonne chance à eux. En plus, il y a sûrement des cartes qu'ils utilisent dans son deck golem, du coup c'est chiant. Attends, Inox, ils ont le droit d'utiliser un autre deck là, c'est ça? Ouais, ils ont le droit d'utiliser un autre deck, mais sans les cartes d'avant. Bouzy, ils ont pas le droit d'utiliser une des cartes qu'il y avait dans le deck d'avant. Ah, et nous, et Bouzy, il est bien parce que le seul sort qu'il avait, c'était boule de feu. Donc du coup, il peut mettre toutes les sorts. Ouais. Attends, je vais aller check les decks, je suis curieux. Tu l'as déjà fait, Michou, ou t'en refais un? Ouais, moi, il est fait. Il peut plus prendre. Tu l'as déjà préparé son deck? Michou, est-ce que t'as sorti? Oh, Bouzy, il sort son space, hein. Bon, Louzy, il est présent. Michu, il va la jouer comment? Il a tout leak. Ah non, il a tout leak. Je crois qu'il l'a joué. Il est écœuré. Mec, c'est un deck. Tu peux pas parce que du coup, je crois que dans ce deck. Voir. J'ai hâte de voir. Je remonte dans le temps. Tu sais que là, il y a. Mec, là. Mais tu sais que je pensais vraiment pas perdre. C'est pas grave. Je te dis honnêtement, je pensais vraiment pas perdre. Au moins, il y a du challenge. Parce qu'en fait, le deck Bullis Cimetière, c'est le deck que j'ai envie de jouer tout le temps. Mais en fait, t'as pris par surprise. Parce que mon deck golem, je le joue, mais parce que c'est mes cartes améliorées. Mais en vrai, c'est pas mon. C'est mon deck préféré, mais c'est pas mon meilleur deck. Tu joues là ? On l'a pas vu de la soirée, quoi. Celui-là, je le joue de temps en temps. Mec, toi, tu joues mon bref. Bouzy, est-ce que t'es prêt ? Non, à cause de toi, je dois tout rechanger. Rétro que guérisseuse, c'est pas joué. A votre avis, les gars, qui gagne ce combat ? Michou ou le Bouzeux ? On est sur la fin du tournoi. Si Bouzy gagne ce combat, il a gagné le tournoi. Si Michou le gagne, égalité, et Michou peut regagner le tournoi. Mais la guérisseuse derrière, elle est introumbable les deux. Et le golem d'élixir, il meurt jamais. Bouzy qui cherche les cartes sur lesquelles jouer. Si le mec arrive à le gérer, est-ce qu'il va jouer un deck agressif ou un deck grattage? En vrai, ça pue sa mère, ça te donne 3 d'élixir. Non, c'est 4. Go la suivante. Bouzy est en train de choisir son deck. Soyons patients. Oui. Il a presque fini son deck, t'as pas le droit de l'utiliser. Faut avoir des patins. Là j'ai un à droite, t'as pas le droit de l'utiliser. C'est quoi, c'est tout? En gros, le mec, normalement, en fait, il y a un golem. Non, mais c'est un golem, ouais, c'est ça. Bonne casse à ta femme, Cathy. Il que 3, mais ensemble. Il est tanky comme les gros. Ah putain, ok. Par contre, tu l'as un malus. Si jamais tu meurs, il met des 4 petits golems. Dès que tu les tues, ça nous donne des glisseurs à l'autre. Tu manges des giga contre-attaques. Le Bouzeux qui revérifie son deck une dernière fois. Tu gères le truc, quoi. Michou qui est déjà prêt. Ah, tu fais des modifs? Ouais, je change. Oh, Michou en qui fait, change de deck à la dernière minute. Je fais mon deck de la troisième game. Oh, il prépare déjà sa troisième game. Au cas où c'est il y a. Un il est dans le turf. Il prépare déjà sa troisième j'ai fait game, un deck, Michou. Mon pote. C'était prêt, Bouzy? T'es à une game. Hein. Il est cuisiné. Hein. Ok. Bouzy, Michou, tu peux inviter Bouzy. Je suis à une game de faire un truc. Les gars, un maximum de flammes maintenant. C'est peut-être le dernier match de ce tournoi. Pas trop si viable, sauf si Michou gagne. C'est parti, bonne chance que le meilleur gagne. Attends, tu sais pas jouer à Lockbait ou quoi? Que le meilleur gagne. Ça va trop vite, Lockbait. J'ai lancé. Ouh, c'est la grande finale. Si bonne le Bouzy gagne ce match, c'est terminé. Attendez, Bouzy, tu t'es trompé de deck, je crois. Non, c'est bon. De mode, non. Merde. Refaites le combat là. Il y a eu un problème. Il y a un problème origine. Vous êtes en fight. Recommencez. Ah ok. Ah merde. Recommencez. Mais je crois Michou, il avait le. Ouais, vas-y, je te laisse me fumer. Non mais il laisse le fumer, ah ouais. Ça a déstabilisé. Regarde mes cartes quoi. Même deck qu'avant, non? Bah toi aussi tu peux voir. Oui bah on est coincé. Je vais tuer au bébé dragon. Bah ouais mais on va se spoil nos cartes. Mais ouais c'est trop bien. Regarde pas l'iPad. Regarde pas l'iPad. Les gars, deux secondes. Je regarde pas l'iPad. Il y a eu un petit problème. Dans deux minutes ça revient. Là ils sont en train de. Regarde pas l'iPad. Je regarde pas. Vas-y fume le vite. Il osait pas clair. Ils sont en train de se fumer pour relancer une game. Ça là ça met du suspense. Ça met de suspense. Y a un truc bizarre. Ça tombe bien, j'avais pas une bonne main, Bouzy. Là, il regarde pas l'iPad, sinon il va se spoil les cartes. Ballon bûcheron. Ok, les gars, on fait durer le suspense. C'était pas voulu, hein.
J'avoue, il joue pas long duel. Merci la régie. Bon, ça arrive, ça arrive. C'est bon. Malin à jouer en. C'est presque bon. La tour du roi se fait finir. Regarde pas, je te dis quand c'est bon. Alors attends deux secondes. Attendez une minute. Le seum. Attends, mais il va voir dans son historique. Ok, c'est parti. Tu peux l'inviter. Michou, tu peux inviter Bouzy. Dernière game du live. C'est parti. Que le meilleur gagne. Let's go. Ah, moi, c'est théorique. Comment c'est la dernière game? Peut-être pas la dernière game. Si Michou gagne, non, mais dans le tu nous fais durer le live plus longtemps. Donc, t'as intérêt à le gagner. C'est pas aller théorique dans le truc, tu vois. A votre avis, qui gagne ce combat? Michou, le Bouzeux. En vrai, j'aimerais bien que. Soyez confiant. En fait, j'aimerais bien que le Bouzeux il fasse vraiment la soirée perfecte, tu vois. C'est juste faire du compte Billy. Il le mérite, ouais. Non, et... C'est le plus méritant sur la soirée. C'est le même début Billy. Quelqu'un qui a gagné contre. Ouais, il y a que. Non, battu... que... non, non, il y a que. Il y a que Billy qui a battu. Il y a que Billy qui a battu. Ah oui, parce qu'il avait battu Owen. C'est l'histoire. C'est improbable, j'avoue. C'est improbable, il a perdu ce tout. Il y aura le tweet qui dira bien joué pour tes 20 000 euros, machin, et tu pourras dire ouais, il y a que moi qui pouvais le tomber, désolé les gars. Non, mais c'est parfait. Ce serait beau. Ok. J'aurais dû gagner. Oh là là. Attends, Michou, il a mis le. Attends, Golem, c'est Bouzy. Ouais. Deck golem de part de Bouzy, c'est risqué. Si Bouzy gagne golem contre Michou, là c'est la boucle est bouclée. Là. Ah mais ça c'est de l'ego Bouzy parce qu'il sait, il doit savoir comment gérer ça lui. Il connaît les timings. Oh là là. Ah comment défendre le poison. Oh le poison. Oh le poison, poison est ouais. De ouf. Oh magnifique poison. Il reste dedans en plus. Oh, c'était le poison, tous les shields. Trop sale. Mais je crois que la le golem va aller à gauche non? Ah ouais. Est-ce que la gargouille va mourir à votre avis? Après ça tue tout quand ça explose. La gargouille elle est. Non la gargouille là elle est en train de clean. Ah ouais, ça peut mettre combien de coups là? Un coup, deux coups. Ça gratte un peu, hein. Explosion. Deux coups. Attention à la contre-attaque. Ouais. C'est ouais. Pas fou. Ah, mais il a dû mettre beaucoup Michou quand même pour défendre. Ouais. Mais genre une fournaise à 4, ça fait plus de dégâts que tout son truc à. Ouais. La régie, y a pas de son. Régie, pas le son du jeu, mais je suis pas sûr. Faites attention si jamais on peut activer le son. Direct la princesse. Ça a le temps de. Fournaise, c'est la folie. Bouzy, il faut qu'il casse tout. Le son revient, les gars, ça arrive. Il perd surtout là s'il casse pas ses cycles, Bouzy. Ça revient à la régie ou pas le son? Ouais, bien dit ça. Non, parce qu'il gratte tout le temps avec la boule de feu, il perd sa princesse. C'est putain, Michou qui gratte petit à petit. Ça repart sur un golem du côté de Bouzy. Attends, mais toi, tu joues un deck triple elixir, toi, Michou. Michou, là, il a un petit deck, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment les. Non, alors, en fait, là, il fait que défendre. On va pas triple elixir, mais triple. Okay. Je sais ce qu'il a. Ok, ok. C'est quoi, d'un cas les deux derniers. Je sais pas pourquoi, je me dis, il a un truc. Je sais pas pourquoi, il y a des gens, ils me disent, il y a pas le son du jeu. Ils veulent surmener du côté. Bah, nous, on l'entend pas aussi. Hein. Bah, nous, on l'entend pas. Attends, il a rien pour. Ah, si, moi, j'aimerais pas un peu. Bah, après, ça doit être de l'iPad de là-bas. Ok, le golem qui est bien géré. Ah, c'est bien géré quand même là. C'est serré, hein. C'est serré, mine de rien. À gauche, ça creuse un peu. Ah non. Ah, c'était ça. Oh, Michou, il joue ça dans son deck. Il a pas découvert ça. En fait, il gagne avec quoi, Michou? Juste un peu quand? Un petit peu? Bah, Michou, je pense. Bah, en fait, en gros, il défend en fait, et contre-attaque. Ouais, mais le problème, c'est. Regarde, regarde, ça va faire du. Ouais, le canon. Je pense, c'est un truc, il accumule les troupes en défense et après, il envoie ouais, c'est ça, ou c'est pas ça. C'est ça. Non, pas la range. En fait, ouais, en fait, il accumule les troupes, Michou. Ouais, mais par contre, vous savez que, genre, juste il défend la fournaise. Ah oui, d'accord, je vois un peu le. Ouais, c'est vrai. Après, Bouzy, si ça passe une fois. Ouais, mais non, il peut pas passer. Et Bouzy, il peut pas passer. Avec ça, il peut pas passer. Là, le poison il est trop bien. Ouais, le poison ouais. Il est très très bien. Il y a tellement de petites unités que tout va sauter. A votre avis, qui gagne ce combat dans le chat? Et regarde là, il le gratte au fur et à mesure à gauche. Attends, à gauche. Oh, Michou qui gratte à gauche attends, aussi. À gauche. Hein. Attends, mais. Attends, Pussy qui a pas mal de troupes là. La gargouille, la gargouille, elle fait mal. Oh, trois coups. Oh putain de merde. C'est égalité, c'est égalité, c'est serré. C'est magnifique, comme final. Pas capable, ok. Faut. Merde. Les petits trucs. Oui, mais faut les gérer, faut les gérer. Ouais. Ouais, faut les gérer parce que ça va faire très mal. C'est du moins 200 à chaque fois, Bouzy. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ok, Bouzy a 4 c'est vu, mais il y a les gardes. Ouais, c'est une nouvelle carte ou pas celle-là? Laquelle? La fournaise. Non, 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 celle date. Il y a 1000 ans, ça. Okay, donc, le golem est géré tranquille. C'est tellement dur pour le golem. Mais de... vraiment tranquille. Le golem peut pas passer là. Oh, ça touche en avant. Ah, dommage, ça touche pas la tour. Ok. Tour à 800 du côté de Michou. C'est fébrile. Les renforts. Force Michou à défendre là. Faut les défendre parce qu'ils vont mettre des auto-attaques. Nice. Ouais, bien. Ouais. Le dragon il est bien. Ouais, le dragon il est bien, il va tout défendre. La gargouille qui fait très très mal. En plus, regarde quand ça va spawn. Quand ça va spawn. Et là, hop. Un Michou qui défend bien. Il a du mal à gratter là, Michou. Hein. Et il se fait gratter au oh là là. Michou. Attends, par contre, il y a une grosse. Waouh, la. Waouh, ça c'est la. La, 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 la régale. Oh, oh, il a quelque chose ou pas?
Ouais. Ah ouais. Attends, ouais, mais bébé dragon, bébé dragon, bébé dragon, bébé dragon. Le dragon, le dragon. Le dragon. Le dragon. Oui. Oh, ça repousse. Oh là là là. Le poison, le poison, le poison, il y a juste ça. Il y a juste à défendre et cycler. Défense. Oh putain, la bûche. Ça sert un peu plus, ça suffit ou pas? Non. À gauche, à gauche. HP. À gauche, HP. Va HP à gauche peut-être. Attention, attention. Bichou pour toi. Oh le combat. Mais c'est incroyable, je pensais que j'avais gagné. Non. Oh le Sénat, c'est quoi qui a fait le mec? Il est en château. Je crois qu'il avait la. Non, mais là, j'ai les couilles froides à un moment. Oh non, 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 non. Égalité. Égalité parfaite, les gars. Oh là là, les gars, la game était insane. Et il y a donc un partout. Putain, tu m'aurais battu avec un golem, gros. Dernier match, dernier combat. Celui qui gagne ce combat remporte la soirée, remporte la couronne. Et remporte 10 000 euros. Le deuxième, 5 000. Qui va partir avec 10 000 euros? Ils sont en train de refaire leur deck. On n'a pas le droit de réutiliser les cartes. Ils n'ont pas le droit de réutiliser aucune des cartes qu'ils ont déjà jouées. Ça devient de plus en plus dur. C'est dur pour les sorts. Ça devient de plus en plus dur parce qu'ils ont. Au pire, viens un tirage. C'est des trucs volants là maintenant. Ou au pire, on peut terminer sur un tirage. Ça va être trop compliqué, non? Je sais pas. Là, j'avoue que je sais pas. Un petit tirage. Un tirage. Juste, je mets mon deck. Attends, le chat vote. S'ils disent deck, c'est deck. Un tirage pour conclure, c'est beau. Un tirage pour conclure, c'est beau. C'est le principe de la soirée, quoi. Allez, les invités choisissent. Tirage. Tirage. On peut avoir assez. C'est les invités qui ont choisi. Pour conclure, je peux pas jouer mon golem. Le chat, un maximum un de flammes. Un tirage incroyable. Oh là là. 10 000 balles. 10 000 c'est balles. La dernière c'est game. Et c'est pour 1000 golem. C'est la dernière game du tournoi en tirage. La tirage. On a commencé en tirage. On l'avait réservé. On va terminer en tirage. Celui qui gagne, il remporte la couronne. Et par contre, le deck de Michel. 10 000 euros. À votre avis, dans le chat, qui gagne cette dernière game? Vous y êtes prêts? Michou, t'es prêt? T'as un HP quoi. 3. C'est lancé. 2. Que le meilleur gagne, c'est parti, let's go. Faut qu'on dise rien, faut qu'on dise rien. On dit rien du tout. Pas d'info, pas d'info. Qui va avoir le plus de skill avec les cartes qu'il ne peut pas choisir forcément? C'est quoi, à gauche? Ah, Michou, pour l'instant, il y a un... Pardon. Ça pique vite, hein. Les choix, ils sont décisifs. Oh, oh là là là. Oh là. Putain, il l'a pas pris, quoi. Oh, ouais. Il va refaire le coup. Il kiffe, ça. Ah, le fut à squelette. Michou, il fait les choix importants. Les cartes sont vraiment forts. Ouais. Michou, tu sens qu'il check en face avec ça lui les choix de Bouzy. Donner les cartes de ouf au Mich-Mich, là. Dès que le Mich, il est quand même... De Michou, putain. Moi, il... Bouzy, il est bien, là, par contre. Hein. Ah, les gars, je vous ai laissé choisir les abonnés pour les decks, là. Bonne chance. Choisir les invités pour tout le tirage. Se joue maintenant. C'est le jeu. À partir de maintenant, le chat. Un max de flammes qui va remporter ce dernier combat. C'est maintenant. Il est allé chercher son dernier match sur un 20 HP la tour et tout. Le scénario, j'avoue qu'il est ouf. 20 HP. Attends, mais ça, je pense que c'est pourquoi, non? Parce que Bouzy, il est habitué à jouer des cartes 14. Non, ce que je viens de faire. Oh, ça attaque le roi, ça attaque le roi, ça. Non, mais oui. Mon dieu. Aïe. Première seconde de la game. Scénario de ouf et tout. Premier move, bam, le roi. Aïe. Mon dieu, second temps de la game. Ça finisse comme ça. Par contre, il a encore pas fait exprès, c'est incroyable. Non, il fait pas exprès. Hein. Il fait pas exprès. Tu sais que la position pourtant elle. Oh là là. Mais ouais. Oh là là. Michou il disait qu'il pouvait le gérer quand même ça. Ouais. Michou a dit qu'il savait gérer. Ah, mais du coup, c'est dommage parce que Barbares, ouais. Sa foreuse, vu qu'il y a la tour du roi, elle va servir à rien. Si Michou gagne cette game, c'est quand même incroyable. Ouais. Là, il doit clutch. C'est bien parce que c'est mérite des deux côtés là. Vous le faites très bien. Mais en vrai, ça l'a mis dans la merde. Oh, de ouf. C'est pour ça qu'elle est dangereuse quand même, hein, la. Comment elle s'appelle déjà la petite là qui tire artificière? Ok. En vrai, c'est ça, c'est serré, les gars. Hein. De fou. C'est pas perdu pour Michou, même s'il a touché la tour du roi. Il a pas eu de chance sur. Les deux ont des decks qui se jouent. Donc. C'est ça qu'on trouvait trop, ça trop fort. Le hasard du tirage, c'est le jeu. Il va gratter le roi. Hein. Attends, le gros étoile. Petit à petit. Attends. C'est pas fini pour Michou, honnêtement. C'est possible de gagner comme ça? Hein? De taper juste le roi? Tu peux, mais c'est impossible. Ouais, tu peux, mais c'est impossible. À 4600 quoi. Moi, honnêtement, les gars, je pense que c'est serré quand même. Hein. Non, moi, je pense que c'est game over pour Michou. Tu penses que c'est game over? Non, je pense pas que c'est game over. En fait, le seul problème, c'est que ça a une condition. C'est la foreuse et la foreuse avec le roi derrière. Ouais, elle va servir quoi. Après, s'il contre-attaque avec un. Oui, mais Bouzy en x3, il passe pas. Attends, pourquoi elle a pris l'aggro de la foreuse? C'est des gros barbares là. Parce que c'est un bâtiment. Des bâtiments, ouais. Bon, faut voir. Après, Michou, il s'est bien joué tout Allez, Michou, il se défend bien.
Oula. Il gère bien son élixir. Il connaît, il connaît. Trois troupes derrière. Aïe 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 aïe, la boule de feu, elle fait mal. Oh là là, l'archer en plus qui prend le focus instant. Ah, la boule de feu, elle a été bien gérée. Pour tomber l'arc. Si le barbare, c'est terminé. Ça sent bon. Oh, bien joué, ça, Michou. Ah, mais bon. Allez, les gardes qui tempo. Oh là là. Oh, c'est Gucci ça. Ça, c'est greedy, non? Ouais, ça, c'est greedy. C'est gourmand. Ah, mais ça me pêche. C'est trop bien joué. C'est gourmand, mais c'est bien joué. Non, non. Ça défend bien, ça défend bien, ça défend bien. Greedy de ouf, hein. Surtout en 20. Non, mais en vrai. Ça a mis du dégât quand même. Ça a mis 700, ouais. Moins 400. Ouais, mais après, faut réussir à les défendre derrière. Donc, faut trouver une solution pour les défendre. C'est très bien. En fait, faut vraiment qu'il joue tout sur ses barbares. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est vraiment trop fort. Mais la game est quand même serrée, hein. Et ils mettent des dégâts, hein, les gobelins. Oh, oui, ça met des dégâts, le poison aussi. Égalité, les deux tours sont égalité. C'est le x3 qui part directement. Ah, ça va être de plus en plus dur à gérer, quoi. Ça va être de plus en plus dur à gérer les decks. Là, ça va aller vite. Là, en x3, je crois que ce push-là, il va être. Ils sont déjà en x3, non? C'est un push décisif, hein. L'artificière, l'artificière, non, il a fait si le géant passe, c'est fini. La Valkyrie, la Valkyrie, oh, c'est la bon, Valkyrie, ça a réussi à tomber. Mais il a plus d'électricité. Est-ce qu'il y en a pas un qui arrive juste après là? Ça qui reste au fond, c'est incroyable. Ouais, parce qu'à chaque fois, t'as l'impression qu'elle est avancée, mais en fait, elle est au milieu. Faut voir l'ombre. Moulin, c'est vraiment le MVP. Oh non, la croix était prise sur la tour. Oh, ça met des dégâts. Oh là, là, oh là là. Ça peut être terrible ça. Oh, ça peut piquer ça. Attention, peut-être la. La pré-shot. Ah bah il poke au fur et à mesure, c'est-à-dire que ça va tourner, ça va tourner. Aïe 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 aïe. Yes. Et c'est terminé. Oh là là. Le grand gagnant. Le grand gagnant. Le grand gagnant. Il est là. Il est là, le grand gagnant du tournoi. C'est un monstre. Let's go. Après 5 ans d'exécution à Clash Royale, il est de retour. Mec, t'as un merci d'avoir relevé le défi du mec, jeu. Il a dit qu'il le gérait. Et vous dites, tu peux la prendre, tu peux la prendre, c'est la tienne. Frérot, j'ai dit que j'allais faire. Tu peux la prendre. C'est ta couronne. Il a retourné le tournoi. Il a retourné les pronostics. Il a retourné. La couronne magnifique. C'est un combat. Merde. Il a retourné le trophée. Mais félicitations. En vrai, incroyable. Nouvelle troupe. C'est un monstre. Bien joué, Mouzi. Franchement, c'est mérité. Ouais. Les gars, t'as un maximum de GG dans le chat. C'est son meilleur retour. Tu m'as choqué, gros. Ouais, mais je suis choqué aussi. Je me suis choqué aussi. Franchement, félicitations. Merci. Les gars, il s'est fait ban. Il a pas pu jouer au jeu depuis 5 ans. Après, il est de retour. Michou n'a pas joué au jeu depuis 5 ans aussi. Mais c'est beau. Ça veut dire que t'arrives, t'es de retour. Tu montres à tout le monde, t'as roulé là, t'as roulé sur le tournoi. Hein. Oh là là. T'as roulé sur le tournoi, mais j'étais pas mal. Très bien joué. En vrai, t'as roulé une fois. Mais si, t'as roulé sur le tournoi. T'as perdu qu'une seule fois. Attends, ouais, c'est vrai. C'est le seul à avoir gagné. Un peu de réussite aussi, faut le dire dans les matchs. C'est vrai. En vrai, je suis sûr que tu te feras moins. Mais j'ai gagné ça. Mec, merci d'avoir participé. Merci Michou. Merci à tous ceux qui sont là-bas d'avoir participé. Merci pour l'invite. J'espère que vous avez passé un bon moment. Oui, merci. Si on fait un petit classement. Bouzy qui repart avec 10 000 euros, Michou qui repart avec 5 000 euros. C'est énorme. C'est qui les deux derniers? Val et moi. Val et PA qui repartent avec 1500 et tout le reste c'est 3000. Let's go. Merci. Je crois. Hein. Je crois. On rentabilise le budget Clash Royale. Merci. Les gars, c'est trompé, y a merci un à tous d'avoir regardé ce live. J'espère que vous avez kiffé. Merci à tous pour bien joué encore à Bouzy. Dans les commentaires, dans les pouces bleus, sur Twitter, sur les réseaux. Merci à le tous. Le boss. Merci. Les gars, j'espère que vous avez passé une bonne soirée avec moi. Je tiens à remercier encore une fois Clash Royale d'avoir organisé tout ça pour le cash prize, pour la déco, pour tout. C'était impressionnant. Il y a le lien dans la description. Merci Clash Royale. Ça m'a fait peur. Pour ce live, c'était incroyable. Si vous voulez une saison 2, je regarderai vos messages, tous vos commentaires sur Twitter, etc. J'espère que vous avez passé une super soirée. Ça s'est fini un peu tard, peut-être un peu long, mais moi j'ai passé une super soirée, j'ai kiffé, c'était la première fois que j'organisais une émission comme ça et j'espère que c'est réussi, j'espère que vous allez kiffer. Passez tous une bonne soirée, bonne nuit, bonne chance à ce concours demain, vous couchez pas trop tard, merci à ceux qui m'ont des pouces bleus, qui sont abonnés à la chaîne et la cloche. Bonne soirée à tous, c'était incroyable. Tchuss. Bien joué. Ah, c'était trop d'art. Ah, j'ai kiffé.